Ouh là là, bah dis donc, 31, c'est qu'on n'est pas en avance, hein. Mais je mets gars à la bourre. Ouais. Ah oh, on va voir l'autre, un morceau de l'autre côté. La belle et le clochard. Le arrachu. Oh, c'est le dîner. Ça va bien. Comment ça va le chat? Mais... Déjà. Merci VRW19 pour ton sub. Non, c'est pas un sub, ça fait déjà 2 mois. Waouh. Oh. On va se faire ban. On va se faire ban. C'est une façon de manger du pain à la française. Comment vous allez? Ça va bien. Non mais pardon, fini ma bouchée. Ouais. Terriblement mal poli. Merci à Gwen1914 pour ton sub. Non, alors c'est, non, les chiens. C'est écrit sur l'écran en plus, hein, vraiment, juste là. T'as un problème de lunettes à ce niveau-là, Arthur. Hein. Alors, je sais, aujourd'hui, on ne savait pas encore. Il y a 20 minutes, on se disait GeoGuessr. Et en fait, qu'est-ce qu'on a? Bah, pousse-toi. Oh! 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 Merci Slim Therapy pour ton sub. Slim Therapy. Ça. Pour ton sub.
Merci Mister Blue Slow pour le sub. Oh, j'adore cette image. Attends, regarde. Caméra 2, Arthur, prêt ? Elle est où ? À ta droite. Attention, caméra 3 pour le gros plan. Magnifique, hein ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, je pose mon pain sur une enclume. Cette phrase n'avait jamais été prononcée dans l'histoire probablement de l'humanité. Pas. Est-ce qu'il y a souvent des gens qui posent des baguettes, des viennoises au chocolat sur des enclumes ardennaises des années 40, 50, 50. C'est une enclume gauloise. Non, ardennaise, elle vient des Ardennes. Oui, mais le type d'enclume. Française. Française. Non, anglaise. C'est une enclume. Je sais plus. Il y a les enclumes françaises ou les enclumes anglaises. Alors, il y a une enclume qui a deux bigornes, qui a deux pointes. C'est ce que vous voyez là. Petite histoire sur les enclumes. Allez. Elle est sur roulette, hein, c'est pas Arthur qui est méga fort. Ouais, elle fait plus de 100 kilos. Hein. Quoi qu'on s'était motivé à la sortir du camion à la main nue. Ouais. Et bizarrement... Il y a vraiment eu, bah, comme les pneus béton, il y a eu... On va prendre la chèvre. Bah voilà, ça a été exactement ça. Magnifique enclume. Je voulais absolument une enclume quand on a créé la fabrique auto. Et j'ai trouvé cette magnifique enclume. Sur qui était en plus de ça sur le Bon Coin, parce que sponsor le Bon Coin. Vous allez voir. A été fabriqué sur le Bon Coin. Dis-leur vite fait. Au passage, on est à Poudlard, donc c'est l'endroit où on filme d'habitude les vidéos. Voilà, presque tout vient du Bon Coin. Vous reconnaissez là ici. Attendez. Arthur, comment ça fonctionne un diff? Alors le, vous pourrez le regarder sur le Vultec de Villebrequin. Villebrequin, en fait, c'est une chaîne YouTube qui, voilà, c'est, voilà. Made in le Bon Coin, tout à fait. Made in le donc, made donc, in le Bon Coin. Pardon, je t'ai coupé. Le chirurgien aussi. Le chirurgien aussi. Donc c'est une enclume que j'ai trouvée à Bondy dans le 93. Et c'était une affaire familiale. C'est l'arrière-grand-père du monsieur. C'est les dessous de l'histoire de l'enclume. C'est ça. C'est l'arrière-grand-père du monsieur qui avait créé une forge. Et ensuite, c'est devenu des travaux, une entreprise de travaux généraux, plomberie, bâtiment, maçon. C'est étonnant de se dire que la forge n'est pas forcément quelque chose de porteur dans nos années. Et donc, c'est les arrière-petits-enfants qui devaient avoir les 50 ans bien tapés. Hein. Qui m'ont vendu cette enclume et elle était montée en plus. Non, tu fais ça, je te pète la gueule. On peut faire. J'ai encore. Non, j'ai encore envie de le bouffer moi. Bah, c'est pas gênant. Ben non, tu vas taper dessus. T'as pas idée de ce qu'il a tapé. Cette massette, elle a tapé des trucs. Buter. Je vais te buter. Pas gênant. Merci beaucoup. Attendez, j'ai pas lu les. Et merci. Bref, à... Elle était montée. Cette enclume était montée, genre soudée sur des poteaux en acier et sur un socle qui est encore là. Le socle, ça doit être, c'est une plaque d'acier qui doit faire 3 cm d'épaisseur. La plaque en elle-même, elle fait 40 kg et l'enclume fait 100 kg, plus les pieds qui devaient faire 20 kg chacun. Donc on avait un petit total à 150 kg et moi je suis arrivé tranquille là-bas avec mon petit fourgon. Le mec, il a fait « Ah, vous avez une grue dedans ?» Ben non. Et en fait, j'ai vu l'enclume, il devait être 21h, et l'enclume était posée au milieu de la cour, genre toute seule, il y avait juste une pauvre lumière dessus, et j'ai vu la taille du truc. Ah putain, il n'y avait pas d'échelle sur la photo, moi je croyais que c'était plus petit. Si, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que tu as réussi à la charger là-bas, mais sans grue, ouais. Et nous deux, on n'a pas réussi à la décharger, donc ça veut dire que le monsieur là-bas était plus costaud que moi? Non, c'est surtout que... Quand je suis arrivé là-bas, l'enclume était debout. Mmh. Et ensuite, je l'ai couchée dans le camion. Fais-le dans l'autre sens pour la caméra. Elle était debout, j'ai reculé mon camion et je l'ai penchée dans le camion. Et ensuite, je l'ai tirée. Alors que là, il fallait la redresser dans le camion pour ensuite la décharger à la grue. Alors, j'en profite vite fait. Merci à Gwen1914 pour les cheers. Merci, Gwen1914. Merci à Coquillette encore pour les cheers. Et merci à EVRW19 encore pour les cheers. Allez pas vous foutre dans la merde. Hein. Par pitié, ne faites pas comme Arthur et son compte en banque. Bonjour, monsieur le banquier. La situation sera réglée demain, vous en faites pas. Ouais, la situation fait pas tant la gueule que ça. Enfin, à mon niveau. Et bref, on s'est fait chier à prendre une enclume. Voilà l'histoire de l'enclume. C'est pas du tout une histoire d'enclume que... On voulait faire aujourd'hui.
Alors, le truc qu'on va... Lourd, hein. Même sur des roulettes, c'est lourd. Est-ce que tu peux expliquer ce que les gens vont croire que c'est le moteur de la dernière fois, alors que pas du tout ? Quasiment le même. Oui, mais c'est pas le... Oui, alors. Merci beaucoup à Jean-F191. Ah bah, t'as bien fait de le lire, parce que j'étais parti sur un jean. 2 mois déjà. Et ouais. Alors, c'est un moteur de Ford Mustang. Il se trouve que, vraiment, par le biais du hasard, hein, oh, comme quoi la vie, hein, le monde est petit, hein, eh bien, le propriétaire de ce moteur-là connaît le propriétaire de la Mustang de l'autre jour, et lui était déjà au courant qu'il fallait refaire son moteur. Merci à Gwen1914 pour les cheers. Et il se trouve qu'on doit refaire le moteur de l'autre Mustang. Donc on se retrouve avec, fin de semaine, 2 moteurs de Mustang démontés, dont celui-ci a démonté. Alors, celui-là, vraiment, le propriétaire est passé en disant « Tiens, il y a monsieur X, propriétaire de la Mustang Fastback 68, qui m'a dit que sa voiture était chez vous. Voilà, j'ai une petite question vis-à-vis de mon moteur. » Il nous a montré une vidéo. Nous, on a regardé, et genre « Ah !» Il y a quelque chose. Et il a dit, j'ai fait refaire mon moteur entièrement, j'ai fait 300 km avec, et le vilebrequin, je sais pas si on peut le voir, genre alors, sur la 3. Peut-être sur la 3, justement, j'avais mis la 3 à cet endroit-là exprès. Vas-y. Ah oui, on le voit bien. Ouais. Vous, là, c'est pas normal, ça. Et vraiment, il m'a montré une vidéo avec ça. T'as la 2 en même temps. Il me montre une vidéo avec ce phénomène-là. Et j'ai dit, mais là, faut... Je suis navré, hein, là, c'est... Merci EVR, encore à toi pour les 10 cheers. Et donc, il a dit, j'ai pas le choix, hein, foutu pour foutu, faut qu'on redémonte. Parce que et, alors, le jeu, que tu dis souvent, c'est l'âme la, de c'est la mécanique. C'est l'âme de la mécanique. Non, il y a trop d'âme pour que ça marche. Il y a un moment... Il y a des vannes, je suis sûr qu'il y a une vanne à faire, ça. Il y a trop d'âme. Non, ok. Ouais, non. Ok. Hop là, stop. On arrête tout, Joseph. Bonjour, Kik. Qu'est-ce que tu fais, Joseph, là ? On a vraiment l'impression que tu t'accouples avec ce moteur. La mécanophilie, vraiment, c'est pas bien, ça. Je suis pas rentré. Mais c'est... En fait, c'est dingue. Parce que vraiment, normalement, on peut jamais faire ça. Mmh. Donc, on peut pas le faire, oui. Non, mais... Le jeu, normalement, c'est 0,15 mm. Merci beaucoup à TVR Griffith 500. 0,15 mm, le jeu d'avant en arrière sur un moteur comme ça. Là, on est à... Tiens, on va le mesurer à l'arrache. C'est vrai ? Alors, attends, bouge pas, je vais pas... Au réglet. Au réglet plutôt qu'à l'arrache. 3 et 2. Merci à Laufi pour le son. On est à 14. Et là, quand on tire, on arrive à 18. 14, 18. Alors 14, c'est pas fait exprès. Hein. Mais 14, 18. Ça fait beaucoup trop. Ouais. ça fait des dégâts et ça fait un drame. Alors, nous devons faire un petit point chaussette. Parce que j'ai une surprise pour toi en plus. Waouh. Vas-y, fais le point chaussette d'abord. Waouh, j'ai eu des chaussettes toutes neuves à mon anniversaire. Caméra 1. 3. Non. Non, 3. Non, la souplesse. Non, mais à un moment, elle est encore plus haute. Ah bah oui. Là, je vais galérer. Non, là, on voit rien. En plus, la lumière est nulle et tout ça. Terrible. Attendez, je vous laisse la caméra en même temps, vous allez pouvoir voir les arrières. Elles sont vraiment stylées. C'est des petits danseurs de boogie des années 70. Enfin, je pense que c'est plus du disco que du boogie. Et je les trouve vraiment classe. Je les aime vraiment. Regarde, je t'ai préparé une surprise. Oui, je les ai vus tout à l'heure. C'est vrai ? Ah, merde ! Tu sais, quand tu fais la sieste, t'enlèves tes godasses. Bah oui. Joseph, il fait la sieste après manger. J'adore faire la sieste après manger. C'est une collection limitée McDonald's. Oh, le Kekos. Et ben voilà. Je vous présente Joseph. Il ne peut pas faire les choses, genre, normalement. Il faut qu'il ait le plus grand, le truc en édition limitée, machin. En plus, je suis sûr, c'est un McDonald's croisé par Dior. Et exprès pour alors, toi. Alors, je n'aime pas les fringues de marque. Voilà. Merci à ERWD19. ERWD19, merci encore à toi pour les cheers. Très gentil. Ne te mets pas dans la mouise pour nous, s'il te plaît. Vraiment. Non, je...
La souplesse. Ah, moi, je suis pas souple comme toi. Hein. Ouais. Merci à Gwen, pardon, 1914. C'est marrant, plus que c'est quelqu'un qui sobe régulièrement. Hein. Et merci encore à toi, EVRW19. J'ai du mal à lire, monsieur. En plus, l'écran, il est plus long que d'habitude. C'est surtout que je viens de te vanner alors que je me rappelais pas de EVRW19. C'est vrai, alors que là, pour le coup, ne pas se rappeler de ce pseudo-là. Alors, excusez-moi, là, il y a 10 subs qui viennent de tomber. J'allais dire que l'arbre totem de Joseph, c'est le chêne, mais il est encore au stade de gland, Joseph. Merci. Quel connard. Allez, blanc. Merci à Lofi pour les 10 subs que tu viens de donner. Et je vais donc lire comme le veut la tradition pendant qu'Arthur comme finit. Comme nos ancêtres. Comme Arthur finit son petit chausson pomme, j'allais dire. Non. Il n'y a rien du chausson pomme. Il n'y a que dalle du chausson pomme. Grâce à Lofi, on accueille. Il n'y a pas de pomme. Valpict. Thibaut MS, Matisse CX, Mini. On apprécie encore la justesse de Joseph. Alinou, Erwin Masumoto 44, Bads, Hugopt. C'est beau. C'est vraiment très beau. Allez, attends. Pseudo. Hugopt. 69, 7, Dartriov, Lolorental. J'étais un tout petit peu. Ah, il y a plein de subs qui viennent de tomber, Arthur. Merci beaucoup à Cacahuètes. Merci à Zeiklo, KTR003, Mexel59, Coldan. Et en plus, il ne peut pas s'en plaindre. Et fondamentalement, on ne peut pas se plaindre. Comme dans, c'est ça mmh. Elias Cash 13. Ils veulent te plaindre. Genre, les gens, ils donnent de l'argent et tout ça. Ils nous soutiennent et ils aiment bien ce qu'on fait. Donc tu ne peux pas dire, ouais, c'est chiant quand même. Elou, BG du 66. Même si on sait que c'est compliqué pour Joseph. Atiop, c'est bon, je les ai tous faits. Merci beaucoup à tous. C'est bien de prononcer correctement. Ça va. Zéro. Dites-moi dans le chat, c'est plutôt bien prononcé, non? Et vous n'avez pas le droit de vous moquer de Joseph non plus, parce que sinon vous vous moquez de son handicap. Donc ça fait de vous des horribles personnes si vous vous moquez de Joseph. Merci. Oh, merci à. C'est impossible que je le lise celui-là. Pardon, je suis désolé. Waouh. Ça n'a pas tapé l'écran, tout va bien. Est-ce que tu peux lire ce pseudo-là? Alors là, c'est pas un problème de dyslexie. Iréorde Vergar. Iréorde Vergar. Merci à Berbelto d'avoir offert un sub à Kirtivich. Et merci. Attends, bouge. Dyslexie sur 20, bougez pas, il va me tuer. Merci à toi. Ah là là. À EVRW19, merci encore à toi. Ne te mets pas dans la mouise, je t'en supplie. Joseph m'a offert ce flingue nerf. Leilin 57 Totom. Merci. Attends, je finis vite fait. Après, on fait ça. Piotr. À mon anniversaire. Zouzgou. Et Carole et Zouzgou là. Je trouvais que c'était un peu nul comme cadeau. Merci. Depuis, ça fait pas loin d'un mois qu'il est dans l'atelier. Ce truc là, ce nerf. Rapproche-toi, parce que les gens ne le voient peut-être pas. Parce que là, c'est vraiment une idée formidable d'avoir tout ça, toujours ça dans un atelier. Alors, de temps en temps, il y a peut-être nos collaborateurs qui se prennent une petite fléchette nerf dans la gueule. Et bah, nous aussi, hein, on se prend une petite fléchette nerf dans la gueule de temps en temps. Mais c'est rigolo, ça. Merci. Ça joue sur l'ambiance de travail. Baldwin, Mister Gordon et Saru. Et bien évidemment. Joseph étant Joseph, il a prévu de s'acheter, je sais pas, genre un char Abrams Nerf. Ah non, non, attends, j'imagine. On s'est pas compris sur ça. J'ai déjà acheté le plus gros sur Amazon. Voilà. Merci il à Il s'est acheté Soro un char Leclerc, mais la version Nerf, tu vois. Donc, oui, t'as des chenilles en mousse, et ça tire des obus de 400 mm de diamètre. Merci mousse. À Polanski aussi pour ton sub. Ça t'arrache la tête, mais c'est en mousse. Est-ce que on commencerait pas? C'est toi qui veux pas commencer. Hein. Je veux bien commencer, mais alors quoi, les gens nous soutiennent et tu leur dis pas merci?
Tu fais partie de ce type de personne. Va leur dire merci. Non, c'est ton rôle de leur dire merci. Je les ai lus en avance. Ah. Ah, il est sympa, c'est Moji, là. Mais bien, bonjour aux gens dans le chat. Je les ai déjà lus, tout ça. Je les lis en avance maintenant, parce que sinon, je m'en sors plus. Ouais. Donc, ce moteur-là est à un stade beyond repair. Il est au-delà du réparable, pour plein de raisons différentes. Je vais te mettre sur la 2-3 pour que tu puisses parler en même temps, bouge pas. En fait, j'avais super faim. 2-3, vas-y. Excusez-moi. Donc. Merci Gwen1914 encore pour tes cheers. Petite pause, je ne lirai pas tant que Arthur n'a pas fini d'expliquer. Voilà. J'y crois pas, j'y crois tellement pas. Non, c'est bon, j'ai noté où on en était. Ouais, bah ouais, bah j'y crois pas. Merci. Bref, à Baban Jaune. Donc, concrètement, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moteur-là? Il y a eu beaucoup de pièces qui ont été montées dans ce moteur-là, des jolies pièces, enfin jolies. Je mets de côté le côté esthétique. Si vous voulez, c'est pas trop ma piece of cake. C'est une question de goût. C'est pas ma tasse de thé, ma piece of cake or my beer chopin. Ah, j'ai soif. Ouais, pareil. par contre, il y a de la pièce performance, entre guillemets. Donc, vous avez là-dessus des culasses en aluminium, Edelbrock, de la marque Edelbrock. Il y a plein d'histoires très intéressantes sur Edelbrock. Monsieur Vic Edelbrock. C'est quoi le nom du prénom? Quoi? C'est quoi le nom du prénom? Vic, c'était son nom. Et Edelbrock, c'est son nom de famille. Et donc, culasse en aluminium, là où d'origine, sur les Ford comme ça, donc Ford Windsor, c'est des culasses en fonte. On a un collecteur d'admission, Edelbrock aussi. On a des pistons forgés, Edelbrock, je ne sais pas. On a un arbre à cam performance. On a des culbuteurs en aluminium et surtout à plus haute levée. En fait, il y a un ratio sur le culbuteur, c'est quand vous appuyez d'un côté, eh bien, de combien ça appuie en face. En général, on essaye d'avoir les ratios le plus proche de 1, genre quand on appuie d'un centimètre, eh bien, ça bascule d'un centimètre. Sauf qu'en bougeant le point de pivot, eh bien, on peut faire en sorte. Donc là, c'est des culbuteurs à ratio 1-6. Quand on appuie de 1 cm d'un côté, on appuie de 1,6 cm de l'autre côté. Ça veut dire que pour un même arbre à cam, on peut avoir des levées plus importantes. L'inconvénient, c'est qu'il y a plus de contraintes dans les axes. Eh bien, ça, on peut le contrer en faisant des axes plus gros, etc. etc. Est-ce que l'anodisation bleue a autre chose qu'un but esthétique? Aucun. Rien. Que dalle. Parce qu'on le voit, enfin, que les gens se comprennent, ça, normalement, c'est caché. Non, ça, c'est complètement caché. Il y a des caches, là, en dessous de la table, là-bas. Normalement, il y a un cache hein, dessus, parce que sinon, il y a plein d'huile partout, là, dégueu. Ah bah, caca. Voilà, Joseph ramène un cache. Vas-y, montre-leur à quel endroit ça va, normalement. Là. Hop. Vous voyez, c'est planqué. Donc, il n'y a pas particulièrement de raison d'avoir ça en bleu, mais pour diverses raisons, les préparateurs aiment bien mettre de la petite pièce, un petit peu tuning. Moi, j'aime bien. Parce que dans la vie, tu nais, tu meurs, tuning. Ça fait beaucoup de forums. Ouais. Ah ouais, les signatures. Les signatures. Si tu freines, t'es un lâche. Si tu freines pas, t'es un con. Voilà, ce genre de signature distinguée et élégante. Merci, Joseph. Bref, donc c'est un moteur qui a beaucoup, beaucoup de pièces et beaucoup de pièces sympas. Et donc, comme je vous disais, la personne, le client qui nous l'a amené a fait 300 km avec. Donc, a enlevé le moteur de sa voiture, fait la restauration complète de sa voiture. On entend la restauration complète de sa voiture, ça fait 12 ans qu'il y est. Ça fait 12 ans. Et il a fait faire le moteur il y a quelques temps. Le moteur a été rodé sur banc. Le client a remonté le moteur dans sa voiture, a commencé à rouler, a fait 300 km avec une voiture qu'il attend depuis 12 ans. Et là, il a ce problème de vilebrequin. Qu'on se mette d'accord, c'est pas le même client donc, que l'autre voiture, mais c'est une histoire pas drôle pareil. L'histoire, elle est pas drôle quand même. Parce qu'on se mette d'accord, 300 bornes avec un moteur, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Et apparemment, c'est 300 bornes ou les 100 dernières bornes, ça commence déjà... Les 100 derniers kilomètres, c'était déjà le champ du cygne. Hein.
Et il a contacté la personne qui lui a fait le moteur. La personne a déménagé, a clôturé son entreprise, tout ça. Donc, Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire des doigts, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Ouais, là, voilà. voilà, moi, je le fais. c'est voilà, le client navré. Donc, malheureusement, le client, alors le client était déjà fait à l'idée qu'il s'était pris un moteur dans la tronche. Donc, il nous a amené ça en disant, voilà, si vous pouvez regarder et faire un rapport objectif de ce qui s'est passé. Alors, le rapport objectif, je lui ai fait tout à l'heure. Hein. Je lui ai dit, c'est fucké. c'est complètement mort. C'est tout mort. Mais, en fait, par contre, c'est niqué. Différence avec notre autre client qui voulait absolument le matching number, parce que ce moteur-là était matching. Celui-là a dit, moi, c'est pas ça qui m'importe. Donc, on peut se permettre de récupérer les pièces. Voilà, intéressante. Et en fait, ce qu'on va faire donc, sur ce montage-là, nous, on récupère ce qui s'appelle le short block. Et le short block, en fait, c'est le bloc moteur, le vilebrequin, via les pistons. Et donc ça, on remplace que cette partie-là. Donc, il faut quand même tout démonter. C'est pour ça qu'on est là à ce stream. Donc, on va démonter tout ce qu'il y a autour. On va peut-être continuer à démonter le reste. Hein. Le truc étant, c'est que ça, sur la 68, sur l'autre Mustang qu'on a démonté, c'est un 302, c'est un 5 litres. Et celui-ci, c'est un 289, donc c'est un 4,7 litres. Le truc, c'est que ce moteur-là, c'est un 289 qui a été réalisé, donc les cylindres ont été agrandis pour passer en 5 litres. Mais quand on passe un 4,7 en 5 litres, on arrive à la cote maximum. Donc comme ce moteur est rayé, les cylindres sont rayés, on ne peut pas refaire des trous plus grands pour le sauver. Ça va être visible une fois qu'on l'aura ouvert. Ouais. On pourra vous montrer à l'intérieur. En fait, on comprend directement. On ne peut pas agrandir encore plus parce que sinon, en fait, les épaisseurs de matière vont être trop faibles et on a des risques de fissurer le bloc. Donc, ça veut dire que ce bloc-là, sa seule destination, c'est la poubelle. Ou une table basse. Ou une table basse. Parce qu'en fait, il y a moyen. Calmez-vous. Il y a moyen de le sauver. Je lis les sables juste après. Si jamais c'est un moteur, s'il s'avère que c'est un moteur ultra rare, ce qu'on peut faire, c'est on fait le trou plus grand et on vient presser un bout de métal, un bout d'acier dedans et on vient retailler ce bout d'acier. C'est ce qui s'appelle chemiser un bloc. Alors, presser, qu'on se mette d'accord sur le poids, Arthur. Quand on vient presser, on chauffe tout le moteur à 150 degrés. Tout le bloc moteur, on le chauffe à 150 degrés dans un gros four. Le cylindre, le nouveau cylindre en acier, on vient le refroidir à l'azote liquide, donc à moins 250 degrés. Et ensuite, on en mange ça à la presse. Ce qui veut dire que là, avec les différences de température, en fait, on vient sceller le truc. Comme ça, il n'y a pas de soudure, de machin, quelque chose. Et ensuite, on vient réusiner à la cote qui convient. Sauf que, bien évidemment, ça coûte la peau du cul. Il faut un four, il faut faire chauffer le four. Il faut cette énergie pour faire chauffer le four. Il faut de l'azote liquide. Et il faut presser, genre, 8 cylindres. Puis ensuite, les retailler en termes de hauteur. Puis ensuite, les retailler en termes de diamètre. Autant vous dire, si le moteur, vraiment, vous ne voulez pas le garder... Le client, là, il a dit, le moteur, je m'en fous. Moi, je veux un truc qui marche. Donc, quelque part, le numéro, on sent... bat la race un petit peu. Là, le client, on va lui rendre son moteur. Hein. On ne va pas lui foutre à la poubelle en disant « Moi, je fais railler, t'inquiète. » Donc ça, c'est le client qui décidera du sort de son moteur. Et puis, voilà. Alors, je t'interromps juste un instant pour remercier un maximum de pièces là-dessus. Tous les subs. Merci beaucoup. Et je m'excuse si j'oublie des personnes. Merci beaucoup à le Lipoutou. Tu commences à ce moment-là. Je mets les deux caméras à la fois. 3, 1. Hop là. Merci beaucoup à Lipoutou pour le sub, à Force FR, à Bamnan Jaune, Nono 4834. C'est toujours les 48. C'est un département, ça, non? Arthur, 48. A priori, des départements, il y en a un certain nombre en France. Ouais. Myriatifing, Météos. 48, c'est quoi, la Loire? Tra. Dites-nous le chat, quel département Loiret. C'est. Non, Loiret, c'est 45. Itachié, c'est pas une insulte, c'est le nom du sub. 78, Le Potote. Ouais. Titi Mati. Terrible. Ah non, ça m'amuse la façon dont tu lis les subs. Hein. Alors, je prends mon petit collecteur. Cuxiol.
Milos TDV. Ad. He, him, Rubs, Lex 7778, The Wolf 21 du 85. À mon avis, ça, c'est un département. Grouchou. F1RUX 3N0N. À mon avis, c'est ton mot de passe. Elisa 54230. Twitch. Metrex. Dinsball, Mandette 63, Jongleur Roux, Bidic, Baron de Razou, et hop, ça c'est fait, merci beaucoup à vous tous, ICS, ah, il y a la cam qui a bugué, putain, pour une fois que c'est celle-là. ICS, The Dant Evil, Lucool, M. Rudent, Max CH42, Jar Jar Binks, merci pour ton deuxième mois, Sils 15, Miu, merci Moumine, 1914, voilà. Mius, en fait, globalement, un vilebrequin de voiture El Roberto, de la même manière. 04. Vous avez ici un tourillon, et là vous avez un mannequin, vous avez une avec un piston, et en fait vous tournez le merdier. J'ai aucune idée des plans de caméra parce que Joseph est en plein devant le retour. Yenam N21. Putain, mais il y a plein de monde. Bah oui, bah en même temps, tu me laisses pas lire depuis tout à l'heure. Donc forcément, après, je rattrape. Hein. P2RCK. Je me fais engueuler. Voilà. Vicious. Je peux pas faire mon boulot. Je me fais engueuler. M Super. Oh, M Super Tonka, merci d'avoir donc, offert Joseph, un sub à Valette 1000. Et au trouble, merci à tous. Peur, voilà. Nous allons retourner sur Arthur. Est-ce que la caméra 3 a redémarré? La caméra 3 est plantée. Donc on va rester sur la 2-1, comme ça. Et je vais redémarrer la caméra numéro 3 qui a décidé de nous casser les couilles. Et pour une fois que c'est la 3, à chaque fois c'est la 1. On voit ce coup-là, on garde le son. Par contre, elle est chaude, sa mère. C'était quoi déjà que le monsieur t'avait dit pour... De quoi? Il y a un très gentil abonné qui nous a envoyé une ref d'un produit qui permet de... Des petits ventilateurs. Sur ses caméras. Parce qui que... permettent de ventiler les caméras. Parce que... C'était bien logique qu'une caméra faite pour streamer n'arrive pas à tenir la chaleur quand tu streames. Ouais, et d'autant plus qu'il ne fait pas ultra chaud non plus. Il fait bon, là, à l'atelier. Il fait quoi? Un petit 27? En vrai, franchement, par rapport à d'habitude, ça y est, c'est reparti. Ah non, c'est... 3-2, Arthur. 3-2. 3-2, laquelle est grande, laquelle est petite? La grande, c'est la 3, forcément. Cool. C'est pas ta tête que les gens veulent voir. Hein. Ok. Ça, on ne sait pas. Hein. On n'a pas fait les sondages. Les gens préfèrent la tête ou les mains? Bah alors là, c'est pas les mains, c'est... C'est moi ou... Cette belle pipe d'admission serait pas chromée par hasard? Si, si, c'est chromé. Alors pourquoi on démonte le moteur? C'est parce que donc le bloc est dead. Donc on va récupérer des pièces. D-E-D. Des pièces performance. Dead. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer par exemple? C'est ça. Ben, on récupère les culasses, de manière générale. Donc les culasses ici et ici. La donc là, ça veut dire que comme c'est un V8, il y a. Deux joints de culasse, deux culasses, deux joints de culasse. Tous les V8, même les anciens, c'était toujours en deux. Oui, parce qu'il y a toujours deux culasses. Après, il y a les VR, mon cul. Mmh. VR quelque chose, genre un VR6, il n'y a qu'un seul joint de culasse. D'accord. Parce que c'est un V resserré. Serré. Ici, là, entre chaque bande cylindre, on a 90 degrés. La 2. Entre chaque bande cylindre ici, on a 90 degrés. En fait, entre ce banc-là et ce banc-là, il y a 90 degrés d'écart. Eh bien, ça veut dire qu'il y a deux culasses. Il y a besoin d'avoir deux culasses. Merci encore à toi. Si vous prenez une Volkswagen, par exemple une Golf VR6, eh bien, le VR6 n'a qu'une seule culasse. C'est moi ou c'est un tuyau de maison? Non, je pense que c'est un tuyau de kéké. Merci Foebu pour le sub. Foebu ou Phébus? Phébus et Gwyn 1914. Merci encore à toi pour les cheers. Alors là, le truc, c'est que je pense que le moteur, il a été assemblé il y a quelques temps. Genre, il y a assez longtemps. Qu'il est resté stocké un petit moment. Le vrai malheur dans l'histoire de ce moteur, c'est que vraiment... T'imagines, t'attends tant d'années. 12 ans. 12 ans.
La voiture redémarre. T'es là, tu te vois avec faire des tours et flex. Bah, ou enfin. Gwen, pas Gwyn, bon Dieu, pardon. Gwen, désolé. Te voir, tu te dis, je vais enfin profiter. Ça fait 12 ans qu'elle est dans mon garage. Ça fait 12 ans que j'y passe du temps, des week-ends entiers, des soirées complètes. Des salaires. Ah, des salaires. Parce je suis que vraiment désolé, Gwen. Parce que ça vaut, ça vaut pas mal de sous, quand même, une restauration complète de voiture. Et il tourne la clé, il commence à partir et pendant les 100 premiers kilomètres, sûrement, ça allait bien. Ça allait bien. Et il était là. Trop cool, ah, il a commencé à se faire des projets et tout ça. Et merde. Merci Pitiac 94. Pitiac ou Tipiac? Pitiac avec un P. J'aurais pu faire l'erreur effectivement, mais merci à Gwen encore une fois. Je ne ferai pas l'erreur deux fois d'affilée. Pour être sûr que tu corriges. Oui, c'était pour être sûr que je ne me retrompe pas. Merci beaucoup. Il a quoi le moteur pour être mort? Bah, vous verrez. Ça, c'est... Enfin, outre le fait que Joseph est évidemment mécanophile, eh bien, c'est pas normal. Que Joseph soit mécanophile, déjà. Et aussi que le moteur est du jeu à cet endroit-là. Alors, en vrai de vrai, quand on va ouvrir, vous allez voir dessous, ça va se voir. On fait du teasing. Merci. Restez jusqu'à la fin, alors. Beaucoup à Dark et... Ah, c'est... Non, j'ai pas réussi à dire ton pseudo, je suis désolé. Bouge pas. Pour les 100 cheers, c'est Dark Rider... On recommence. Dark Rider 666. Donc, là, vous avez... Ça va, tu vois le retour? Ouais, retour. Là, vous avez ici un passage d'eau. Vous avez un autre passage d'eau qui est bouché ici, en fait, sur pas mal de pièces performantes. Donc, sur les pièces d'origine, vous avez une communication d'eau ici, entre chaque culasse, entre les deux culasses. Et vous avez une deuxième communication d'eau ici. Bah, exactement de cette manière-là. Vous Merci avez en fait l'héro. Un trou pour l'eau ici et un trou pour l'eau ici. Et en fait, sur certaines pièces performance, ils se sont rendus compte qu'en condamnant un passage de flotte, on forçait en fait la circulation d'eau dans le moteur et on refroidissait mieux en fait en bouchant une canalisation de flotte. Ce qui veut dire que quand vous tournez le moteur, on va voir mieux. Attention. Hop là! Je pense qu'on voit mieux. Là, vous avez une entrée d'eau. Et là, vous avez une entrée d'eau. Et en fait, celle-là, elle est orpheline, entre guillemets. Elle n'a pas de... Elle ne sert pas. Elle ne sert à rien, ouais, celle-là. Et en fait, ça fait que vous avez de l'eau qui sort par cette culasse, qui vient circuler dans la culasse, qui traverse et qui vient en fait faire une boucle complète. Là où, en fait, dans le montage d'origine, comme il y a un peu trop de circulation possible, eh bien, en fait, le flux d'eau est plus chaotique et se retrouve, en fait, ralenti. Plus je les vois, plus je les aime bien, ces petites pièces anodisées. Eh ben écoute, on mettra ça dans ta voiture de 34. Hein. Alors ça jugerait peut-être... Ça jugerait. Oui, ça jugerait aussi, hein, t'inquiète. Ça, comment, c'est quoi l'expression? Ça jurerait. Jurerait, c'est rangé presque à côté dans ma tête. Je suis d'accord, Mister Bim Bim. Pardon, hein, j'en profite pour passer vite fait sur le chat. Hop, la chemise, c'est fini. Bah non, la chemise, elle est blanche. Alors, j'ai pas réussi... Ah oui, d'ailleurs, petit point chemise. Je l'ai embêté. Attends, je vais me mettre sur la caméra là. J'ai pas réussi à avoir cette tâche en machine. Voilà. Faut le savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je veux tirer sur un truc. Attends. Ah, oh, attends, j'ai une idée. Bouge pas. Bon, les lampes, elles sont pas trop chères. Oh, j'ai réussi à voir la caméra. Alors, la caméra, par contre, c'est chiant. Mais... Deuxième. Attends, attends. Non, il faudrait que ça soit devant la caméra. Oh, c'est passé si. Regarde. On la voit. On peut. Vous voyez, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien et pas bien. Ça nuit un peu à la productivité. Voilà, quand même. Faut toucher la lampe. J'ai gagné. Oui, là. Mais on ne voit pas, Joseph. Ah oui, pardon. Ouais, là, le Jean-Michel Cadrage... Jean-Michel Cadrage n'était pas dedans. C'est cadré façon Gilbert Montagnier, là, quand même. Enfin, voilà. Ouais, mais peut-être le 1 en grand, non? Bah oui, mais c'est la lampe sur le... qui est intéressante. Hop ah. Bon, bah voilà, 1 en grand. Ah, les gens seront obligés de me croire, en fait. Par contre, s'il te plaît,
Ça, vous le voyez ? Ouais, vous le voyez quand même. Ah, j'ai raté. Je le garde avec moi maintenant. Mais jamais. Si à un moment, il y a une guerre mondiale. Vraiment, n'allez, et que vous avez Joseph dans votre escadron, vous pouvez être sûr et certain d'un truc, c'est que Joseph, s'il a l'occasion de vous poucave pour se barrer, pas de problème. Ah, allez, on retourne sur le moteur. Ne partez jamais en première ligne avec Joseph derrière. Joseph... On... Altoul, c'est la guerre. Merci pour cette rêve. Ah là là. Alors, ce petit joint-là. Alors, il y a des gens qui veulent, qui voulaient quand même dans le chat, je balance, que je vise les couilles. Oh bah, ah non, vise les couilles de Joseph, d'accord, ok. Ah, ah oui, donc là, ça va. Putain, c'était bien collé. Deuxième. Hop, petit gratouir. Hop, 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 un gratouir. Donc pour rappel, dès que Joseph se barre du champ et dit plus rien, c'est qu'il est en train de fumer sa clope. Hein. Et j'en profite pour lire. Oui, il le lit, mais il commente pas. Donc, mais par contre, oui, il y a quelqu'un qui nous a proposé de faire un porte-clés jupe de piston. Alors non. On va partir sur non. Le propriétaire la récupère, cette jupe de piston. Merci beaucoup à Bibi le bot. Mais Bibi le bot, s'il te plaît, ne... vraiment, alors, petit point, merci à six petits points financiers. T'as pété, Joseph ? Tatos, non. En même temps, les WC sont juste au-dessus, donc... Alors, ce serait quand même pas... Ça serait pas drôle. Ce serait plus rassurant, voilà. Parce qu'il y a tout le magasin et tout. Ouais, ah, mais j'ai non, pas pété pour le coup. J'ai pas envie. Vraiment, s'il vous plaît, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup de nous soutenir dans nos conneries et tout ça. Par contre, je voudrais vraiment pas que vous vous mettiez dans la merde pour nous. Voilà, c'était le petit point conseil financier. Pourquoi il y a des gens qui ont donné beaucoup trop d'argent ? C'est quelqu'un qui dit que c'est les 100 derniers bits parce que maintenant il va manger des pâtes. Et je vous avoue que ça m'embête que vous me dire qu'à cause de moi et d'Arthur, vous mangez des pâtes. Merci à Gwen, 1914. En parlant de ça, Gwen. Oh, il est bien cet outil. On se donne à ça depuis quand ? Depuis quand même super longtemps. C'est vrai ? Ouais. C'est vachement et bien. Et tu t'en es déjà servi en plus. Hein. C'est ça qui est terrible. Je m'en rappelle pas. Oui, mais c'est ça qui est terrible. Attendez, que je vous montre. Attendez, je vais vous montrer l'outil. Ah, il est satisfaisant. Merci à Bibi le bot. Encore, c'est Bibi. Bien financièrement. Il m'en reste encore. Bon, alors, je te fais confiance. Regardez-moi cet outil. Il est quand même pour gratter. Bita d'or. Je peux gratter quelque chose. Los Culbutadores. Je voulais faire des maracas et une moustache, mais non. Je suis pas assez doué en dessin. C'est vraiment le seul problème que tu vois, Arthur. J'ai grandi à une époque où... Est-ce que je peux gratter quelque chose ? Il n'y a rien qui est justifiable, hein, c'est terrible. Hein. Je peux gratter, non. Ça, non, là, juste là. Joseph, non. Oh, c'est... Hey, c'est... Alors, hey, le chat, on croit, c'est d'insatisfaisant. Bon, il y a tout qui part pas quand même, mais... Tout qui part pas. Merci Toto le héros pour les cheese. Pour les cheese c'est... Ils envoient des fromages carrément. Ouais. Merci, c'est gentil. Demain, je vends ma jeune sœur pour continuer. Waouh. Vraiment, vous foutez pas dans la misère. Après, en vrai, pas mal ça. Dans la misère pour que je puisse rouler en moto, préférez les tagliatelles ou les tortellini? Je vous entends pas à cause d'une Hurricane GT3 sur le Paul Ricard, c'est trop chiant. Ah, ça flex là. C'est qui? C'est quelqu'un qui donne pas assez de bits. Merci Bibi le bot. J'ai vendu ma 207. C'est bon, j'en ai. Oui, mais il faut que tu rachètes un truc après.
On a acheté une 207 il n'y a pas très longtemps. Merci à pour un projet. Gwen 1914. Qui régit le prix des 207 en France? Ah oui. Moi, j'ai un message à faire passer. Excusez-moi, contre oui. Tous les gens qui vendent des 207, ou peut-être que le problème, c'est les gens qui achètent les 207. Ou c'est peut-être qu'il n'y a plus assez de 207. Vous les achetez trop cher! Alors, c'est on a acheté une 207 à rincer du cul. Alors, elle est... Non, 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 elle n'était pas rincée du cul. Elle avait juste presque plus de pare-choc devant, l'intérieur défoncé, trop une de boîte bornes. De vitesse un peu usée, trop de bornes, un moteur elle pas démarre, quand elle démarre, est-ce que ouais. T'as l'impression que c'est les news Kazakhstan. Et on a payé ça quand même très très cher. Oui. Et en plus, elle n'était pas si chère que ça par rapport par aux rapport autres. Par rapport aux autres 207. Dans s'il ce moment, te plaît, Joseph, tu vas me faire le plaisir de ranger l'outil, s'il te plaît. Oui, pardon. Merci, Bibi le bot, pour les mille cheese. J'ai vendu les mille cheese. Cheers. Bon, alors, j'ai vendu mon Lego Technique Ford GT. Bah, t'aurais dû dire, j'ai vendu ma Ford GT, c'est bon. Bon, personne aurait moufté, tu vois. T'es commissaire de piste et tu regardes en même temps que la course, notre live, vraiment. Meanwhile, au Paul Ricard, qu'est-ce qui crame? Et t'as un commissaire qui... Oh, t'as vu, c'est marrant. Ah, regarde, j'ai redonné de la thune. Merci à TVR. Il prend des notes apparemment pour son moteur. Que ça soit... Alors, j'espère que ton moteur n'est pas dans le même état. Ah ben, écoute, amène-nous ton moteur si tu veux. On te dira qu'il est flingué, parce que a priori, jusqu'ici, 100% des moteurs Ford qui sont passés à la fabrique auto sont morts. Merci encore à toi, Gwen. Ah oui, mais si, on n'a pas donné de news sur le moteur de l'autre Mustang, de la Fastback 68. Il y a un phénomène très intéressant. J'ai pas dit drôle, amusant ou quoi qu'est-ce, j'ai dit intéressant. C'est que, certes, oui, il y a un piston auquel il manquait la jupe. Les sept autres avaient la jupe fissurée. C'était très, très entamé. J'ai fait un effet dramatique. Avait la jupe fissurée. Merci. Genre, on est vraiment sur un 100% des pistons, la jupe fissurée. Par ailleurs... Merci encore, Bibi le bot. Par ailleurs, je suis parti en expédition. Hein. Salut, ciao. Je me suis barré. On a démonté donc le moteur hop là, on a de la Mustang. Arthur qui revient, bougez pas. Il allait chercher les pièces pour vous montrer ça. Arthur. Bonjour, voici un piston à peu près voilà, de la Mustang. Alors déjà, là, il y a un truc, il y a un problème, c'est que là, il est pas brillant normalement. Hein. Il est lustré. Normalement, c'est gris mat, un peu comme là. Et là, non, il brille sa mère, ça veut dire qu'il a frotté. Quand on tourne, eh ben, vous voyez là, ici, et de l'autre côté. De l'autre côté, ici, là et là. C'est des amorces de fissures. Et en fait, c'est clairement des fissures. Là, vous avez une fissure, et là, vous avez une fissure. Le truc est fissuré. Non, c'est pas les pistons stock, par contre. Et Arthur, tu peux expliquer cette partie-là? D'origine, pas d'origine. D'origine, pas d'origine. D'origine, pas d'origine. Attends, il est où le cache-nez? Sauf si le client l'a ramené chez lui, ce qui n'est pas impossible. Ça fait des belles boucles d'oreilles, hein. Non, le client l'a ramené chez lui. Bah, tu m'étonnes en même temps. Oui, ouais. Bah, au prix, oui. Enfin, techniquement, il lui revient très cher, ce cache-nez. Hein. On aurait dû lui vendre le concept. Alors, ces pistons-là... Je peux une seconde, regarde. Sont d'une... Oui, vas-y. Sont d'une marque. Non. On peut balancer la marque, oui, si ça évite à des gens de se faire avoir. Parce c'est que c'est pas du stock. C'est une marque hein. Qui s'appelle Engine Tech. Ce qui est hyper dommage, c'est que vraiment, Engine Tech, ils ont compris deux, trois trucs. C'est que genre, les gens sont des feignants. Engine Tech... Wow, là, tu prends des risques. Ouais, on est tous des feignants. voilà. Et toujours dit qu'un bon mécanicien, c'était un feignant intelligent. T'as vu, grâce à ça, il est plus souple, hein, quand même. Ouais, effectivement. Oui, effectivement, moi, j'arrive pas à aller plus haut que ça. Si je me pète un adducteur, je peux aller plus haut. Normal. Mais pour marcher, ce sera plus compliqué. Et donc, c'est une marque qui s'appelle Engine Tech et qui fait des kits genre complets.
C'est-à-dire que vous avez juste un article à cliquer et il y a tous les produits, genre tout pour refaire tout le moteur. Et on sait très bien que sur Internet, ça permet de quand même vendre beaucoup plus facilement. Bah, ça vend beaucoup plus facilement et je crois que le problème de ces pièces-là, c'est qu'elles sont conçues pour être plus facilement vendues sur Internet et pas particulièrement pour être des meilleures pièces techniques. Donc les pièces Engine Tech. Les mecs, c'est... Non. Fini. Merci Miolina. Pour les cheers. Pour les cheers. Avec le message. Qui dit merci pour vous. Oui, ça fait passer le temps pendant le chômage. Mais donne pas d'argent. C'est-à-dire, est-ce qu'ils n'auraient pas genre presque allégé la pièce pour que juste ça s'envoie plus facilement? Non. Non. Ouf. Bah je sais pas, je demande. Hein. Non. T'imagines? Non, c'est possible, vraiment? Non. Attends, je suis en train de chercher de la race. C'est vraiment, ils ont fait ça, les gars, pas de race. Bah, si tu me dis que c'est fait pour non. être vendu sur Internet. Bah, je pense que c'est fait pour être... C'est de la pièce vraiment pas chère. Merci, Rick287, pour ton sub. Non, je pense pas, mais à mon avis, c'est quand même fabriqué avec des alliages à la bite. Non, tu crois vraiment, il n'y a aucun indice. Hein. Et les 7 autres sont fissurés, pareil. C'est hallucinant. Donc le moteur, du coup, il est rayé comme jamais, il est flingué. Enfin, il est flingué comme jamais. Il faut le rectifier, etc., etc. Genre, voilà. Le propriétaire, quand il était passé voir le moteur avant le démontage, il a dit, il m'a demandé 2 trucs. Il m'a dit, il faudrait faire un estimatif, le monde de Mickey existe, et un estimatif, le monde de Mickey n'existe pas. Et bah, quand il est repassé le lendemain, j'ai dû lui annoncer déjà d'une que son moteur était rincé du cul et donc deux, le monde de Mickey n'existait pas. Ah, on n'était pas de Disney là. Et pour les gens qui nous suivent et qui n'étaient pas au courant, je suis désolé, le monde de Mickey n'existe pas. On a vu beaucoup trop de moteurs et de bagnoles où on a croisé les doigts très fort pour que ça se passe bien et que jamais ça s'est bien passé. Donc voilà, le monde de Mickey n'existe pas, et surtout en mécanique. Enfin voilà, la mécanique est une saloperie. J'allais dire pire comme mot, mais... Saloperie, c'était bien. Ouais, saloperie, ça va bien. On est d'accord, donc Arthur, tout ce qui est là au-dessus, c'est de la calamine, le truc noir là. Oui. Vous ne voyez absolument pas, je vais aller sur une autre caméra. 3, 2. Hop là, que je vous montre. Le fameux truc qu'on peut enlever avec l'hydrogène. On abordera ce sujet un jour en vidéo. Oh ouais. Hop. Merci beaucoup à Mister 33 pour le sub. Hop. Alors attendez, maintenant j'ai les mains toutes grasses. Hop. Oh c'est chiant, quand on kiffrouille des pièces de moteur, on a les mains grasses. Alors c'est pas gênant ça, par contre, de pas les avoir sorties dans l'ordre? J'ai pourtant cru voir le monde de Mickey pour 300 balles sur le site d'Engine Tech. Et merci donc, Bibi le bot d'avoir offert à Mister 33. Justement, ce putain de monde de Mickey n'existe pas. Et surtout pas pour 300 balles sur le site d'Engine Tech. Il faut les remettre dans l'ordre, celle-là ? Non. Non ? On s'en fout un peu. Je peux les sortir moi aussi. Vas-y. Vas-y, je te laisse avec le chat. Alors, on est en train de retirer. Donc là, vous avez, comme ça, tu peux expliquer en même temps. Tu fais le dos, tu tournes le dos à la caméra. Donc bah là, non, c'est la caméra. C'est celle-là, regarde. C'est celle-là qui est en plus grand. Ah, pardon. Ouais. On a tous c'est vrai qu'on a tous envie de te copier. Comme ça. Mais on a tous jamais eu envie de te copier, Joseph. Surtout que déjà, d'une, on n'est pas capable de te relire. Joseph écrit pas super alors, bien. Et de deux, c'est mal écrit. C'était un avantage de ouf. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bizarrement, donc, personne ne me demandait mes devoirs. On a l'arbre à cam qui est au milieu, ici. Il est dessous. Tiens, c'est marrant ça d'ailleurs. Pourquoi? Alors, parce que le client nous dit que c'est un moteur 289 qui a été réalisé, mais il y a quand même vachement marqué 302 hein, alors, sur son moteur. Croyez-nous, là juste ici, là, sous là, le... là, il y a écrit dans la fonderie, il y a écrit 302. Hein. Sous ma baguette, là, 302. Sous ma baguette, oui, baguette. Oui, baguette. Ah, je sais pas si les gens voient. Que ça se voit. Alors là, on est bon sur l'angle, mais je sais pas. Ici, 3, attends, 0, vérifier. 2. Ouais, on voit à peu près. Hein. 3, 302. 0, 2. Il y a un souci, donc. C'est pour vérifier un truc. C'est pour voir si le cadrage est bon. Donc, 302, et le client nous a dit que c'était un bloc 289. Ouais.
Alors, c'est pas forcément de la mauvaise foi du client, c'est plus de la mauvaise foi du vendeur, du... Je veux dire... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me permettrai pas de juger. 1000 viewers qui regardent Joseph bosser. Ça va profiter, ça arrive pas souvent. Quelqu'un qui a dit oui, Mickey irait 289. Mais le monde de Mickey existe. Après, techniquement, c'est presque le monde de Mickey, parce qu'un bloc 302, c'est mieux. Hein. Enfin, globalement, c'est juste plus gros. Et bigger is better. Voilà, Joseph dirait ça. Évidemment. Alors, c'est quoi la différence entre un 289 et un 302 ? N'oublie pas le sub après. En fait, 289, merci à Valentin28R qui t'est abonné à Prime. Tu dévises quoi ? Non, on va dévisser l'avant d'abord. Quoique, tu me diras. Voilà. Ouais. Donc. Oui, c'est ça. Tu prends le levier, tu les défaites tous d'un quart de tour en escargot, oui. En partant de l'extérieur, s'il te plaît, Joseph, merci. Explique pourquoi. Donc, un 289, c'est un 289 cubic inch. Voilà. Donc, des pouces cubiques, 289 pouces cubiques. Et à opposer à un 302 pouces cubiques. Ce qui fait qu'un 289, c'est un 4 litres 7, et un 302, c'est un 5 litres de cylindre. Et donc, techniquement, c'est... Bah, c'est... Si on sort un peu de l'extérieur. C'est ce que tu avais dit. Hein. Prendre l'impérial, là, genre dans la boîte bleue. Parce que, donc, on a des douilles en métrique et des douilles en impérial. Ouais, mais elles sont pas... J'aime pas trop la qualité de celle-là. Ah, oui, mais quand même. Ok. T'as vu, ça file bien. Oui, et donc, assez proche. Le truc, c'est que le 4 litres 7, comme il est conçu pour être un peu plus petit, si on le réalise et qu'on augmente la taille des cylindres pour passer à 5 litres, on va avoir peu de marge ensuite pour le réparer. S'il s'avère que c'est un 302 et qu'il est un petit peu rayé, on a potentiellement plus de marge pour le réparer. Donc ça veut dire que potentiellement, ce bloc est peut-être réparable moins cher. C'est quoi le couple ? Fort. Alors, à savoir que d'origine, c'est des culasses en fonte, là, c'est des culasses en alu, et sur les culasses en alu, on a tendance à les serrer plus fort que des culasses en fonte. Les culasses en alu se déformant beaucoup plus. Vache ! Et donc, oui, c'est très beau, très belle chaussette. Effectivement, je les ai posées exprès comme ça. Oh. C'est con parce qu'à quelques secondes près, on était bon là, Arthur. On était vraiment le. Mais j'avais peur que tu me gâches mon bruit de prout avec ton bruit de cul, avec ton bruit de vis de culasse. Que tu me caches mon bruit de cul avec ton bruit de culasse. Pas mal. Par contre, c'est serré sa mère. Hein. Oui. Ah, c'est. Ce qui est bien, c'est que Joseph, je lui ai appris plein de techniques. Et bah, il en a retenu vraiment pas grand chose. C'est pas du tout efficace. Là. Faut que tu tires vers toi. Mais j'aime pas tirer. Alors, j'aime pas tirer. Un quart. Hop. Non, attends. Bah quoi, de l'extérieur vers l'intérieur. Je suis en train de m'inventer que là, la culasse, elle est fixée juste par une seule rangée de vis, alors qu'il y a des vis à l'extérieur. Ah, elles sont moins serrées, celles-là, ou c'est pareil? Non, elles vont être serrées pareil. Par contre, elles sont plus courtes. Donc? Donc non, il n'y a rien à en tirer. De Joseph, il n'y a rien à en tirer. Hein. C'était quoi ta technique déjà? Tu tires... À la fin des streams, il est comment le caleçon d'Arthur? Le caleçon Arthur. Non, je préfère. Il garde la même couleur, donc caleçon, à peu près. Petite question pour Arthur, est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas dévisser avec un cliquet? Oh tiens, story time. Oh wow. Alors, en vrai, ça me fait plaisir qu'il y ait cette question-là. C'est... Ouais. Parce que vraiment, on était de ce camp-là avant. On fut vraiment des gros défenseurs du « on force pas sur un cliquet » parce qu'on force sur de la mécanique. Hein, un cliquet, donc pour les gens qui ne connaissent pas, un cliquet, c'est ce genre de choses. Vous savez, c'est la fameuse clé qui machin. D'où le nom. En fait, à l'intérieur, vous avez justement des petits cliquets qui permettent le mouvement dans un sens, mais qui bloquent le mouvement dans un autre sens. Donc forcément, quand on va dévisser, on va forcer sur un petit assemblage mécanique. Pendant longtemps, moi, j'en avais rien à secouer. Hein. J'ai forcé quand même malade sur des cliquets et tout ça, et tout s'est à peu près bien passé. Un jour, un beau jour,
J'ai pété un cliquet. Bon, bah, c'est pas grave, j'en ai racheté un. Et je suis arrivé au CNVA et il y avait un formateur qui disait si on a besoin de forcer, on utilise ce genre de choses. On utilise un T. Ça s'appelle un T en mécanique, ce genre de pièce. Un T comme ça. Parce qu'on ne force pas sur un système mécanique. Et je disais, effectivement, pour la sauvegarde et la sécurité des cliquets, sauvons et sécurisons les cliquets, et ben, on utilise des T comme ça. Et c'est, tous ces arguments me paraissaient logiques. Et ça me paraît logique, effectivement, pour la conservation. On ne vient pas forcer sur un assemblage mécanique, d'autant plus que quand vous voyez la taille d'un cliquet, bah c'est effectivement, vaut mieux éviter de forcer dessus. Jusqu'au jour. Où ? Jusqu'au jour où je vais intensifier l'effet dramatique. 2-3. Il n'y a pas scène 2-3. Si, il y a scène 2-3. Voilà. Jusqu'au jour où me voilà sous un Mercedes classe G. À devoir dévisser une vis de vidange de boîte de vitesse. Si je peux me permettre, pour la défense des outils, c'était un pas, T un peu plus petit. C'était un peu plus petit comme T, quand même. Parce que, pour des questions de taille d'outils, mais c'était grippé sa mère. Donc, je me suis mis comme ça, j'ai commencé à desserrer, ça ne marchait pas. J'ai pris une rallonge, toujours la bonne idée. J'ai quand même desserré, jusqu'à un moment où... Clac ! Et j'ai eu un peu mal à la main. Je me suis dit, tiens... Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait mal. Et quand j'ai enlevé ma main, eh ben, j'avais un morceau du thé planté dans la main. Alors, qu'on se mette d'accord, c'était planté. C'était planté, c'est-à-dire que pour le retirer, je suis devenu Arthur, vraiment, le vrai Arthur. J'ai retiré Excalibur, quoi. Joseph ne supporte pas la vue du sang. Joseph était le seul dans l'atelier à pouvoir m'aider. Ah bah là, j'ai dû prendre mon courage à demain. J'étais, allez. Alors, bah, c'est pas la vue du sang. Le sang, ça me gêne pas. Par contre, le dedans, c'est plus le dedans. Le sang, je m'en fous. Mais là, c'était dedans, quoi. Il y avait un steak. Et donc, j'ai retiré l'outil, pressé comme un malade. On est allé désinfecter, machin truc, foutre du bandage de malade. C'est moi qui ai fait le bandage. Bien comme il faut. Imaginez dans quelle galère il était. Et on est allé retourner, s'occuper du clagé quand même, fallait pas déconner, puisque le lendemain il y avait 4x4. On est allé faire du 4x4 le lendemain. La sécu en PLS. Ouais, effectivement, on est allé faire du 4x4 le lendemain. Il y a un moment, quand j'étais en train de tirer sur une sangle pleine de terre, j'ai dit à Joseph, je crois que c'est pas bien malin ce que je suis en train de faire. Et le dimanche soir, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon pansement, j'ai vu une couleur un peu chelou. J'ai appelé une pote, qui est infirmière, qui m'a dit, en vrai, d'une, t'es le roi des cons, mais ça, je suis tout à fait d'accord, et de deux, va tout de suite à l'hosto, tout de suite, dépêche-toi, machin. Donc j'y suis allé le lendemain, bien évidemment, et il y a une gentille infirmière qui, aux urgences, tu vois, et à un moment, on me plante un truc dans la main, et me dit, j'ai planté de ça. Et je suis toujours pas au fond de la plaie, donc chirurgie. Et il s'avère qu'à la chirurgie, il n'y avait rien. Donc heureusement, l'outil est passé à côté des nerfs et des trucs comme ça. Et le chirurgien m'a annoncé que c'est l'os de ce doigt-là qui a empêché l'outil de traverser. Et donc on voit peut-être, là, j'ai dans la main maintenant une magnifique cicatrice d'un outil. Et donc aujourd'hui, je n'ai aucun état d'âme à forcer sur un cliquet. Si jamais il y a un truc qui doit péter, je préfère maintenant que ce soit l'outil qui casse que ma main. Donc, et d'autant plus que si le cliquet lâche, en fait, il devient libre complet, quoi. Merci à Flou16T pour ton sub. On s'éclate pas la main, quoi. Donc voilà la petite story time de l'histoire de mes cicatrices. Donc, oui, ça pète les cliquets, mais en vrai, faites-le, oui, c'est pas grave. Oui, ça pète les cliquets, mais vous pouvez forcer dessus, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai eu le même coup avec un cloueur à gaz. Ouh. Ah oui, non, c'est pas le même coup, là. Ah non, bah, c'est pas le même coup, là. C'est pas le même coup, t'as dû t'éclater la main. Alors, fais gaffe, un truc que je mets, mon petit Joseph. N'enlève pas toutes les vis d'abord. Eh bien, très bien, parce que si la culasse se décolle, elle tombe par terre. Oui, mais il est collé. Si jamais il s'avère. D'accord, ok, je tiens maintenant. Comme le moteur a roulé que 300 bornes, tu vois, si jamais ça n'a pas bien collé.
on voit que c'est un formateur, hein. Il sauve la connerie avant qu'elle arrive. Vous avez vu, hein. Vas-y, on peut la décoller. Alors fais gaffe, tu vas peut-être ne mettre pas tes pieds en dessous si ça se met à couler. Et alors deuxième chose, est-ce que tu sais où tu vas poser la culasse? Oui, là. T'avais prévu avant que je te pose la question? Oui. T'es sûr? Oui. Tu me mens? Non. Tu peux quand même, hein? Non. Ah bah oui, ouais, heureusement que j'ai fait attention, hein. J'ai failli la faire tomber. Oh putain. Oh putain. Quoi, ça te rappelle pas les étudiants CNVA? Exactement, ouais. On est à vous le chat juste après. C'est parti si vite. Attends, je la tiens pas. Mais pourquoi tu la tiens pas? Parce que j'étais pas prêt. Voilà, je la tiens. Mais j'étais avec un levier dans la culasse. Mais je pensais que c'était juste pour la pré-décoller. Il y a peut-être des petits échauffements de temps en temps entre Joseph et moi, dus à, majoritairement à des incompréhensions. Moi, une incompréhension de Joseph, et Joseph, une incompréhension de la vie de manière générale. J'avais pas compris. Oui, 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 bah, la vie de manière générale, tu l'as pas particulièrement. J'ai les mains toutes grasses. Voilà, voilà, bonjour, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On démonte un moteur. J'aime pas quand c'est gras. Joseph est mécano et Arthur, l'animateur du live, c'est donc ça le multivers. Le orange sur le joint de culasse, c'est de la rouille. Effectivement, là, ça, c'est de la rouille. Donc vous avez ici le fameux joint de culasse. Il famoso junto de la culasse. Donc vous avez ici là un anneau métallique. Cet anneau métallique qui vient en fait faire l'isolation de la chambre de combustion qui est ici. Là vous avez il pistone, le piston. Et là vous avez donc les passages des vis de culasse à cet endroit-là. Et là vous avez des passages d'eau. De la flotte, simplement, du liquide de refroidissement, en fait, qui passe ici. Le moteur oui, c'est de la merde. Est resté un petit moment... À l'arrêt, ouais. À l'arrêt, ouais. Regarde, il y a du sable. Ouais. Mais non, par contre, c'est sans doute que c'est du vrai sable, hein. C'est pas de la rouille. Hein. Ouais, parce que je pense que le moteur, il a été sablé. Ouais. Et alors, sabler un bloc moteur, c'est une bonne idée, mais souvent, c'est une très fausse bonne idée, parce que ça fout de la merde un peu partout. Non, cela... Et par un peu partout, on entend réellement partout. Parce que là, en fait, dedans, il y a de la rouille, mais il y a du sable. Oula, c'est vraiment du sable. Ouais, quand on voit à l'intérieur, c'est pas magnifique. Hein. Pas très, très beau. Hop. Bon, bah, on a il otro lado. L'autre côté, en allemand. Ah, l'autre côté. Attends, je vais le faire si tu veux. Non, non, ça me va, si tu veux, comme tu veux. Vous souvenez de la règle du quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose qui coule d'un moteur? Oui, et ben voilà, il y a toujours quelque chose qui Putain, coule d'un moteur. On est con, on aurait dû chronométrer. On aurait pu faire le combat. Non, comme j'expliquais à notre stagiaire, j'aime pas du tout travailler dans la précipitation et dans la vitesse. Et la plupart du temps, quand quelqu'un fait bien son métier, on le reconnaît pour la qualité de son travail et pas la rapidité de son travail. On a souvent entendu dire, tain, la vache, lui, il bosse bien, enfin, lui ou elle, ou etc., bosse bien, mais on a rarement entendu, tain, lui, il bosse vite. Je ponctue mon propos. Si, peut-être, dans une équipe de F1. Et encore, je suis pas sûr. Bah, si, le mec qui change les pneus. Putain, lui, il bosse vite. Là, c'est un compliment. Ouais. Enfin bref, moi je préfère dire des gens qu'ils travaillent bien plutôt que de dire qu'ils travaillent vite. Bon, en même temps, les gens te disent que un des deux trucs, c'est pour ça. Aujourd'hui, nous avons l'heure. Avant, on avait le temps, monsieur. Oh, 600 ans. Autant jadis. Merci, Sir Vedder. Sir Vedder, pour ton prime. Alors. Nicole Lafleur dit on peut bosser vite et bien. Dans l'ancienne, c'était rarement vrai. Je préfère, moi, avoir juste quelqu'un qui fait l'un des deux. Et quelqu'un qui bosse vite, je préfère qu'il bosse pas avec moi. Quelqu'un qui bosse bien, par contre, voilà. J'espère que s'il peut venir travailler avec moi, pas de problème. C'est pas d'origine, ça, donc la jauge à huile chromée. C'est pas d'origine, non. D'accord. C'est absolument pas d'origine.
Après, s'il peut y avoir quelqu'un qui bosse en rangeant ses outils, à l'inverse de Joseph, ça me plaît aussi. Mira. Saloperie. Attention, pas plus d'un quart, hein, sinon ça, on peut voiler la culasse. Tu leur as pas expliqué d'ailleurs pourquoi tu dévisses pas tout d'un coup. Bah explique-leur. Alors, je vais faire une explication, Arthur me corrigera juste après. Parce que moi j'aime bien imager. Lorsque vous faites votre lit et que vous posez le drap sur le lit, vous commencez du milieu quand vous les serrez, enfin quand vous les bordez, et vous tirez au milieu pour enlever tous les plis, et ensuite sur les côtés, on vient rentrer le drap et comme ça c'est bien plat. Et bah c'est pareil pour une culasse. Waouh, eh ben putain, ton explication, elle est horriblement peu claire. En gros, c'est que la culasse, même si on croit qu'elle reste bien bien droite, elle n'est pas parfaitement droite. Surtout quand c'est une culasse en alu. J'ai rien compris, Joseph. Je vais expliquer un peu plus loin. Rassurez-vous, tout est normal. Donc, là, du fait qu'on marche pas par terre dans le lit. Ah oui, pardon, là, c'est trop tard. Tu feras attention de ne pas utiliser celui-là pour les mains. J'ai essuyé mes pieds. Donc, vu qu'on veut enlever la pression et la laisser revenir à l'inverse de la manière dont on l'a serré, on commence, parce que quand on serre, on commence du milieu, on commence sur les côtés à desserrer un peu, 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 et on recommence. Et comme ça, ça se libère en ayant la place de se libérer, et hop, pas de problème. On est bon là ou pas? Je ne l'ai pas entendu, donc laissons le chat juger. Le chat. Du Joseph tout craché. Un drap, mais c'est comme tu un drap. Peux te barrer. Pardon, mais c'est pour essuyer. Oui, mais je peux le faire aussi. Bah, imaginez, quand on met la culasse, on la pose. Si on commence à serrer sur les côtés, il va avoir peut-être un peu trop de matière en parenthèse, enfin de contrainte, qui va rester au milieu. Tandis que, comme si sur un drap, si on commence par serrer au milieu et ensuite on évacue les plis vers l'extérieur, à ce moment-là, c'est bien plat. Et bah, quand on dévisse, on fait l'inverse. Arthur, paradin sur le sopalin. Alors, dans l'équipe, on a une règle, on est paradin sur les produits de nettoyage. C'est pour ça que l'atelier reste propre. Hop. Est-ce que vous êtes prêts à continuer de couler? Mais oui, c'est clair. Joseph Malou. C'est ouf, parce que ce moteur, on l'a déjà retourné entièrement. Et il n'y avait plus d'eau dedans. Et on peut voir là, alors vous le voyez peut-être avec la caméra 2. Alors attendez, je vais vous mettre sur la 2 un instant. Vous voyez à cet endroit. Ah oui, non, vous ne le voyez pas. 3. 3, 2. Alors, en fait, à cet endroit-là, il y a les pastilles de dessablage, on va vous les montrer après, qui ont l'air d'avoir été remplacées. Elles ont été remplacées. Donc peut-être. Peut-être le bloc, il a été sablé. Parce que la peinture, contrairement à beaucoup de moteurs Ford, elle n'est pas en train de s'écailler. Ce qui est une bonne chose d'un côté, ce qui est un truc qui nous indique... Le drap pas top. J'aurais comparé avec un autocollant ou un papier peint. Marouflage intérieur-extérieur. Effectivement, l'analogie du papier peint est très bien, du papier peint. Mais on fait plus souvent son lit qu'on colle du papier peint. Enfin, perso, c'est... Moi, oui. Oui, moi aussi. Moi, je fais... Enfin, tu me diras, est-ce que je fais mon lit? Pas trop. Hein. Bah quand même, tu mets ton drap dedans et tout. Enfin, tu changes bien le drap du dessous, rassure-moi. Non. Bah. Non, pourquoi? Faut le changer. Ça change. Tu sais, les fameuses personnes qui, après la crise, ont dû porter des masques, ont demandé au bout de 2 ans, excusez-moi, j'avais un petit doute sur l'entretien du masque FFP2, il faut faire quoi? Pardon? Quoi, les draps se changent? Que dirait Sylvain du t-shirt Bosch? Bah, il est pas mal, notre... c'est, ouais, un... Alors, c'est un cadeau d'un fournisseur. On ne peut pas dire non à un cadeau, donc t-shirt Bosch. Ouais, polo même. Polo, tout à fait. Polo, c'est le type du vêtement, c'est pas le nom de notre fournisseur. Ça non, parce Yves. Que ça c'est Bosch. Mais non, c'est Yves. Je change pas de drap, je change le matelas directement. Effectivement, c'est une autre méthode. Pousse. Pousse.
Tac. Alors, après cet intermède nettoyage, il va y en avoir quelques-uns, hein, des intermèdes nettoyage. Il faut se mettre d'accord, dès qu'on va bouger ce moteur, il y aura un nettoyage. Hop. Tu feras attention, hop. Je les ai rangés dans l'ordre. Hein. Ouais, on s'en bat un peu les couilles quand même. Surtout hein. Qu'on va les jeter, non, celle-là. Oula, non. 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 C'est de la belle vis à RP. Oui, mais une fois que c'est serré, normalement, il faut les changer. Normalement, oui. Mais ça sur de la vis. Combien la vis? Le kit de vis à RP, pour ça, c'est 180 balles. Le kit complet? Oui. Oui, c'est pas avec 180 balles la vis, mais... Et déjà, en fait, Ford, à l'époque, ne préconisait pas le remplacement des vis à chaque fois. Sérieux? Non. Pas sur ces moteurs-là. C'est venu bien plus tard. Avec notamment l'avènement des culasses en aluminium. C'est du liquide de refroidissement. Attends, je vais tenir au cas où. Hop là! C'est pas très collé, effectivement. Dit-il alors que c'est pas lui qui a forcé, hein? C'est bon, je peux l'enlever? Allez, vas-y! Allez, champion! On a vu mal les doigts dedans. Moi ça! Enfin, je. Demande-lui son consentement. Ouais, voilà, hein. Ouais, pardon. Ouh! Allez. C'est terrible. T'es quoi? Avant de lui mettre les doigts dedans, faut lui. Arthur, s'il te plaît. Oh, putain, mais non. Mais je ne suis pas fait pour 2023, je suis désolé. Ah bah là, t'es pas fait pour 2000 non plus. Hein. Hop là. Ah, il y a eu quelques emojis chemise blanche. Mais non, je l'ai pas taché là, sur ça. Il famoso junto de culasse, des culaches. Non, le joint de culasse, quoi. Hop, hop. Voilà. Vous voulez pas un whisky d'abord? Hop. Alors, maintenant qu'on a retirado la sculassos. Attention, nouvelle cascade. Hop là. Oh, on se retrouve avec un moteur... Fais-moi le cacos maintenant, le moteur, là. Hein. Attends, je dois remettre dedans. Non, bah non, le... C'est justement ce qu'on va retirer. Bah, on peut le retirer. On va retirer les soupoirs. On va retirer les poussoirs. Qui sont hydrauliques. Alors là, les poussoirs, là-dessus, ils sont hydrauliques. Donc, vous avez l'arbre à cam qui est au milieu. En dessous, là, on le retire, lui, tout en dernier, hein, sur ce moteur-là. Donc, une fois qu'on a retiré l'arbre à cam qui est au milieu, je me suis perdu dans ma phrase. Bah oui, oui. Voilà, vous avez l'arbre à cam qui est donc au milieu, enfoui là-dessous. Et en fait, l'arbre à cam, il y a donc des cames, des petits lobes, comme Sébastien. Sébastien, Sébastien 2, Sébastien 3, c'est Sébastien 4. Eux, ils trahissent leur coéquipier, c'est ça, non? Ouf. Oui. Coup dur pour le monégasque, Daniel et Léna. Désolé. Bref. Et en fait, l'arbre à cam appuie. Oh bah tiens, on va faire une petite chaîne cinématique. C'est des cams ou des lobes? Les gens sont perdus. Ah, bah, les deux. C'est des cams et des lobes. Vous avez donc le poussoir qui appuie ici, qui, quand il sort, il appuie sur cette tige, qui est appelée une tige poussoir. Et vous avez ensuite ici le culbuteur. Appelé le walker. Le rocker, qui vient rock to rock. C'est remplacer, hein, pas remplacer, c'est faire bouger un petit peu. Voilà, faire bouger. I'm rocking my bull. C'est interdit de twerker sur Twitch. C'est vrai? Oui. Je twerke pas. Non, I am non on est en train bull. D'expliquer comment marche un walker. Exactement. Et donc, on appuie ici. En appuyant ici, on vient engager un mouvement de pivot. Et ce pivot vient appuyer sur la soupape. Attends. Aïe. Il va chercher une soupape. Oui. Persuadé que ça s'appelait les cardinaux soupape. J'ai une question pour le chat. Attendez, on est sur quel grand écran? 3. Est-ce que vous aimez bien? Parce que moi je commence à aimer. Au début, je trouvais ça moche dans cette couleur là, même si on le voit pas. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Remets le rocker. Ah, bah attends, je vais faire le. Il va dans l'autre sens. Oui, comme ça. Voilà, comme ça. Hop. Donc là, vous avez le montage ici. Enlève ta main de ta droite là. Parce qu'il faut qu'on voit là. Mais il faut pas qu'elle tombe la pièce. Oui, bah fais-le par au-dessus ou fais-le par un sens judicieux, voilà. Et bien là, quand on appuie... Non, appuie doucement. Quand attends. On appuie... Voilà, c'est bon. Ouais, nickel. Mais là, c'est toi qui fais mal. Super.
Yes. On va peut-être faire une vue en coupe posée sur la table. Hein. Non, non, attends, on y est presque. Vas-y, refais. Je suis persuadé que non. Mais si. Attends, je vais le tenir autrement. Regarde. Oui, mais... Si je fais ça. Regarde, si on tient comme ça, là, comme ça, tu vois, là. Et voilà. Et bah voilà. Et là, regarde, je bouge le truc. Hop. Et bah nickel. Vous avez compris. Vous avez, hein, vous avez tout bon compris. On fait sur la table. Voilà. Caméra 2. Que tu vas réorienter, s'il te plaît. Réoriente la 3. Sur cette table-là, c'était fait pour ça. Celle-là, là ? Ouais. Celle où toi, tu as posé des trucs ? Oui. Allez, d'accord. Caméra 3, monsieur, vous la réorientez. Alors, il y a vraiment un truc qui est très drôle, c'est que dans l'organisation des streams, à chaque fois, Joseph, il vient genre 2 heures avant pour l'atelier en disant « Ah tiens, Arthur, attends, je vais mettre la caméra là, comme ça, si tu veux présenter un truc, tu te mets ici, si tu veux faire ça, machin. » À la fin, on respecte jamais ce qui est prévu. Et le premier à pas respecter le truc... Il porte une chemise blanche sale. C'est Joseph. Elle n'est pas sale, c'est juste en bas, mais ça, c'est une tache propre. La fameuse tache propre. Bah, Joseph, quand il sort de la douche, c'est une tache propre. Attention, on va vous mettre 3-2 comme ça. Vous avez Arthur de dos qui explique en même temps. Hop. Vous avez une immersion complète. Alors, une immersion complète dans Arthur, c'est un peu c'est gênant. Hop. La tâche propre, ah ben voilà. Vous avez ici, ici, ici. Voilà le montage. Il y a des câbles de caméra là. Qui... Attention, c'est le chargeur, s'il vous plaît. Voilà. Donc, est-ce que je peux... Décale-toi, s'il te plaît, que je vois l'écran de retour. Ah, ben voilà, on voit tout bien là. Vous avez l'arbre à cam qui est ici. Ah oui, je t'avais dit de prendre la 3. Allez, je vais lire le... Un meurtre sur Twitch. Vous avez l'arbre à cam qui est ici. L'arbre à cam, lui, il vient de temps en temps appuyer sur cette tige-là. Ce truc-là étant fixé par le milieu, en fait, la résultante qui va se produire, c'est juste ce balancement-là. Il vient culbuter. En fait, on vient en appuyant ici. Vous voyez, on vient faire le mouvement de culbute ici. Bien, hein, les famosa culbutation. Hein. Et là, vous avez la soupape. Vous venez appuyer sur la soupape et vous avez un ressort de soupape qui vient la rappeler vers l'arrière et donc on vient refermer les portes de la culasse. Voilà. Est-ce que c'était bien clair, Joseph ? Est-ce que le chat a trouvé ça clair ? Joseph s'est complètement barré. Voilà. Je suis seul à présent. Ça commence à faire froid et surtout dans mon cœur. Je suis perdu, je n'ai plus Joseph. Quelque part, un nuage orphelin, un météore glacé au milieu de... Merci Ramène pour tes cheers. Je sais d'où vient cette canette. Bonjour. Non, quelque c'est part, là. C'était bien quand j'étais tout seul. C'est là ? Alors, c'est là, non ? Ah, si, je sais... pardon. Je viens de... Mais l'odeur. Ah, pardon. Alors, donc, Joseph boit beaucoup de Red Bull. Moi, il y a un truc qui me fout une gerbe quasi instantanée. Pardon. C'est le Red Bull. Je vais me mettre plus je loin. Je trouve que ça... Oui, vas-y, fais l'explication. Parce que, alors, le chat, vous allez pouvoir me dire si oui ou non vous êtes d'accord à cette phrase. Arthur, vas-y. Non, moi, je trouve déjà d'une que ça a l'odeur d'une chiasse âpre. Quand vous avez une chiasse, mais sévère, que vraiment c'est du liquide qui sort ou du spray, eh ben, je trouve que ça a une odeur à peu près similaire au Red Bull. Deuxièmement, je trouve que c'est une odeur extrêmement tenace. Et surtout, troisièmement, moi, ça me rappelle des soirées étudiantes. Merci, Léo Mestra. Ou vénère. Et je pense que cet assemblage-là fait que l'odeur du Red Bull me fout la gerbe. Et sachant que Joseph a une consommation irraisonnée de Red Bull, et je le dis, hein, les mots sont dits et durs, volontairement, il faudra que tu reviennes devant la caméra le temps que j'aille ranger des trucs... ça me fout une gerbe vraiment rapidement, quoi. Voilà, voilà. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous opposent et pourtant on est associés et je trouve que l'association marche plutôt bien. C'est parce que c'est mieux de s'associer avec quelqu'un qui complémente que quelqu'un qui est exactement comme toi, sinon ça sert à rien. C'est vrai. Coucou, c'est vrai, Joseph, et coucou, je te fais rarement des compléments. T'as dit quoi ? Le con est complément, c'est bon, non, j'ai entendu. J'ai pas dit ça.
Je préfère le Monster. Ah non. Ah non, alors excusez-moi. Pardon. Ouais. Débat important. Débat important. Je préfère la Badoit, moi. Red Bull First. Alors j'adorais le Burn, mais ça n'existe plus. Le Burn. Ah ouais. T'as remis la caméra 3? Je sais pas. Non. Attendez. Hop. Le Burn, ça n'existe plus? Non. Bien fait. C'est bien fait. Hop. Hop. 3, 2, attention, c'est parti. I am pulling the pousseur, the lifters. Hop. Hop. Alors attendez, je alors après, moi, je suis vraiment plus Team San Pellegrino, même. Plutôt que Badoit. Hein. Team San Pellegrino, quoi, directement. Ouais. Et après, sinon, plus Pepsi que Coca, parce que le Pepsi a un petit goût de citron. Et que je trouve qu'il va très bien. Voilà. Je suis un daron, hein. je suis un vieux. Enfin, daron, non. Vieux, oui. Red Bull. Après, vous pouvez dire toutes les saloperies sur Red Bull. Hein. Joseph ne les entendra pas du tout. Hein. Attendez, bougez pas. Je suis en train de vous préparer un sondage, Monster. Red Bull, il n'y a pas de E à la fin de Red Bull? Alors, l'avantage, c'est que Joseph va tirer contre son camp parce qu'il va mal orthographier Red Bull. Red Bull. Il n'y a pas de E à la fin de Red Bull. Tout va bien. Hop. Un. Hop. Deux. Non. Non, ça va. Durée une minute. On commence le sondage. Red Bull ou quoi? Red Bull ou Monster? Et il n'y a pas San Pellegrino? Non, il n'y a pas... Non, parce que San Pellegrino, dans les sondages de boissons, c'est comme Arte. Ouais. Genre, il y a plein de gens pour se la péter. Ils vont dire genre sans. Ils vont mettre tempé. Alors qu'en fait, ils boivent des litres et des litres de Red Bull. Hop. Hop. Et hop là, voilà. Propre. Alors, qui est en train de gagner? Nous sommes sur un Monster. Merci à Saint-Ouen-Touane. Saint-Ouen-Touane. Eh ben, super. Saint-Ouen-Touane, c'est bien ça, de nous avoir rejoints. Putain, c'est Monster qui gagne. Le seum de Joseph. Vraiment. Le seum absolu. Alors là, ensuite, on a la pompe à eau ici. La pompe à eau. Qui se remplace vachement moins fréquemment que sur les voitures modernes européennes. C'est la 2 en même temps, si tu veux. C'est mieux cadré, parce que là, c'est vraiment vachement cadré sur ma batte. Et... Ah non, c'est cadré sur mes chaussettes. Mes magnifiques chaussettes. Vous avez vu, mes on a vraiment l'impression que c'est un placement produit. Et bah, pas du tout. Mais super. Bref, donc, passage la démonterie de la Pompao. De la Pompao. Ça va être du 10. Hop là. Hop. Us. Kiss. Hey. Aïe. C'est celui qui a le ventilo, par exemple. On avait enlevé la dernière fois, là. Enfin, pas sur ce moteur-là, donc. Et qui s'appelle Orio? Kézak. Cognac. Pardon. Pompo. Pomelo, la pomelo. Le pomelo. Pomelo? Ah oui, pomelo. C'est quoi du pomelo? Le pomelo, c'est... C'est du col. Ok. Je crois. Hein. Salut Joseph, t'es toujours rien. Eh ben, t'as raté quelque chose, j'ai démonté une culasse. Et c'est pas une insulte. Eh ben, t'as raté, parce que j'y ai démonté la culasse, ok? Mais un jour, on vous fera un stream électricité. Truc absolument pas visuel. Le truc nul. Non, ça vraiment, c'est... Ouais, c'est ça que je veux. C'est pareil, un live programmation d'Arduino, vraiment, ça va pas être amusant. Pomelo? Non, pompe à eau. La pompe à eau. Vous voyez, c'est... La pompe à eau. Pamplemousse et pomelo. Non, mais ça va, non. Et là, on a lancé un débat. Hein. Ah ouais? Oh putain. C'est quoi un pomelo? Vérifie quand même. Mais je crois que c'est en alcool. Hein. Excusez-moi. Hein, mais... Je vous ai dit, moi je suis San Pellegrino. Hein, ça...
D'ailleurs, je suis allé à la ville de San Pellegrino. Ah, instant oui, anecdote. C'est un fruit. Ah, cool. Je suis allé dans la ville de San Pellegrino. Et bah, la ville entière sent le paix. Quoi? Puisque pour avoir de l'eau gazeuse, en fait, c'est des sources où il y a du soufre dedans. Ah. Et en fait, ça sent le prout. Mais comment ils enlèvent l'odeur du prout dans l'eau? Parce que ça, vraiment, au niveau commercial, ça marche pas, quoi. Cette question est phénoménale. Bonjour, San Pellegrino. Comment est-ce que vous retirez l'odeur du prout dans l'eau? Si on a quelqu'un dans le chat qui travaille avec San P, s'il vous plaît, comment vous enlevez l'odeur? Parce que je crois que la Badoit, il y a une adjonction de gaz carbonique, là mm-hmm. où la San Pellegrino est naturellement gazéifié, il me semble. Hein. Alors, Ikea Boy, pomelo, c'est ce qu'on appelle, nous, pamplemousse. Ah ouais, ok, d'accord. Et donc, tu as le stade 2.0 de te la péter sur les noms des fruits, qui est... Excusez-moi, j'aimerais... J'aimerais du pomelo, s'il vous plaît. Je suis insupportable. Il faut surtout être sûr que maintenant, c'est la même chose, parce que sinon... Oui. C'est probablement collé. J'ai changé de position. On me compte après coup. C'est quand c'est collé, tu changes de position, c'est ça? Oh, attends, j'ai une idée. Une allusion sur le... J'ai une idée. Ouais. Si tu souffles là. Non? C'est ça que je voulais faire. Putain, c'est vachement dangereux, ça. Alors, si tu souffles là, Joseph, tu vas réfléchir et tu vas te rendre compte que c'est... complètement con. Mais non, regarde, tu bouches là. Souffle là. Ça ressort par où? Ah, là. Ah, bon. Joseph est en train de faire du bouche à bouche au moteur. Il n'a pas compris que le moteur est définitivement mort. Meanwhile, la manche de chemise est en train de tremper dans l'huile. Ah, merde. Donc, ça y est. C'est non. Mort. On est à combien de temps de stream? Non, il n'y a pas de tâche. On est à 1h34. Il n'y a pas de tâche. Il n'y a pas le stream. Pomelo, c'est aussi une marque de produits capillaires. Ironique. C'est qui? Alors, Yiwi, permaban, s'il vous plaît. Non, hors de question. Yiwi, c'est trop bien comme ban. Putain. Alors, il y avait un goût. Est-ce que c'est sucré? Parce que tu passes ton temps à demander. Mais alors... Je vais expliquer pour le chat. Ah putain, c'est vissé par l'arrière. On m'avait dit saloperie. Une fois que ça veut dire si qu'il faut ta que voiture... je démonte là. Attends, vas-y, je te laisse terminer. Ouais, il faut que je démonte la grosse poulie. Si ta voiture fuyait, ta foi à toul, fuyait un produit par terre, si tu goûtais et que c'était sucré, ça veut dire que c'était pas de l'huile, mais du liquide de refroidissement. C'est vrai que tu as besoin de goûter pour je voir si c'est de l'huile. Je n'ai jamais eu envie de le faire, et pourtant, vous savez que je fais plein de conneries. Et donc, j'essaye de trouver quelqu'un qui a déjà goûté. Et encore une fois, ça rejoint les fois où je vous dis que Joseph teste plein de trucs, mais surtout ne me fait pas confiance. Bah, t'as jamais goûté? Ah oui, c'est vrai. Tiens, en X années, depuis que je fais de la mécanique, j'ai jamais eu du liquide de refroidissement dans la bouche, peut-être. Tous les fluides d'une automobile, je les ai eus dans la bouche. Alors, on y pense. On n'est pas en train de parler de tes activités du soir, mais t'es serré où? Alors, sur ces voitures-là, il y a une première, hop là, une poulie, où on met en fait tous les accessoires. Ça permettait en fait à Ford de vendre des accessoires. Vous avez une poulie ici qui s'appelait une poulie damper, un amortisseur de vibration, ou un harmonic balancer, un équilibreur harmonique, et... en fait, vous avez tous la même poulie, quelle que soit la voiture, vous aviez toujours la même poulie. Et ensuite, en fonction des accessoires que vous rajoutiez, eh bien, vous changiez cette poulie avec une gorge, deux gorges, trois gorges, jusqu'à quatre gorges pour avoir quatre courroies d'accessoires. Donc, si vous rajoutez l'ADA, vous avez une poulie, enfin, une rangée pour l'accessoire, enfin, pour l'ADA, une deuxième rangée pour l'alternateur, une autre rangée pour la clim, une autre rangée pour une pompe à air secondaire, éventuellement, dans certains... on pourra raconter la dépollution de Ford. Ah oui, c'était trop bien. Waouh. Quoi? Oui, bah des génies. Ouais, des génies. Il y a eu un truc.
donc dans les années 60, l'État de Californie. Ils étaient un peu turbo. Il faut qu'on arrête de faire du CO2, quoi. Alors, la Californie, c'est vraiment un État qui est hyper en avance, et qui a toujours été, et qui aujourd'hui est encore, hyper en avance sur toutes les questions de pollution, et notamment sur les véhicules. Et l'État, l'État de Californie, à un moment, a voulu réduire les émissions gazeuses des véhicules. Donc, merci Trigun 50 pour ton prime. Chez Ford, on s'est dit, on veut quand même vendre des voitures en Californie, puisque mine de rien, il y a un petit marché, quoi. Et ils ont regardé les règles, comme toujours, vous savez, quand on veut tricher, pour regarder dans le règlement. CF, la course automobile en général. La course automobile de manière générale. Alors là, j'utilise un magnifique outil de ma création. Extractor 2000. Il est plus que de ta création. Il y a tout le monde qui lui est passé dessus, hein, depuis. Non, alors celui-là, il n'y a que toujours moi qui l'ai modifié. Bah, notre salarié, si, à un moment, je crois qu'il avait modifié, non ? Non, je crois pas. Non, tous les trous, je m'en rappelle. Je crois pas, c'est moi qui ai fait tous les trous. Bah, tu vois, ils sont tous de travers. Alors, ne critiquons pas trop cet outil, parce qu'il nous a sorti de la merde 2-3 fois. Ah oui, bien souvent. Bien souvent, cet outil de la merde nous sortit. Donc, la Californie. Bref, l'État de Californie s'est dit, ouais, il y a un petit marché quand même. Fait chier de s'en priver. Mais d'un autre côté, fait chier de modifier des bagnoles pour limiter leur... tes souhaits, pollution. Pardon pour ceux qui écoutent au casque. Et donc, pour limiter leurs émissions gazeuses. Donc, ils ont regardé le règlement. Et il y a marqué, dans le règlement... pas plus de X grammes de CO2 par kilogramme d'air qui sort du pot d'échappement. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont laissé le moteur tout d'origine, normal, comme d'hab. Et ils ont rajouté une pompe à air. Une pompe qui aspire de l'air et qui recrache de l'air dans le tuyau d'échappement. Ce qui déjà, d'une, permet de favoriser les combustions d'éventuels trucs qui ne sont pas finis de cramer. Mais surtout, ça fait que si votre moteur, genre de manière générale, en une minute, il sort, je sais pas, 20 kg de gaz à l'échappement, et bien si vous balancez de l'air dedans, il va sortir 25 kg de gaz, et dont 5 kg d'air pur, entre guillemets. Ça veut dire que si vous avez des polluants dans votre moteur, et bien plus vous sortez de trucs dans l'échappement, plus ça va diluer. Le résultat est strictement le même. Vous sortez toujours la même quantité de CO2. Et donc, les voitures, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elles polluent moins. Et pas con ? Ah, les gars. Le mec qui est arrivé au bureau le matin. L'État de Californie. Mais non, le premier, déjà, le mec qui a eu l'idée. Il arrive le au bureau. Mec qui arrive au bureau. Oh, putain, cette nuit, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé à un truc dans la nuit, là. J'ai lu, là, oh, avant de m'endormir, là, le règlement, là. J'ai lu le truc des Californiens, là. Oui, enfin, casser les couilles, machin truc. Je suis parti en week-end, tranquille, faire du drag race et polluer un petit peu. Faire un poil de tractor pooling. Et là, je me suis dit. Putain, je me suis dit, mais si tu fais un turbo, mais que le turbo, genre, au lieu de recracher l'air dans l'admission, il ressort ça dans l'échappement. Juste de l'air. Juste de l'air. Oh. Et là, t'as tous les mecs du bureau. Oh, Michel ! Oh, il est pas con, Michel ! S'il y en a un qui a dû faire, ouais, mais ça va moins bien faire marcher le moteur, c'est chiant. Il s'est pris une énorme mandale dans la gueule. Ou les gars, ils étaient tous avec la clope. Dans le bureau ? Pendant la réu ? T'es dans les années 60, là. Donc, les mecs, ils sont tous avec les verres fumés, les costards marrons. Mm. Et là, le mec qui a ouvert sa gueule, l'énorme latte avec la chevalière Ford. Le gars, il avait marqué Dorf sur la joue. Puis à l'époque, ouais, ça devait être un enfer. Et t'imagines les gens à l'état de Californie qui doivent homologuer les trucs. Mais est-ce qu'ils sont sur un rendu compte direct ? Ouais. Non, vraiment ? Oui. Et vrai, en fait, Ford livrait les bagnoles et tous les autres constructeurs l'ont fait pendant au moins une dizaine d'années. Et il y avait vraiment une pompe avec écrit dessus « Smog Pump ». Et genre, smog, c'est pour le smog, en fait. C'est pour les nuages de pollution. Et smog, de manière générale, en fait, les smog rules, c'est les normes anti-pollution. Donc là, la pompe, tu peux l'interpréter, le nom, comme pompe à normes anti-pollution, tu vois. Excusez-moi, c'est quoi la petite pièce, là ? Et quand tu vois, quand tu suis les tuyaux, et Ford va te vendre, non, vous en faites pas, c'est pour mieux brûler les particules dans l'échappement. Et tu regardes le machin, tu fais, mais
Il est en train de se foutre de ma gueule, là. Il se fout de ma gueule ou pas? Non? Si. Parce que... Oui, mais tu peux ça sent quand même la bite, leur truc, là. Oui, mais c'est... Et t'as le mec, tu sais, qui respectait les règles, et le mec, emmerdé. Il a fait, mais... Et le mec, il a sorti son bouquin des règles californiennes. Mais c'est legit. Vas-y, dis-moi si j'ai pas le droit. Vas-y, montre-moi dans ton bouquin que tu as écrit toi. Vas-y, montre-moi où est-ce que j'ai pas le droit. Pour ceux qui ont vu le Mans 66, il a allumé sa clope. Les règles. Il a allumé sa clope, le gars. Il a écrit sa, il a écrasé sa clope dans le bouquin du mec. Il a fermé et il est parti en burn. Allez, tu m'homologues ça. Allez, voilà, tu me finis l'homologation vite fait. J'en ai besoin lundi dans les concessions. Allez, hop, on se dépêche. Alors, si ça peut vous rassurer, ce genre de petite magouille n'a pas trop changé aujourd'hui sur certains points. Quand vous achetez un produit qui baisse la quantité de CO que votre voiture sort pour passer le contrôle technique, vous savez, l'additif que vous passez, et ben, il y en a certains. Et pour avoir parlé, on ne dira pas le nom du fabricant, mais pour avoir parlé avec le fabricant et le mec assumé complètement, par exemple, donc pour réduire la quantité de CO2 que la voiture émet, ils mettent dans cet additif énormément de gras, ce qui fait que la sonde à CO n'arrive plus à avaler tout et ça vient juste se déposer en bas. Et comme ça, vous pouvez passer votre contrôle technique. Donc, ça ne change rien à la pollution de la bagnole. Oh bah c'est même pire parce que tu rajoutes un deuxième produit. Oui, alors après Volkswagen, ils ont poussé le stade encore plus loin avec une puce qui repérait à quel moment la voiture était en train de faire un essai pollution. Eux, ils ont plié le game. Ouais, c'était magnifique quand même. Et la marque qui ont vendu les puces les vendait en marquant, apparemment, ça a été repris dans un document, ces puces ne sont pas faites pour être installées dans une voiture. T'en commandes 1 million, ils se sont dit non, les puces, ils vont jamais les mettre dans les voitures. En vrai. T'as séduit. Non. Arthur, le cuillère, merci pour ton sub. Quel enthousiasme. Bah, avec un pseudo comme ça, j'étais obligé de mettre un peu de... Donc, alors Arthur, quelqu'un tout à l'heure avait un petit doute sur tes soudures. Est-ce que tu peux lui expliquer à quel point on a déjà tiré sur la gueule de cet outil? Oula, oui, si t'as un doute sur les soudures, en vrai, bah moi j'en ai aucun. Voilà, c'est tout. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Il faut que j'aille chercher une clé de 9/16. Merci à Je Remar 49 pour ton Prime. C'est effectivement pas le plus bel outil du monde. Mais il fonctionne. Alors celui-ci, on a sorti des trucs, d'autres machins. Oui. Voilà, et je pense que l'outil, il a eu mal, hein, aussi. Et en vrai, soudure est une cicatrice sur cet outil. On l'a vu se tordre et tout, alors, mais jamais rompre. Il ploie, tel le roseau, il ploie mais ne rompt pas. On l'a pété il y a un certain nombre de fois, cet outil. Hein. D'où les différentes soudures. Sur-soudures. Il faut aller chercher des rondos. Bon, après, effectivement, on pourrait se dire, Arthur, t'aurais pu mettre un petit coup de peinture dessus pour pas que ça rouille. Non. Ben non, parce que quand tu remets de la soudure derrière, ça embête. Je crois que c'est le premier outil fait maison de la fabrique. Ouais. Enfin, historiquement, hein, là, maintenant, il y en a une petite chier. Oui, le premier, de toute façon, historiquement, c'est toujours le premier. Hein, c'est... Oui. C'est vrai. Non, le premier, ça peut être genre celui qu'on utilise le plus. Là, non. Ça va, la mauvaise foi, là, sur le... J'ai l'impression de me voir. Hop. Il a un nom? Et putain, il n'a pas de nom, lui. Ah non, il n'a pas de nom, là. Et je sais pas, faudrait que ce soit un truc moche, mais utile. Jure. C'est un truc moche, mais utile. Vous pouvez proposer des noms, faut pas que ce soit un nom propre, hein, s'il vous plaît. Gérard. Comme Depardieu. Joseph, merci beaucoup, mais ça s'écrit pas comme ça, Joseph. Benoît, Toto. Sylvain. Waouh, la balle perdue. Adam. Adam. Ah, Adam, vu que c'est le premier, pas con. Terminator, vu la tête, oui, ça marche aussi. Xavier. Une râpe à fromage.
Gollum. Ah, j'aime bien. Kevin. Extracteur. Alors, on a quelqu'un très premier degré. Youg 88. C'est un outil pour extraire. On l'appellera donc l'extracteur. Voilà, on est premier degré. Robocop. Pragmatique. Débiteur, mon ex. Waouh. Ok, Mafia 13, désolé. Règle tes problèmes d'abord. Le rotor, Gruyère, Rocco. Cobra. Mini Léon. Tout, si tout s'appelle Brutus, c'est pas mal. Aïe. Le percepteur. Ça va, il fonctionne l'outil ou pas? Bah, il fonctionne pour tordre des rondelles. Ma petite sœur, ok. Bah, dis donc, ça attaque dans la famille maintenant. Arzef. C'est le mélange de Arthur et Joseph. Arnulf. Arnulf. Ah, Arnulf. Qui a la ref, s'il vous plaît, dans le chat, Arnulf? Le vampire mulet. Par pitié, dites-moi que vous avez la ref. Dites-moi qu'il y en a qui ont la ref. Josture. La Delmer. J'ai la ref. Oh putain, la Delmer. Qui a la ref de la Delmer? Non, la Delmer. Ah, j'ai entendu la Delmer. Not serious, merci. C'est tout à fait not serious. Si vous avez un moment sur YouTube. Regardez not serious. Regardez not serious. C'est un pur bonheur. Frankenstein, c'est vrai qu'on n'est pas loin. Merci à WhyNots pour ton sub. La belle-mère. Jostoff. Ah oui, là on est sur une compression. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Oui, oui. Parce que d'habitude, à chaque fois, les pièces, elles font « Oui, oui, je viens. Alors, il sort un peu. À quand le vlog en Turquie? Alors, Arthur vit très, très bien son alopécie. Ouais. Il avait approximativement 12 ans. Donc, vraiment, il est habitué. En fait, j'ai passé plus longtemps de ma vie avec une alopécie que sans. Le tu va sortir en deux mots. Robeil. Le putain, tu sors. Ça vient tranquillement. Hein. Ouais, ça vient tranquille. L'excouillatorix. Jamais. Alors, j'aime beaucoup le nom, hein, mais jamais de la vie, je vais m'en rappeler. Le roseau. Ah oui. Et quand je pense à mon ancien patron qui avait acheté genre 500 balles l'outil exprès pour extraire les poulies et que je m'étais un peu foutu de sa gueule quand on l'avait reçu, j'avais dit non mais en vrai je peux en fabriquer un. Hein. Et il a fait ouais mais tu vas voir là ce sera plus rapide. Alors est-ce que c'est plus rapide? Non. Oh putain la vis elle est chaude. Oui bah en même temps vu comment ça a forcé. Oui. Est-ce que vous voyez là? Ouais. Il restait des vis planquées là pour la pompe à eau. La pompe à eau. Est-ce qu'on peut tourner le moteur? Alors le but en fait ouais. De cet outil là, c'est donc de se prendre sur la poulie avec ces vis là et de venir appuyer sur le l'axe central, la vis qui est au centre en fait sur le vilebrequin. Puisque en fait, vous voyez, c'est la longueur sur laquelle c'est prise. En fait, c'est pris sur une tellement grande longueur que ça a le temps de bien gripper. Le tournicoti tournicota. J'aime beaucoup. Alors, on va pas pouvoir trop tourner le vilebrequin pour répondre à ta question, mon petit Joseph, puisqu'on a déjà enlevé des coussinets de bielle. Et donc, il y a des bielles qui vont taper dans le vilebrequin. Ah, pas une bonne chose. Ah. Donc, par contre, est-ce qu'on peut tourner ça? Oui. Merci beaucoup à... Arnulf, le vampire mulet. 34-12 pour ton subprime. Arnulf, le vampire mulet. Putain, j'ai envie. Alors ce soir, je vais me refaire les notes sérieuses. Tiens, voilà, ça m'a donné envie. Eh ben, dis donc. Arthur, tu vas devoir revoir. Tu vas
revoir, créer. Alors, si là, tu il y a une faute, devoir tu vas devoir recréer une marque pour vendre cet outil. L'outil Alors, en vrai, Saras. Si on le. L'outil Saras, c'est pas con ça. Ouais. Une l'outil gamme Saras. D'outillage Saras. Ouais. Que des trucs, genre rien ne pète. Ultra moche, mais putain solide. Genre, c'est pas peint, c'est brut, rouillé quand ouais. c'est livré et tout. Mais c'est livré dans une boîte en bois massive, tu sais. Il faut déjà un truc pour le ouais. sortir de la boîte. Merci, Pastis Pacho, pour ton deuxième mois d'abonnement. Pardon, mon petit Joseph, s'il te plaît. Hop, hop, petit peu de rangement. Je sais pas si... Alors, est-ce qu'il n'y a que moi, mais... Je sais pas si vous dormir. C'est... Pardon. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà. Regarde, on dirait un bonhomme. Oh oui. Et une pareidolie. Une pareidolie. Pareidolie, regardez. Vous le voyez, le bon... Alors, regardez. Que je suis le seul à le voir, là. Et de le montrer sur la grande cam. Un petit bonhomme, là. On est d'accord. Tout le monde va se foutre de ma gueule, mais moi, je vois un petit bonhomme. Bon, il y a un petit bonhomme mignon. Ça, ça. Je vois aussi, vite fait, non, go. Il a un gros nez. Ah oui, bah Joseph. Oui. Non, 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 arrête le Red Bull. Oui, non, bof. Bon, on est sur une réponse mitigée, hein, a priori. Alors, ceux qui voient un petit bonhomme... C'est très bien. Les autres, vous n'avez pas d'enfance. Vous avez perdu votre cœur. Si, là, il y a un bonhomme, là. Peut-être que Joseph insiste beaucoup, quand même. Bah, il y a un bonhomme. Bon, est-ce qu'on peut sortir cette pompe à eau ? Putain, tu mets du temps, là, aujourd'hui. C'est terrible. Hein. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ah, c'est pas si mieux que ce que je pensais. Question d'habitude. Heureusement, t'es gentil, Joseph. C'est quoi votre souvenir le plus drôle avec Villebrequin ? Je pense que c'est qu'on a sorti peut-être des pièces des premières vidéos qu'on avait fait avec eux. Ouais. En train de réfléchir, de fouiller. Il y a assez peu de moments où je me suis amusé. C'est quand même bien des sales cons, hein. Quelle merde. C'est du second degré. C'est surtout l'autre caméra aussi là. Du second degré. Hein. C'est quand ? Il y en a eu tellement. Voilà. Le plus marré. Ah, je pense vraiment, en général, c'est quand on voit le résultat de l'expérience, quoi. Et qu'il y a vraiment ouais. des fois les voitures où on. Genre le mur à 300, ça nous a pas fait marrer au départ de voir à 300 à 150, mais de voir le résultat à la fin, tu fais ah ouais quand même. Ah la voiture volante. Le Dodan, ça m'a beaucoup fait marrer. La voiture volante, c'était plus un énorme coup de stress. Ouais, mais un l'arrivée. Énorme soulagement. Ouais, mais de voir les pièces Excalibur, quand oui, t'as sorti Excalibur. Mais ouais, peut-être bien la première, celle qui a roulé sans huile. Mm. Ouais. Sylvain Bourré, non. Ah non, ça c'était pas drôle du tout. Hein. Putain. Personne s'est marré à ce tournage-là. Mon maillet. Ciel, faut mon combien maillet. Ah, faut combien d'heures pour une voiture télécommandée ? Alors ça, c'est une bonne question. Alors, la première ou la dernière ? Voilà. Ah. On va attendre qu'il finisse de taper. La question dépend de si c'est la première quand on l'a fabriquée, une voiture juste pour qu'elle puisse fonctionner, ou les dernières quand on les a assemblées. Enculard. Ah ouais, il y a eu un truc. Ouf. Alors là, attendez. Non, il a oublié le calage de l'arbre à cam. Alors là, il y a une pièce. Alors attendez, 3, est-ce qu'on le voit bien ? Oh bordel. Il y a eu un raté, là. Bah attends, la pièce, elle est pas au milieu, là. Non, mais ça, c'est normal. D'accord. Parce que ça, c'est un excentrique. Ah oui, l'excentrique. Ah oui, mais c'est, par contre... C'est l'excentrique qui, lui, vient actionner la... Est-ce que le chat, vous... Attends. La pompe à essence, Est-ce que vous voyez cette partie-là, le chat ? Ça fait partie des petites découvertes. Ça a bien fait d'ouvrir le moteur complètement. OK. Bah, si vous voyez cette partie-là, en fait, tout ça, là, c'est... En fait, pour...
La pompe à essence est là-bas. Je vais la chercher. Là, c'est le bout de l'arbre à cames. La grosse pièce chromée, c'est le bout de l'arbre à cames. Et en fait, monté sur le pignon, qui est le pignon de distribution... Oui, il y a de la limaille, effectivement. Vous avez une pompe à essence. La pompe à essence, elle est montée comme ça. Et cette pièce-là est montée excentrée sur l'arbre à cames, ce qui fait que, une fois par tour, la poulie ici va venir appuyer sur ce levier et le relâcher, et appuyer et relâcher, et appuyer. Et en fait, on passe son temps à osciller, en fait. Et ça, ça pompe l'essence. Le truc... C'est comme un petit shaddock. C'est que l'arbre à cames, il tourne, lui, dans ce sens-là. Par contre, il faut qu'il soit bridé dans ce sens-là. On appelle ça des cales de latéral. C'est le problème qu'on a avec le vilebrequin, c'est que le vilebrequin, lui, n'est pas calé en latéral. Le vilebrequin, vous voyez... Non, non, vous voyez peut-être plus. Ouais. Ben, il bouge, en fait, d'avant en arrière. Tu veux que j'essaye de te bouger un peu, là ? Voilà, vous voyez, le vilebrequin, là, il... Attends, je peux le bouger, là. Vas-y. Ouais, là. Voilà, je bouge pas mon doigt. Vas-y, active. Vas-y. D'avant en arrière. Donc, le vilebrequin bouge d'avant en arrière. Normalement, la chaîne, elle est faite pour battre et pour tolérer un petit peu d'écart. Sauf que, là, a priori, il y a eu un souci. Puisque, quand on regarde dans le carter, là, ça a frotté sa mère. Ça a genre beaucoup frotté, ce truc-là. Comme le machin tourne sur un excentrique, ça a balayé, en fait, sur toute cette largeur-là. Ça a fait des sacrés arrachements. Bah écoutez, on va fouiller pour... Je vais ranger la pompe. Alors là, on est sur une pompe mécanique, sur des voitures plus modernes, effectivement. On est sur des pompes électriques. Hein. C'est... Ça dépend des époques. Hein. Sur vos 206, maintenant, c'est électrique. Hein. Oui, mais là, si on remet dans le contexte, on est sur une voiture de... ça doit être une 66 ou 67, celle-là. Et vous voyez le résultat. Là-dedans, il y a plein de morceaux d'aluminium qui viennent du carter. On rappelle que la voiture a 300 bornes. Hein. Le moteur, il a tourné 300 km. Hein, et ça, c'est des morceaux d'aluminium qui viennent du carter. On espère que l'arbre à cames n'est pas flingué. Que l'arbre à cames, pour rappel, il a 300 km lui aussi. Le vilebrequin, le moteur, c'est quelque chose qui avait été refait, qui avait été réusiné, donc il a déjà eu une vie avant. Sauf que j'ai eu le client aujourd'hui au téléphone qui m'a dit l'arbre à cames, lui, il était tout neuf. Et parce que l'arbre à cames d'époque était trop flingué. Il y a peut-être moyen que le nouveau le soit aussi. Meanwhile, le nouvel arbre à cames. Ouais, ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va, ouais. Alors, c'est pas un autre moteur qui avait révisé. C'est en fait, le moteur est allé chez un motoriste, donc quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui a réassemblé le moteur après l'avoir fait passer chez un rectifieur. Donc, c'était un moteur refait. Donc là, on a une poulie de distribution qui n'est pas celle d'origine, puisque d'origine, en fait, on n'a qu'une seule rangée dans la chaîne. Souvent, on fait des chaînes double rangées pour avoir des éléments renforcés. Des trucs plus costauds. Hop. Là, on sort ce pignon. Quasiment neuf, le truc. C'est genre impeccable. Tu peux expliquer vite fait comment on peut voir qu'un pignon est usé ? Pour voir en fait si un pignon est usé, plus votre chaîne va travailler, en fait, plus votre pignon va être en pointe. Et à partir du moment où en fait les deux pentes se rejoignent, donc on a vraiment une pointe parfaite, là c'est que le truc est genre complètement mort. D'origine, c'est fait exprès comme ça pour retenir la chaîne en fait. Alors, est-ce que c'est de la faute du rectifieur ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Que déjà, on va pas essayer d'accuser parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Nous ne sommes pas Émile Zola. Voilà. Mais moi, j'ai supputé, et vous allez pouvoir faire une recherche Wikipédia en même temps, le syndrome du Vasa. Joseph se la pète. Mais non, mais parce qu'en fait, vraiment, je pense typiquement, on était dans ce cas-là, et y a pas mal de projets où tu peux te retrouver avec ça. C'est qu'en gros, je simplifie, à chaque étape, la personne qui avait pu peut-être voir un défaut ou se dire « ça peut être gênant », s'est dit qu'à la prochaine étape, de toute façon, ça sera corrigé si vraiment il y a problème. «
On est peut-être allé une étape trop loin. Là, on est allé à l'étape livraison au client. Oui, c'est, ça vient du bateau, tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez des outils Parkside? Parkside. Parkside. Park. Park. Side. Side. Le côté du parc. Ah, Parkside. Il faut le dire avec l'accent. Parkside. Parkside. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, franchement, c'est des bons outils par rapport au prix où ils sont. Voilà. Mais après, comme c'est pas cher, t'en auras pour ton argent. Pour un garage à utiliser tous les jours, quand on tombe pas. Mais si c'est pour faire ta mécanique chez toi, de temps à autre... Ouais, ou le Karcher pour faire ton jardin, il est très bien. Donc ça, c'est la cale de latéral. C'est la cale qui empêche le, l'arbre à cam de battre. Non, et ben, non, elle était montée dans le bon sens. Non, alors moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Hein, c'est ce qu'il va avoir derrière. Et ça, c'était monté dans le bon sens aussi. La clé 13 est devenue une clé de 14 en 3 utilisations. Ah bah oui, oui, non, c'est pas fait pour forcer dessus. Mm-hmm. C'est pas bon? Ça montre à la caméra. Non, ça a salement bougé. Vous voyez, là, il y a des sales traces de frottement. Merci, peut-être que cette pour les 2 pièce-là, mois en fait, n'est pas dans le bon matériau par rapport à la poulie. Parce que cette pièce-là a l'air d'être en acier. Souvent, une cale de latéral, on essaye de la faire en bronze ou en laiton pour que l'arbre à cam qui tourne puisse venir frotter contre. Et là, il y a un problème. Là ça a frotté trop fort. Wow. Ou alors, le souci qu'il y a eu... Tu as la main en plein devant la caméra. Et c'est pour toucher. Ou alors, le souci qu'il y a eu, c'est... Comme ça, c'est un truc double rangé. Le pignon est plus épais. Et en fait, tout ça, ça a été monté trop serré, en fait. Ils étaient dans un vol EasyJet. Et ça, bah, ça veut dire que la pièce s'est fait de la place. Alors qu'on se mette d'accord, en fait, de base, ça devait avoir cette tête. Ouais, c'est croisé comme ça. Il y a un petit quadrillage là, et bah, là aussi, il y a aussi. Normalement. Il y avait. Waouh! Alors, au doigt, on sent qu'il y a une. Ah oui, il y a, oui, il y a un trou. Hein, il y a eu 1 mm de creusé, ouais. Donc, souci. Pour résumer, ce moteur a frotté de partout. Il y a des trucs qui ont frotté un peu où il ne fallait pas. Il y a des trucs qui ont frotté, mais techniquement, un moteur... Enfin, il y a plein de trucs qui frottent dans un moteur. Genre les pistons dans les cylindres, ils frottent. Sauf que, normalement, là où ça frotte, il doit y avoir de l'huile. Et là, le souci, en parenthèse, juste avant qu'on sorte ça, c'est qu'à partir du moment où ça frotte, ça fait des plus grands écarts. On peut avoir la pression d'huile qui baisse parce que l'huile s'échappe trop à des endroits où il ne devrait pas. Et que ça devrait faire normalement des petits coussinets d'huile, pour résumer. Et donc, on se retrouve avec un moteur qui a plus de pression d'huile neuf, machin, des jeux qui s'accumulent de plus en plus, il y a moins d'huile, ça frotte, machin. Et ensuite, ça donne ça. J'ai bien résumé? Ouais. Dis-moi qu'il n'est pas pété, s'il te plaît. Tu sais qu'il y a des gens, muscles. Il y a des gens qui en font des lampes de chevet. Hein. Des gens de mauvais goût. Le jugement directement. Oui. Ça, là, il y a un petit peu de flottage. Écoute, il a la gueule d'un arbre à cam qui a tourné 300 km. En vrai, c'est pas si pire. Il y a eu du frottage, mais... Il y a eu du frottage, un peu exagéré, mais c'est pas... Mais ça va. En vrai, ça va. Et donc, vous voyez le fameux arbre à cam. Donc là, on a 16 cams. On a 2 soupapes par cylindre, on a 8 cylindres, donc 8 x 2, 18. Tu fais la compta, Joseph? Je suis très bon avec les chiffres, monsieur. Ouais, je vois ça. Ouais. Et ben voilà, on a pas mal avancé hein, dans l'histoire. On n'a plus qu'à retourner le moteur. On peut faire de la métrologie sur des arbres à cam, tout à fait. Ouais. Oui. De la mesure. Eh bien, on va retourner le moteur. On va se prendre de la flotte sur les pompes. Parce que le moteur refabrique de l'eau. C'est un truc de ouf. Hein. On est au max, là? Ouais. Ben, normalement, on doit pouvoir le retourner, mais comme moi, j'ai fait des petits adaptateurs. Alors, tiens, on voit les passifs de dessablage, là, à la cam, donc tu vas pouvoir expliquer. Non. D'accord. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, Jonathan. C'est les pastilles.
qui permettent au moment de la fonderie du moteur d'évacuer le sable et aussi quand il est sablé, il l'ouvre pour nettoyer l'intérieur. Quoi ? Mmh. S'il a été sablé, ça a été ouvert. Bon, oui, mais ça, c'est pas fait pour ça à la base. Oui, mais alors. Si t'avais écouté en cours. Oui, je sais, mais bizarrement, très souvent, il y a des gens qui font ce genre de choses alors que c'est pas fait pour. C'est pas un argument du tout. Tu marches dans l'eau. Comment tu peux ne pas faire attention à ce point-là? Gossup pour l'avoir acheté un bac. Alors en vrai, en ce moment, on est un peu en transition. On attend un peu de matos de Milwaukee et on veut savoir ce que Milwaukee nous envoie pour ensuite pouvoir s'équiper nous. Et en plus de ça, on a récupéré, on a depuis un petit moment le bâtiment, le local d'à côté. Mmh. On s'est agrandi. La fabrique auto a pu s'agrandir. Ouais. Mais on n'a jamais pris le temps d'aménager à côté. Ce qu'on aimerait bien faire cet été. On aimait. Meanwhile, moitié de l'été. Ce qu'on aurait bien aimé faire cet été. Sauf que les événements font que. Hein. Alors les événements, il n'y a pas d'événements fâcheux, ne vous en faites pas de notre côté. Tout va bien, c'est juste la charge de travail. Et tant mieux, on ne s'en plaint pas. Bah, pour les travaux, c'est pas tant ça le problème, c'est que là, pour le coup, il nous faut un maçon. Quoi. Oui. Qu'on a trouvé, hein, vous en faites pas, c'est pas ça le souci, mais bon. Et il faut pouvoir caler ça. À un moment, il n'y a pas trop de voiture. 91. Vous connaissez pas un maçon compétent dans le 91 qui travaille l'été? Plus ça la difficulté. Oui. Hop. Donc je vais essuyer par terre. On va faire une rencontre abonnée et en fait ça va être faire des travaux de maçonnerie à la fabrique auto. Ça s'appelait comment cette émission où il y avait le mec qui disait super, super, check ça. Je sais pas ce que je sais pas. La maison du cœur. Les maçons du cœur. Avec Marc-Antoine. Marc-Antoine. On file le nettoyer en frein s'il te plaît. Check ça. Non, on va s'en sortir. C'est juste trouver l'équilibre. On pensait que ça allait être fait plus tôt. Marc-Emmanuel, ouais, c'est Marc-Emmanuel, c'est ça. Il était doué pour pouvoir. Alors, en tant que présentateur, je trouve qu'il était doué pour vraiment transmettre le truc. Non ? Mais tu sais, en plus, qu'après, je me venge pas qu'à moitié. Tu sais, je sais aussi que tu n'attaques pas qu'à moitié, donc ça va, je le vis bien, Joseph, t'en fais pas. C'est quoi la marque de votre mobilier d'atelier? Alors, qu'est-ce que vous voyez comme mobilier? Tout ce qui est bois et noir, c'est HBM. C'est néerlandais? Ouais, hollandais, ouais. Néerlandais, en fait, c'est juste des... de la fabrication chinoise marque blanche, donc c'est juste eux qui le rebadgent en HBM, mais c'est parmi les moins chers en Europe. Et en vrai, ça va plutôt. Et en vrai, de vrai, ça fait le taf. Faut, c'est un truc pas cher et t'en as pour ton argent. Faut pas s'attendre à un truc de folie, mais. En vrai, je trouve qu'on en a même presque plus que pour notre argent. Vraiment. Ouais, je suis plutôt content. Ouais, les plateaux bois sont vraiment pas fous. Oui, non. Alors. Meanwhile, le mec qui a soudé avec, effectivement, le bois et la soudure, enfin le bois de mauvaise qualité et la soudure. Pas de Facom, Facom c'est seulement nous les outils à main pour l'instant. Et ensuite, pour tout ce qui est électroportatif, on a un partenaire qui est Milwaukee, qui nous a tout fourni. Et aussi, on a des, par exemple, la table de montage, elle est en partie sur des pack-out Milwaukee. Et donc, comme je disais, ouais, tout l'électroportatif c'est de chez eux et on en est très content. Oui, et normalement on devrait recevoir des établis, je crois, à Milwaukee. Des établis roulants. Ah oui, des petites servantes à roulettes. Servantes à roulettes. Voilà, alors comme vous voyez, on a déjà démonté en dessous. Attends. Les mécaniciens en France doivent avoir leur coffre à outils. Non, c'est les patrons en France qui fournissent une boîte à outils, normalement par salarié. Ah, là, c'est eux qui décident. Oui, c'est les patrons qui décident, mais bon. Oui. C'est l'employeur qui décide et donc c'est le garage qui fournit la caisse à outils.
Effectivement, on s'est rendu compte de... Enfin, on s'est rendu compte. En se renseignant à droite à gauche, on s'est rendu compte que dans les pays anglo-saxons, c'était souvent les mécaniciens qui amenaient leurs outils au travail. C'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, c'est surtout une question de tradition et d'habitude. C'est pas dans les traditions françaises. En France, c'est vraiment pas dans l'habitude française. En France, quand tu arrives dans un garage en tant que salarié, eh bien, c'est à l'employeur de te fournir les outils. Ce qui est des fois bien, ce qui est des fois chiant. Bah, ça dépend si tu as l'habitude de bosser avec tes outils, ça peut être chiant, mais bon, après, un peu normal qu'on te donne le matos pour bosser, quoi. Ouais. Oui, moi j'aurais du mal à demander à Grégoire, notre salarié, par exemple, bah, tu viens bosser avec tes outils, s'il te plaît. Par contre, nous, on aime plus la mentalité de se dire, on prend une caisse, là, par exemple, pour notre salarié, c'est sa caisse. S'il y a un stagiaire, normalement, il ne prend pas cette caisse-là. Et comme ça, au moins, tu t'attaches, en parenthèse, à tes outils et tu en prends quand même beaucoup plus soin naturellement, parce que c'est ta caisse. Puis je lui pète la gueule à Grégoire s'il respecte mal ses outils. Au moins, tu as ceux qui se conviennent. Après, selon les patrons, tu peux demander quelque chose oui. par rapport à ce qui te plaît. Tu arrives dans un garage. Ah, moi, je suis désolé, je ne travaille que avec du FACOM. Bon. Hop là. Oups, putain, ils sont tous. Ils ont frotté sa mère. Alors, ceci est un pied. C'est pour ça que je t'avais dit que ça avait frotté Ouh, sa mère. Ouh la vache. Ouais. Mais attends, j'ai. Le bloc n'est pas récupérable. T'as vu, regarde là. Passe ton doigt, genre il y a deux rayures, mais de 3 mm de profondeur. Attendez. Ah bah oui, bah oui, regardez le souci. Alors les bielles sont de travers. En fait, la bielle, je sais pas si vous la voyez. Alors, si vous voyez je vais détacher une des caméras pour aller vous montrer ça. La bielle est de travers. Comme ça. Et c'est surtout, normalement, quand vous mettez la bielle au milieu, en fait, elle est montée sur des axes flottants. Hein. Enfin, sur l'axe ici, normalement, est monté serré dans la bielle. Et bien évidemment, l'axe est centré sur la bielle. Enfin, la bielle est centrée sur l'axe. Là, vous voyez, ça s'est tellement décalé. Alors là, attendez, je vais essayer de partir en exploration pour vous montrer. Tu peux me redire sur le retour si on le voit, Arthur ? Oh la vache. Regardez, bah d'ailleurs, vous voyez, le piston est fissuré. Donc là, vous avez un magnifique montage. En vrai, c'est un montage avec des belles pièces. Est-ce que tu peux me dire sur le retour à 9000 euros qui est pété, qui a fait 300 km et qui est explosé. Ouais, là, ne bouge pas, Joseph. Vas-y. Là, vous voyez, en fait, les deux stries, ici, normalement, on est censé être dans un cylindre parfaitement rond. Là, les deux stries, en fait, c'est l'axe de piston qui s'est décalé et qui est venu enculer le truc. Vraiment, je ne vois pas d'autres termes. Ça a ruiné le cylindre. Oh la vache. Alors, profitez, parce que alors, ça, des comme ça, on n'en voit pas souvent. Hein. Des trucs comme ça, c'est rarissime. C'est la première fois, moi, que je vois un bloc aussi éventré que ça. Pire encore, le moteur tournait. Oui, alors il n'allait pas tourner. Alors le client. Il n'allait pas tourner 1000 ans comme ça. Hein, ouais, ça peut. Client a démonté le moteur de sa voiture, il tournait encore le moteur. Hein. Alors, je vais remettre la caméra en place. Il faisait un bruit de malade, hein, mais il tournait encore. Alors le client vient demain matin au garage. Il vient dire bonjour. Alors en vrai, il vient déposer un acompte pour les travaux qu'on va faire sur son moteur. Et il va pouvoir voir l'étendue des dégâts. Ils sont plutôt présents. Ah oui, ils sont... Oui, oui, il y a beaucoup des dégâts. En vrai, quand il a fait la vidange, il devait avoir mais à boire et à manger au fond. Alors ce qui est ouf aussi, c'est que là, j'ai enlevé tous les paliers de vilebrequin. Et le vilebrequin est dur à tourner à la main. Là où, bah, hier, j'ai démonté le moteur de la Fastback 68... une fois que j'ai enlevé les culasses, le moteur il tournait super facilement à la main. Et normalement, un moteur qui est usé, il tourne relativement facilement à la main. Donc là, ça veut dire qu'il y a des trucs qui frottent un peu partout. Alors non, c'est pas des... Si je ne me trompe pas, Arthur, hein, c'est pas un moteur avec des chemises rapportées, ça. Non, c'est taillé dans la masse.
Donc c'est un moteur qui est appelé à chemise sèche, à opposer à un moteur à chemise humide. Et là, vous avez la même chose, une bielle qui est tordue. Alors, est-ce que le motoriste a mal fait son taf ? Alors, on va pas résumer le truc comme ça. C'est plus ce serait hyper simple de dire le motoriste qui a mal travaillé. C'est vraiment accuser la dernière personne qui a le truc dans les mains. C'est plus qu'il y a quelque chose qui a pas dû être contrôlé à un moment. Le moteur est arrivé jusqu'à la dernière personne qui est le propriétaire qui a démarré le moteur et c'est donc lui qui s'est pris le truc dans les dents. Alors, prendre dans les dents, c'est un euphémisme, hein, vu l'état du moteur, ouais, c'est... Vous démontez pour quelle raison à la base ? Bah, en fait, on démonte pour... parce qu'il y avait un peu de bruit, hein, quand il démarrait. Merci MXLX76 pour ton sub. Et on démonte pour, à la base, réparer. Mais donc, on a vu dès le début que le bloc n'était pas récupérable. Donc, on est en train d'enlever les pièces. Là, on finit de démonter. Globalement, tout ça, ça part à la benne. Ouais. Tout ce qu'on est en train de démonter, là, le bas moteur, ça... Enfin, encore une fois, ça part pas directement à la benne, ça part chez le client. C'est le client qui décidera ce qu'on en fait. Ça fait un beau presse-papier. Et ce qu'il en fait. Mais là, le bloc, économiquement, c'est pas réparable. Sauf s'il insiste pour machin, et dans ce cas-là, on peut le réparer, mais avec la taille des rayures. Là, le coût est paramétrique. Le prix est incroyable. Merci, Lacryogène, pour ton subprime. Et en fait, on va démonter ce qu'on va. Le client souhaite donc racheter toute cette partie-là du moteur. Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. Un short bloc. On remettra les culasses qu'on a démontées en début de live sur le nouveau bloc, et il pourra repartir avec un moteur pour un peu plus de 300 km. On espère qu'il pourra faire plus que 300 km. On vise 500 km avant qu'il se reprenne le moteur dans les dents. Le pied de table de fou qu'il a. Pourquoi le moteur est bleu ? Parce qu'il a été peint en bleu. Alors, parce qu'en fait, il reçoit des ondes de lumière et il ne reflète que la couleur bleue. Il absorbe les autres longueurs d'onde de lumière. Merci XARES pour ton subprime. Pourquoi il est bleu ? Alors, il y a eu deux générations de couleurs. Ouais. Il y a eu deux générations de couleurs chez Ford. Il y a eu les premiers moteurs qui avaient cette couleur bleu clair et les moteurs d'après qui avaient un bleu marine. Villebrequin, ils ont déjà endommagé un moteur comme ça ? Pas autant. Non, c'est même le roulé sans huile était moins niqué. Les chemises étaient moins niquées, ouais. Les cylindres étaient moins niqués. Alors c'est bizarre. Alors non, le vilebrequin si dur à tourner, vu l'état, là c'est pas bizarre, là c'est normal. Ça se comprend, mais c'est pas normal. Oui. Alors non, c'est pas. Alors, je sais que là, beaucoup de personnes en veulent aux motoristes. C'est trop simple. Ouais, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est. C'est trop facile de dire. C'est la faute de un tel. Parce que si ça se trouve, le motoriste, il a pris par rapport à ce qu'avait fait l'usineur, en partant du postulat que tout avait été fait, alors que l'usineur pensait que le motoriste voulait qu'il fasse qu'une seule partie, ça a été remonté et le problème est apparu. Donc on ne peut pas dire juste « putain, le motoriste, c'est un con ». C'est un problème plus combiné que ça. Le projet du moteur à la base, c'était de le mettre dans un Mustang pour pouvoir rouler avec. Il a restauré une Mustang complètement. C'est une Mustang coupée de 67, je et crois. Et oui, pour l'instant, alors c'est moins bouffé au niveau des cylindres, mais tous sont frottés. Ouais, c'est une sale gueule hein, quand même. En fait, on voit à l'usure, on est capable de détecter si c'est un moteur qui a beaucoup de kilomètres, qui n'a pas beaucoup de kilomètres, si c'est un moteur qui a bien vieilli, qui n'a pas bien vieilli. Là, on voit que c'est un moteur qui a très peu de kilomètres et super mal vieilli. Acrémi 57, merci beaucoup pour ton prime. En fait, là, c'est vraiment un truc bâtard, c'est que vous avez un moteur où vous voyez que tout est neuf, pas usé, mais usé. Pas si vous avez le... Je sais pas comment on peut expliquer ça.
Il a vraiment mal vécu. Ouais. Nero Flame, merci beaucoup pour ton sub prime. Je sais pas, ouais, comment on peut décrire ça? C'est... sans... en restant Twitch friendly. C'est un petit enfant. Ouais. Ça va partir en couille, Joseph, je te préviens. Non, 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 non. C'est un petit enfant qui est né dans une famille de polygames pédophiles. Ça, non, c'est pas bon, ça. Et ben, pourtant, c'est ce qui est arrivé, là. Non, non, c'est à peine vraiment... venu au monde, il s'est fait aller. Ruiner par la vie. C'est un très beau meuble Ikea, mais monté par mes soins, voilà. Vraiment. J'avais hâte de voir comment Joseph allait s'en démerder. C'est mort in vitro, là. Ouais, non, alors, là, il n'est pas mort in vitro, parce qu'il a tourné comme non, il a tourné. Mais ah là là, ah ouais, il a pas tourné dans les beaux endroits. Hein. Oh, putain. Ah ouais, il n'a pas aimé. Hein. Alors ça, c'est pas normal. Hein. Normalement, là, à ce moment-là, ça se démonte. Hein. Alors normalement, putain, ils sont tous frottés. Je vais vous montrer ça juste après. Normalement, quand on démonte ce genre de pièce, il faut garder les appairages. Donc il faut garder genre le chapeau de bielle avec la bielle et tout ça. Là non, on s'en fout. Là, ça va pas être remonté. Hein. Là, on s'en fout. Ouais. C'est vraiment au-delà du réparable, enfin du économiquement réparable. Il y a un truc qui est quand on commence à s'intéresser à la voiture et à la voiture ancienne, à plus forte raison. En tant que mécanicien, on se rend compte et on se dit que tout est réparable. Et effectivement, tout est réparable. Par contre, tout est question de l'énergie qu'on va y mettre dedans. Et donc, de prix. Et de moyens qu'on va y mettre, donc de moyens financiers, de moyens humains. Alors, est-ce que c'est un problème de est-ce que c'est un problème de lubrification? Alors, la lubrification qui a merdé, c'est sûrement un symptôme du problème de fond. Une fois que j'aurai les mains un peu propres, on pourra expliquer précisément ce qu'on a compris de la panne. Et ce qu'on a compris du problème. On a fait un différentiel médical sur le moteur. Il y a des bruits. Vlant. Alors, bien évidemment, quand vous les remontez, il ne faut pas le faire tomber. Putain, il y a des traces de béton sur le piston. Est-ce qu'il est tombé? Remonte ça à la caméra, là, pour être bien d'accord. Ça, là. En fait, le truc noir, là, le traitement noir, c'est un traitement anti-friction. Eh bien, le traitement anti-friction, il a été frictionné. Et ça a que 300 km. Ça, ce genre de frottement, on peut l'entendre. Enfin, de manière générale, c'est un peu plus large. Mais on peut le comprendre sur 150 000, 200 000 km. Là, 300 km, non. Non, voilà. Mais on a une théorie. On vous explique, dès qu'on a fini de le démonter, vous allez voir. C'est tout bête, mais si c'est bien ça, c'est chiant. Mais tout con. Comment ça, c'est tout bête? L'enchaînement de choses qui a fait que... Oui. Ils ont pas mis d'huile? Si, si. Si, il y a eu de l'huile. Si, si. Si, si, bah, au fond de la bâche à huile, justement, il y a deux, trois marques. Oui, il y a eu de l'huile et oui, il y a eu un problème. Il est en ligne, le proprio? Je ne sais pas. L'enchaînement syndrome de Vasa, ça justifie pas tout. Non, alors le syndrome de Vasa, ça justifie pas, ça explique. Oui, il y a une différence entre justifier et expliquer. Merci Bevox pour ton subprime.
Là, on essaye de comprendre comment ça arrive à ce genre de situation. Pour déjà, nous, de notre côté, ne jamais la reproduire, cette situation-là. Alors, en vrai, c'est intéressant comme... je suis navré pour le proprio, mais... Là-bas. On va sortir le vilebrequin. L'explication est intéressante. Et non, alors, il n'a pas passé 800... Il a pas passé 300 km en première, parce qu'en plus, c'était une boîte auto. C'est une boîte auto et... expliquait encore moins le problème à la base. Et a priori, la boîte auto était bien réglée. Parce que sur ces voitures-là, on peut décider du réglage de la boîte auto, de quand est-ce qu'elle passe ses rapports, etc. Pauvre moteur. Ouais. Et Arthur voilà. Et Joseph mènent l'enquête. Oui, tout à fait. Là, c'est plutôt des médecins légistes, là, qu'on... Oui, là, on est vraiment sur le... C'est le légiste, mais qui arrive très, très tard. Quoi que tu me diras... Non, c'est un légiste, ça arrive. Oui, pardon. Oh non, mais cette marque, est-ce que vous la voyez là ou pas? Attendez. Je sais pas si vous voyez là, sur la Cam 3. Mais ça, c'est fou. Il y a une garantie sur le moteur. Alors oui, à partir du moment où la personne qui l'avait faite n'a pas déménagé et fermé son atelier. Là, c'est plus compliqué de faire jouer la garantie. Ouais, alors il aide pas. il aide pas sa cause, la personne qui a fait le moteur ne joue pas contre lui. Enfin, joue contre lui. Oui, là, il... Alors, à savoir que si nous, par exemple, on va refaire ce moteur-là, s'il nous arrive de faire une connerie, ce qui peut arriver. Ce qui nous arrivera sûrement au moins une fois. Et ce qui nous arrivera dans notre vie, hein, ce qui nous est déjà arrivé et ce qui nous arrivera. On paye une assurance, nous, pour ce genre de choses. J'ai tellement pas envie d'appeler notre assureur. D'appeler l'assureur pour ça. Bonjour. Mais on paye une assurance qui paye qui va payer pour les pièces et les travaux qu'il y a pour réparer notre connerie. Alors, petite annonce d'ailleurs au passage, Arthur est au courant depuis peu, mais on a eu une augmentation d'assurance parce qu'on travaille avec les garçons de Villebrequin. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Alors, apparemment, il regardait les vidéos, la soie. Enfin, il regarde toujours les vidéos. Peut-être pas une bonne idée, mais... Oui, c'est sérieux. Par rapport à notre activité, on a eu une petite augmentation de 100 balles par mois de l'assurance. 200 balles. 200 balles. 200 balles 200 balles. Oui, je suis bien au courant. Ouais. Déjà qu'avant, on payait. C'est légal, ça? Bah oui, parce qu'en fait, il t'assure par rapport à ton activité. Et par rapport aux modifications de voiture. Et il t'assure par rapport aux risques que tu encours dans ton activité. Donc, normalement, c'est à nous d'être 100% honnêtes dans les activités qu'on a. Et dans ce qu'on fait. Et c'est toujours une question de ça avec La caméra. C'est toujours une question de ça en fait avec les assurances. C'est que oui, tu peux t'assurer sans trop dire, sans machin, mais le jour où tu as un problème. Ton assureur, il fait attends, ça tu me l'as pas dit. Et regarde dans le contrat là, il y a marqué. Ça, c'était qu'il pas fallait compris dedans. Ça. Ou alors, c'est pas compris dedans. Bah, du coup, je t'assure pas. Donc, on peut avoir un assureur qui nous dit je t'assure pour 20 balles par mois. Mais il ne va pas nous couvrir dans plein de situations. Il y a plein de situations, il va dire bah, ça non. Nous, on a plutôt pris le parti de dire à notre assureur tout ce qu'on faisait, genre l'étendue complète de ce qu'on faisait. Alors, j'ai prévenu l'assureur qu'on a eu un incendie en live. Je l'ai appelé le lendemain pour le prévenir. En prenant le risque, bien évidemment, de se retrouver un jour à payer plus cher. Soit on travaille avec Villebrequin, soit... Alors, en vrai de vrai, on passe par un courtier qui est très gentil et qui essaye toujours de nous arranger. Mais derrière, il y a toujours une agence principale d'assurance qui regarde, dit « Oula, c'est risqué, ça !» Et qui peut, à ce moment-là, t'augmenter ou te demander de mettre des choses en place. Les chemises blanches assurées, non, vraiment, si je les assure, là... Alors, ah oui, non, ça coûte trop cher, après. Bon, ben voilà. Alors, en vrai de vrai, attends, bouge pas.
Hop. Petite chaise camping. Nouvelle utilisation. Ah. Voilà. Petite table. Hop. Ça va bien. Voilà. On a racheté des extincteurs sinon. On n'est toujours pas allé les chercher d'ailleurs. Non, bah, ils vont pas s'envoler. Au prix où ils sont, t'en fais pas. Oui, c'est vrai. Bah, si, il y a des gens qui vont venir les voler, mais il n'y en a pas qui vont venir nous les acheter à notre place. Hein. Voilà, voilà. Bon, bah, donc, est-ce qu'on pourrait expliquer, Arthur ? On va expliquer, en effet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, qu'est-ce qu'on est-ce que tu peux me filer un piston et une bielle, s'il te plaît ? Ouais. De toute façon, je peux que te passer les deux à la fois, parce que ça va être chiant de les séparer. C'est ensemble. Alors ça, ça vient de l'autre moteur, de Mustang. Par contre, tu te rapproches un peu quand même, parce que de là, t'es loin. Ça va bien, oui. Non. Putain. Obligé de tout faire ici. Voilà, j'étais bien en plus, j'étais bien assis là. Juste avancer de quelques pas, ça va. Tu vas y arriver, t'en fais pas. Puis bon, hein, si tu veux redescendre sous les 100 kilos. Ouf. Non, je suis sous les 100 kilos. Oh. Non mais 96. Sympa la casquette Deadpool, merci beaucoup. Alors, bonjour, c'est un piston. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Au moteur. Il est arrivé au moteur. Bah, à la limite, il faudrait amener le chariot, en fait. Le chariot de quoi ? Attends, je vais faire un truc. Ah, celui-là, c'est... Je vais faire un truc. Ça, on va peut-être le mettre en décor. Le maintenir en décor, par là. Ouais. On va ramener ce chariot, là, au niveau de la caméra 3. Excusez-nous, hein, c'est un petit instant technique. Fais gaffe à ne pas rouler sur le pied de la caméra. Mmh. Dans quel sens tu veux ? Je fais en ce, dans l'autre sens, là, le vilebrequin ici, perpendiculaire à la 3. Hop ! Alors, qu'est-il arrivé à ce moteur ? Oh, la mise en scène ! Oh, elle est sublime ! Le montage. Ce que vous voyez bien, là. Là, on va faire enquête criminelle. Bientôt, il y a un cas d'affaires sensible avec Fabrice Drouel qui nous explique. Attends. Non, mais moi, je voulais faire comme ça, en fait. Hop là ! C'est ça, perpendiculaire à la caméra. Je disais ce truc-là, moi. Ah, bah voilà ! Écoute, est-ce que c'est pas magnifique ? Tu peux mettre la 2 en même temps, une seconde ? 2, 3 ? Joseph va gaspiller du scotch. Une scène de crime. Hop. Attends, là, faut... Hop. On n'a pas de balise. Police. Ah, il faut avec une faute d'orthographe. Line. Don't. Do. Not. Cross. Alors, je sais pas ce que tu as touché, Arthur, mais apparemment, il préférait avec la mise en place d'avant. Je suis désolé. Vous avez un tour à métaux pour rectifier les pièces. Ça va pas être suffisant, là. Voilà. C'est beau, hein. Ah, mais là, police line, do not cross. Et après, ligne de police, ne pas croiser. Là, en vrai... C'est con. On le traduit à la française. Est-ce qu'on le voit, là ? C'est traduit façon Julie Lescaut. Croyez-nous. Alors, 3, 2, hop là, c'est parti. 3, 2, Arthur. Qu'est-il arrivé ? C'est Pierre Bellemare. Oui. Dans... c'était quelle émission avec quel... Oui. Avec Pierre Bellemare. Merde. Qu'est-il arrivé ? Où se dirige le criminel ? Bon, bref. File un piston. Ah, ça colle ! Ah bah oui, non mais... A priori, le... Do not cross the line ! Bah,
Le piston à cross. Oui, le piston, il ne peut, peut pas croiser la ligne. Regarde. Solution. Mais en... Allez, attends. Bouge pas. Bougez pas. Solution, regardez. Parce qu'il ne faut pas cross. Voilà. Là, tu vois. Il a fait exprès. Non. C'est ma gentille copine qui avait fait une structure. On lui avait demandé de faire une structure stable. Eh bien, elle, la structure ne tient pas l'instabilité de Joseph. Non, alors, non, excuse-moi, c'est, celui-là est stable. Celui-là est stable. Ouais. Mais l'autre n'était pas stable. Après, la question, pourquoi on a des méga-blocks dans un garage, ça, c'est pas à vous de la oui, poser. Oui, déjà, hein. C'est vrai. Le... Non, c'est pas à vous de la poser, déjà. Vraiment. On a des méga-blocks si on veut. On occupe comme on veut nos temps de pause, ok? Alors, tu mets peut-être une caméra 3? Oui! Non. Alors, dans la vraie vie véritable, 3-2, hein, hop là, 3-2, c'est bon. Alors, dans la vraie vie véritable, vous avez un piston, enfin une bielle qui est là et une autre bielle qui est par ici. Le truc étant, c'est que vous avez de l'huile qui arrive par ces trous-là, enfin, qui arrive par le bloc, en fait, qui rentre dans ces trous-là, ensuite qui traverse là-dedans et qui ressort par ici. En sortant par ici, l'huile, elle est, en fait, coincée là. Alors, dans le tout petit écart qu'il y a, en fait, on a de, la pression, de l'huile sous pression qui arrive et on crée, en fait, un film d'huile. Ce film d'huile, en fait, crée un coussinet d'huile, ce qui fait que votre piston et votre vilebrequin est toujours, tant que le moteur tourne, dans un cadre de sustentation hydrodynamique. T'aimes bien le côté police ? C'est un peu chiant quand même, je te cache pas. D'accord. Et la sustentation hydrodynamique fait que tant que vous avez de la pression d'huile, votre vilebrequin peut tourner à la vitesse que vous voulez, eh bien, il ne touchera pas le métal du coussinet ici. Et le coussinet, en fait, là, et là, lui sert d'interférence uniquement pendant les démarrages. Le fait est, et ma théorie étant, et notre théorie qu'on se partage avec Joseph, je parle sous ton contrôle, Joseph. Ah oui, tout à fait, mais de toute façon, on a réfléchi sur l'enquête. Notre théorie étant que, notamment sur celui-ci, il n'y a pas eu de contrôle de la largeur du palier. Et c'est là la baise du truc. En fait, le rectifieur, lui, traditionnellement, il va vérifier le diamètre d'ici. Donc, ces parties qui sont les mannetons, ces parties qui sont les tourillons. Et en fait, on vérifie les diamètres, on rectifie, on corrige. En fait, on retaille là-dedans et ensuite, on met des coussinets, donc ces pièces-là, là, un peu plus épaisses, pour compenser, en fait, ce qu'on a taillé là-dedans. Et voilà. Fin de phrase. Ouais. Et on vérifie ensuite si tous les tourillons, 1, 2, 3, 4, 5, là ensuite on a 5 tourillons, on appelle ça la ligne du vilebrequin, on vérifie si tous ceux-là ils sont droits et ils tournent selon le même cercle. On vérifie donc le foron et on vérifie si le vilebrequin n'est pas plié et on appelle ça la flèche du vilebrequin. Foron, Maurice Foron, merci Joseph, non. File-moi alors, le chiffon. C'est surtout expliquer ce que c'est qu'un foron, parce que pour moi un foron c'est un carré quoi. Non, voilà. Un foron, alors attends, est-ce que j'ai un truc cylindrique? Oui, cylindrique le germain. Hop. Ici, vous avez cette pièce-là, sur le retour, voilà. Vous avez cette pièce-là. Alors, pardon, juste un instant. Important, non, cette presse hydraulique n'est pas jolie, non, n'achetez pas cette presse hydraulique, c'est de la merde. C'est de la merde. On rachète une presse, on a une presse qui arrive là, une vraie presse, vachement mieux que cette grosse merde là. Qui est juste dangereuse et pas chère. Cette presse est une immense merde, on a dû payer ça 130 balles, et bien c'est 130 balles qu'on a gaspillées. On vous dira bientôt le prix. On peut le dire, j'étais ouais. Pas prêt. On a voulu... extraire des moyeux d'Aston Martin. Cette putain de presse a participé au tordage d'un moyeu d'Aston Martin. Un moyeu d'Aston Martin coûte 5 800 € neuf. Faudrait le rajouter au prix de la presse, en fait.
on a donc fait appel à une société qui redresse des trucs. Une société incroyable, des gens très gentils. Société qui est en activité depuis les années 1900. Et qui nous ont sauvé le cul. Qui a travaillé notamment à l'époque des Caravelles et des Concordes, qui redressaient des pièces de train d'atterrissage. Donc je pense qu'ils sont assez qualifiés pour redresser des moyeux d'Aston Martin. Alors, si je peux me permettre, par contre, j'ai une vraie question là, qui m'inquiète. À quel moment tu redresses? Et quand j'ai appris ça, c'était hyper flippant. Ok. Et donc, les moyeux d'Aston Martin étaient montés sur des arbres de roue. Déjà, le monsieur qui nous a aidé à sortir les moyeux a dû monter à 80 tonnes de pression. À quel putain de moment dans ta life t'es obligé de presser un truc à 80 tonnes pour qu'un assemblage mécanique se démonte? C'est-à-dire que à peu près n'importe quel truc devient démontable sous 80 tonnes de pression. Je pense que le bâtiment entier, il est en kit si tu lui appliques 80 tonnes de pression. Ah bah, n'importe quelle maman à ce niveau-là... Et en plus de ça, il a fallu redresser les moyeux d'Aston Martin. Il y a 1400 balles de redressage de moyeux d'Aston Martin. Donc cette presse qu'on a payée 130 euros, on ne l'a pas exactement payée 130 euros, on l'a payée au moins 130 euros, plus 1400 euros, plus le temps qu'elle nous a fait perdre toutes les fois où elle ne nous a pas permis de presser des trucs. Tellement c'est de la merde. Voilà. Ça c'est fait. Bref. On avait dit pas les mamans. Le forron, en fait, donc cette pièce-là, a priori, le centre de cette pièce se trouve par là. Hein. Sauf qu'il s'avère que si on la fait tourner, cette pièce... Si ça se trouve, on va se rendre compte en fait qu'elle va tourner légèrement désaxée comme ça. Eh bien, son vrai centre, en fait, son centre de rotation, ça va être un cercle au lieu d'être un point. Eh bien, le fait qu'elle tourne autour d'un cercle, donc que son centre de rotation soit un cercle et non pas un point, c'est le faux rond de la pièce. Eh bien, le vilebrequin, on va vérifier la même chose. Alors, à des degrés de précision qui sont... C'est-à-dire que sur un vilebrequin de Mustang des années 60, c'est-à-dire que des années 60, on est sur une voiture qui a 60 ans, on est à une précision en termes de forons de 3 centièmes de millimètre. Voilà, des tout petits 0,03 millimètres. Heureusement d'ailleurs, que sinon ça tremble. Au nord, c'était les forons. Merci pour ton com. Exactement. Bref, on vérifie tous ces trucs-là. Donc, le foron, la flèche, on vérifie que le vilebrequin ne soit pas galbé. Mais, normalement aussi, on doit vérifier les largeurs de maneton et de tourillon. Puisque, si vous avez, par exemple, là, sur un maneton, si vous avez votre bielle qui est ici et votre coussinet qui est là, hop là, donc les deux occupent le même espace. Plus l'espace ici, là, entre la masse et la bielle est petit, moins votre huile qui est à l'intérieur va avoir d'espace de fuite. Et plus vous arrivez à retenir votre huile, plus vous arrivez à maintenir de la pression d'huile. Et meilleure est votre pression d'huile, meilleur sera votre palier hydrodynamique. Pardon, hydrodynamique, puisqu'il y a de la pression d'huile. Donc, ce qui veut dire que cet écart-là est hyper important. Sauf que, bah avec l'âge, bien évidemment, ça prend du jeu. Toute mécanique prend du jeu avec l'âge, forcément. Et c'est valable aussi pour les humains. Et c'est valable pour les humains, hein, on prend du jeu avec l'âge. Hein. Parlez à mes genoux. Et là... On voit, d'ailleurs, quand on voit de près, je ne sais pas si vous voyez là, mais en fait, il y a une petite marche ici. Et le vilebrequin s'est usé. Et là, le rectifieur n'a pas mesuré, enfin, je pense que le rectifieur n'a pas mesuré cette largeur-là. Donc là, on est dans la partie théorie. Donc là, on est dans la partie, c'est la personne qui est censée usiner les pièces. Elle n'a pas vérifié ce truc-là. Ce qui fait que quand il y a eu le remontage... Pendant le remontage, alors c'est peu probable qu'on filme le remontage d'un moteur, parce que d'une, c'est très très long, et de deux, il y a des milliards de vérifications qui sont super chiantes à montrer. Alors, je vais vous sortir le coussinet qui va bien. Allez, barre-toi.
Ah, ça tire les poils, sa mère. Putain, il casse mon décor. Ouais. Putain, on s'emmerde à faire de la mise en scène. Ouais. Et moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un malade. Moi, je suis comme ça, moi. Moi, tous les matins, je bois un grand verre d'acétone. Tu vas faire quoi? Tu vas me buter, c'est ça? Waouh, le verre d'acétone. Tellement une mauvaise idée. Alors. Voilà le coussinet qui nous intéresse. Hop là, allez, c'est reparti. Ce coussinet-là, donc c'est un coussinet un peu spécial, puisque normalement, je repasse devant la caméra, excusez-moi. Un coussinet standard, c'est comme ça, c'est juste une coquille. Et bien là, celui-là, c'est un coussinet qui intègre ce qu'on appelle ici des cales de latéral. Ça évite que le vilebrequin batte d'avant en arrière. Et en fait, normalement, quand on monte ce coussinet-là, et quand on monte le vilebrequin, on tire le vilebrequin en arrière et on le repousse. Alors on prend un levier, en fait, on prend un levier à l'extérieur du moteur, on met un appareil de mesure, un comparateur, je vais vous chercher un comparateur. Pardon, mon petit Joseph. Comparateur. Ah, tu peux sortir peut-être plus qu'un comparateur, juste pour montrer deux, trois outils marrants. Tu sais, l'autre, là, le piezo. L'autre piezo. Attends, on avait un là, qui traînait. D'accord. Non, mais il y a des outils de mesure marrants. Ceci est un comparateur. Attends, t'es pas sur les bonnes cams, Arthur. Quand on appuie ici. Toujours pas sur les bonnes cams. Pardon. À ce coup, c'est moi. 3-2. Donc, quand on appuie ici, ça vient nous indiquer. On a ici, entre deux graduations, donc là, si je règle mon truc, entre le 0 et 10, là, on a un dixième de millimètre, donc 0,01 millimètre. Ah, 0,1 mm, pardon. Là, on a 0,1 mm, 0,1. Ça veut dire que quand on fait un tour, on a bougé d'un millimètre et ça se repère sur ce cadran-là. Donc là, vous voyez, j'ai enfoncé mon truc. Et là, j'ai enfoncé d'un millimètre. Là, ensuite, j'enfonce de 2. Là, j'enfonce de 3, etc., etc. On installe, en fait, le comparateur ici sur un pied assez solide. Et ensuite, on pousse le vilebrequin et on le retire. Et on doit vérifier, comme je vous disais, sur ce moteur-là, le jeu ici est de, j'ai dit quoi, un dixième et demi. Mmh. Je crois que c'est un dixième et demi. La vue commence à bouger, il n'y a pas besoin de comparateur. Hein. Oui, là vous voyez un truc, c'est que ça, c'est absolument pas normal. Normalement, quand on installe ce coussinet-là, il y a un dixième et demi ici. Donc 0,15 mm. Donc normalement, ça doit bouger de ça, et ça revient à zéro. Et ensuite, ça doit bouger de ça maximum. Tu peux montrer de combien ça bouge là, sur l'outil? Sur l'outil. Oui, merde. Vous voyez le truc, je le bouge à peine. 0,1 mm. J'ai une question. C'est pas 0,1 mm ça! Et donc, le motoriste, quand il l'a remonté, c'est là la baisse du truc. C'est que le motoriste, quand il a remonté, en fait, vous voyez là l'angle ici, d'origine, l'angle, il est un peu plus vif que ça. Ce qui fait que quand vous remontez un coussinet, vous avez toujours des jeux beaucoup plus réduits que quand il y a de l'utilisation, que quand le moteur tourne. Ça veut dire que si le motoriste a remonté le moteur et a vérifié son latéral de vilebrequin, si ça se trouve, et là je rentre dans un monde de si ça se trouve... Nous sommes sur le postulat. Là on est dans le postulat. Si ça se trouve, il avait un latéral qui était correct. Et dans ce cas-là, si on doit absolument trouver un coupable, c'est le rectifieur. Mais... Non, attends, on commence. C'est le rectifieur avec... Comment s'appelle ça? Déjà, j'ai oublié le nom. C'est le rectifieur avec le comparateur dans la salle de métrologie. Dans la salle de métrologie. Je joue pas trop avec, s'il te plaît. Pourquoi? Enfin, parce que ça coûte la peau du fion. Non, putain, pardon. Joseph, c'est... Mais pourquoi on peut le dévisser s'il faut pas toucher? C'est pour changer les trucs, mais ça se manipule avec une putain de précision. Alors, juste au passage, j'avais une question, parce que j'ai regardé là dans le meuble où Arthur il allait le chercher. Il y a un truc que je n'avais jamais vu. C'est une toute petite clé dynamométrique. C'est vrai? Oui. C'est fou. Et en fait... Oh! Non, c'est incroyable. Ouais, c'est que c'est tellement sensible. Non, en fait, c'est là. Hein. Oui, mais bon, là, je peux. On peut le faire à la main, vas-y. Oui. Non, ça bouge pas là. Serre. Je serre comment? Ah, ouais, à la main. Serre. Non, mais serre. Ah. Oui. Attends, je vais te le tenir à la pince.
Putain, c'est... je ne connaissais pas. Ah oui, en plus, donc là, ça clique pas. C'est toi qui montes au bon endroit, c'est ça? C'est fou, hein. Ah, ça, je trouve ça génial. Okay. Bref. Et eh ben, je viens de découvrir un nouvel outil qu'on avait dans l'atelier. Oui. Vraiment à l'hôtel ici. Hein. Mais s'il te plaît, dans cette armoire-là, fais vraiment pas le con avec les outils. Ça coûte cher et ça casse. Je ne te connais que trop bien, Joseph. Et déjà, quand on a fait la vidéo sur le comparateur, une fois que j'ai vu la vidéo, j'ai pleuré mes grands morts. Ça va. Un comparateur comme ça, ça vaut 80 balles. Et lui, il s'est mis à jouer avec, genre, lol. J'ai eu mal à mon moi. J'ai eu mal à mon outil. Donc, si on doit... mais d'un autre côté, on va pas fustiger le rectifieur. Because le latéral des vilebrequins, c'est un truc qui s'use quasiment jamais. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut jamais les vérifier? Non, preuve en est, c'est qu'il aurait dû le vérifier, effectivement. Mais c'est vraiment un truc... C'est le premier moteur que je vois avec un latéral genre vraiment complètement niqué du cul. Alors, tous les autres moteurs que j'ai vus passer, c'est plein d'autres trucs qui pètent avant que ce soit le latéral. Donc, on va dire que le problème est plutôt dans la statistique. Ah, le souci, en fait, c'est plus le chacun a pensé qu'à son étape, chacun, la vérité, qu'il fallait qu'il vérifie. Oui, voilà. Parce que normalement, effectivement... Une fois que le motoriste a récupéré le moteur, il aurait dû regarder le latéral. Mais comme je vous dis, si ça se trouve, il a regardé le latéral et le latéral était bon. Ou il n'a pas regardé le latéral parce qu'il est parti du postulat que l'usineur avait vérifié le latéral. Exactement. Et donc, on rentre dans un monde de c'est la faute de personne, finalement. Ou de tout le monde. Ou de tout le monde. Alors, on a une question. Mais qu'est-ce qu'il fait Joseph dans le garage ? À votre avis. Voilà, on peut passer à du question-réponse si vous voulez, puisque en fait, l'étape d'après, nous, c'est de faire de la vaisselle, foutre à la ferraille ce qu'il y a à la foutre à la ferraille, et donc là, c'est le client qu'on voit demain matin. C'est le client qui va nous dire ce qu'on a à balancer. On a un nettoyage des culasses à faire, puisque en fait, forcément, avec de l'usure comme ça, quand il y a du frottement sans huile, il y a de la limaille, il y a des dépôts en fait. Ça va ta vie, Joseph? Je vais me prendre un siège sur la gueule. C'est comme ça que je meurs. Hein. Je meurs par une connerie de Joseph. Voilà, moi j'ai fait la paix avec moi-même. Et tu peux m'aider? Avec possiblement une chaise Milwaukee sur le coin. Voilà. Hein. Ça c'est. Hop. Mais je suis tout à fait au courant de ce genre de choses. T'as rien cassé. C'est comme quand on prend une moto sur la route, on sait qu'on s'expose à plus de dangers. Là, je sais qu'en travaillant avec Joseph, je m'expose à plus de dangers. C'est sympa la chaise Deadpool. Donc demain, on voit le client et on va statuer un petit peu. Donc comme je vous disais, oui, il y a de la limaille qui se fait dans le moteur, qui circule dans le moteur. C'est de la limaille qui est trop fine pour être filtrée par le filtre à huile. Parce que sinon, si le filtre à huile en fait devait filtrer des toutes petites particules, on le colmaterait très facilement. Il y aurait de l'eau qui sortirait de l'autre côté. C'est surtout le problème si on fait un filtre qui filtre beaucoup trop, on a un blocage au niveau du filtre et toute l'huile reste dans le filtre et ne passe pas outre le filtre. Merci beaucoup Vignose pour ton sub. Donc, il y a de l'huile dégueu qui a circulé dans ce moteur-là. Charge à nous de nettoyer comme des malades les pièces qui seront conservées, de vérifier par exemple les soupapes ici, on va vérifier l'étanchéité, on va peut-être avoir un rodage de soupapes à faire avant de remonter ce moteur-là. Et comme on vous dit, ce truc-là, il est au-delà du réparable, malheureusement. Il pourrait techniquement, avec les petites rayures qu'il y a, être sauvé. Sauf qu'il y a un cylindre qui a des énormes rayures. Et là, on n'est plus vraiment sur des rayures. Là, on est sur une tranchée. Rayures, hein. On est sur des saillies. Des saignées. C'est triste quand même. Bah, ça, c'est, alors, c'est, oui, mais là, pour le coup, c'est le jeu. Hein. Quand tu prends des voitures anciennes. C'est même pas une question de voiture ancienne. C'est quand tu refais un moteur, même d'une voiture ancienne, il y a toujours, de toute façon, un risque
il y a quelque chose qui se passe mal. C'est que là, on touche quand même du doigt de l'extrême précision de ce que c'est un moteur. En fait, c'est ça qui est ouf. C'est qu'un moteur, techniquement, ça ne devrait pas tourner, en fait. C'est tellement de probabilités que ça merde. Il y a toutes les pièces qu'on a démontées, c'est d'autant de probabilités que ça merde. Mm. Et c'est un miracle que ça arrive à tourner ensemble. C'est un miracle que ça arrive à tenir aussi longtemps. C'est un miracle que ça soit aussi solide dans certains cas. Vous l'avez vu, là, sur l'autre Mustang, il y avait un piston qui était pété, qui était en train de fendre complètement, et tous les autres pistons étaient fissurés. Et ça continuait de tourner sans trop de problèmes. Alors là, pour le coup, non, comme parce que je vois la question qui passe sur le chat plusieurs fois, on n'est pas sûr forcément, on rachète un moteur complet. Et comme disait Arthur, il va racheter un short block, donc qui représente un bloc en biellé. Donc un bloc, un vilebrequin, des bielles et des pistons. Et en fait, il rachète que ça, parce que techniquement, il n'y a que ça qui est mort dans le moteur. Puisque en fait, le client, lui, quand il a fait faire son moteur, il n'a gardé que le vilebrequin, le bloc et les bielles. Et curieusement, c'est ça qui est flingué. Et toutes les pièces qu'il a gardées, mais qui ont été réusinées, eh bien, il y a eu une connerie là-dedans. Où est-ce que tu peux acheter un bloc? Il y a des gens qui proposent. Il y a des gens, par exemple, sur les voitures américaines, vous pouvez regarder. Là, il y a énormément de pièces qui viennent d'un énorme vendeur américain qui s'appelle Summit Racing. Summit, S-U-M-M-I-T. Et vous pouvez acheter des blocs complets, enfin des blocs vides d'ailleurs, des blocs en biellé, des blocs complets et même ce qui s'appelle des crate engines, des moteurs en boîte. Donc, un moteur tout équipé avec les accessoires, le carburateur ou l'injection et tout ça. Et vous avez plus qu'à le mettre dans une voiture et ça roule. Alors, c'est pas si cher que ça. Ce point-là, il y a une chose auquel il faut faire attention. De temps en temps, sur Le Bon Coin, eBay ou genre de ça, vous pouvez trouver des moteurs refaits. Si vous ne savez pas d'où ça vient, c'est comme une bouteille d'eau dans la rue, on ne boit pas dedans. Voilà. Hein. Et bien là, c'est pareil. Il y a plein de gens, et peut-être de très bonne foi, qui pensent qu'ils ont refait le moteur et que tout va bien et tout ça. Et en fait, quand vous achetez un moteur au prix d'un moteur refait, peut-être un peu moins cher sur, par exemple, Le Bon Coin, tout n'a pas été refait ou tout n'a pas été contrôlé, ou on peut se retrouver dans la même circonstance que là. Et alors là, si vous vous retrouvez avec le moteur dans les dents... J'ai un pote qui a fait refaire le moteur de sa voiture par son papa. Après, tu peux pas critiquer le travail en plus. Imagine, tu dis ouais, t'as fait un travail de merde. Eh oh, t'as vu ton adolescence? Ok. Un pote qui a fait refaire le moteur de sa voiture par son papa. Et son père m'a dit j'ai tout refait. Le tout refait, j'ai appris quelques années plus tard, après avoir corrigé un certain nombre de trucs sur la voiture. Le tout refait, c'est j'ai tout démonté. J'ai changé les segments sans rien contrôler. J'ai tout réassemblé en changeant les joints. Et hop, j'ai tout refait. Mais c'est quelqu'un qui n'avait pas la connaissance de tout ce qu'il y avait à faire en usinage, par exemple. Et il le dit de bonne foi, Le dit de complète bonne foi. Pour lui, il a tout refait. Il a changé ce qu'il y avait à changer. Merci, Coquillette. Alors, malheureusement, non, le moteur était matching. Mais le client, ça l'embête pas. Alors, pas sûr, hein, parce que c'est un 302, en fait. C'est un bloc de 302. Ouais, mais apparemment, le numéro qui est dessus correspond. Oui, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui est bizarre. 13X. Alors, j'espère qu'en vrai, il n'est pas matching, plus qu'il est matching et c'est la caisse qui ne correspond pas. Je pense qu'il n'est pas matching. Ce qui serait rassurant. Ce qui dédramatiserait complètement la situation. Parce que tu te dis, au pire, je fous à la poubelle un moteur qui n'était pas le moteur d'origine de la voiture. C'est moins grave que de dire, je jette à la poubelle le moteur d'origine de la voiture. Mais après, encore une fois, il y a des gens qui n'ont rien à taper. Ils s'en foutent complètement. Et là, ce n'est pas un jugement de valeur. Et là, ce n'est absolument pas un jugement de valeur. Hein, qu'on veuille ou pas le moteur d'origine, tout se comprend. Merci Dark Psy Pro 2 pour les 100 cheers. Pour compter combien tout pour tout remonter? Alors, ça dépend si tu remontes avec les trucs cassés ou s'il faut retrouver un nouveau bloc. Là, il y a vraiment un bloc complet. Là, à titre indicatif, le client va se retrouver entre 6 et 9 000 euros avec la main d'œuvre pour un moteur entièrement réassemblé, redémarré et rodé
par nos soins avant d'être mis dans la voiture. Merci Miliona pour les cheers. Donc c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On achète le bloc moteur refait. Enfin, on achète un bloc moteur aux bonnes cotes avec les pistons, les segments, le vilebrequin et tout le merdier. On nettoie, nous, toutes les pièces qu'on a réutilisées. On réassemble toutes les pièces dans le moteur et autour du moteur. Une fois que le moteur est complètement réassemblé, on le pose sur un châssis qu'on fabrique, hein, avec un petit radiateur, un truc comme ça. On le remet en huile, on le redémarre. On le vidange. Une fois qu'il a démarré une première fois, qu'il a tourné 30 secondes, on le vidange, on change le filtre à huile, on remet de l'huile, on remet un filtre, bien évidemment, on le redémarre, on fait les réglages carburateur et on fait sa première mise en chauffe. Donc là, on attend qu'il monte à 90 degrés. À partir du moment où il est monté à 90 degrés une fois, on le maintient à ses 90 degrés pendant une ou deux minutes, on l'arrête, on le revidange, puis ensuite, on revérifie les réglages. C'est de la cuisine. Oui. Puis ensuite, on revérifie les réglages, donc les jeux aux soupapes, le réglage d'allumage, le réglage de carburation, on change les bougies. Et ensuite, on le redémarre, et là, on le fait tourner une demi-heure, une heure. On vérifie tout, que tout va bien. Et à partir de ce moment-là, on le revidange, et le client est prêt à mettre le moteur dans sa voiture. Et après, une fois que le moteur est dans la voiture du client, il va rouler 250 km, il vidange, il change le filtre, il roule 1000 km, il vidange, il change le filtre, et après il peut prendre ses intervalles. Alors, sur ces moteurs-là, on conseille de les vidanger tous les 5000 km ou tous les ans. Alors en vrai, non, on ne serait pas obligé de changer l'huile à chaque fois, c'est juste que si tu veux bien faire les choses et être bien sûr que tous les copeaux, parce qu'au début ça va se mettre en place, il va y avoir un peu de métal. Il va y avoir de la friction, voilà, au début. C'est le rodage quoi. C'est le rodage, qu'est-ce que c'est à roder des pièces en fait? C'est les frotter entre elles pour qu'elles s'adaptent à fonctionner entre elles, pour adapter les plans de surface, les états de surface. Et ces choses-là, en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas améliorer la durée de vie de ton moteur, surtout quand on refait un moteur. On est sur des, comme vous avez vu, des sommes assez importantes pour refaire le moteur. C'est bête de se dire, je vais économiser, je sais pas, parce qu'en plus, tu vas pas mettre forcément de l'huile premium pour le faire tourner 5 minutes. Tu vas économiser... Mais l'huile tout à fait standard. C'est quoi? Tu vas économiser combien d'huile? Je sais pas. Tu 30 balles d'huile. Les 3 vidanges, ouais. Allez, au maximum, tu économises 250 euros. Ah oui, non, moi je parlais par vidange. Bon, 250 euros avec les filtres et tout. Rapporté au prix du moteur. Rapporté au prix du moteur, un moteur à 9000 euros, sachant que là, si on se dit qu'il est entre 6 et 9000 euros, c'est le moteur, il sort du garage sur palette, et c'est au client de remettre le moteur dans sa voiture. C'est à lui de se débrouiller. Donc là, on a de la main-d'œuvre aussi. Alors là, c'est le client qui le fait lui-même, mais si jamais c'était à nous de le faire, eh bien là, il y a aussi une journée de main-d'œuvre, au minimum, pour tout remettre dans la voiture. Et là, on n'a pas sorti le moteur de la voiture, c'est le client qui l'a fait. Donc, c'est pareil, c'est à ça qu'il faut ajouter. Donc, globalement, pour l'opération sortir le moteur, le refaire entièrement et le remettre dedans, on est avec de la main-d'œuvre entre 12 et 15 000 euros, un truc comme ça, en fonction des moteurs, en fonction des difficultés qu'on rencontre, etc. Et sur 250 euros de vidange, est-ce qu'on a envie de jouer, sachant que c'est 12 000 euros l'opération totale? La réponse est non pour la plupart des humains normaux. Pour la plupart des clients qu'on a eus jusqu'ici, la question ne se pose même pas. On préfère faire les choses correctement. Alors, il y a une question. Effectivement, alors je n'ai même pas la réponse non plus. Là. Arthur va pouvoir nous guider de sa science. Sur un moteur moderne, quand tu achètes une voiture neuve, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne te dit plus qu'il y a un rodage. Elle est pré-rodée. Mais en usine, c'est-à-dire qu'ils ont fait toute cette démarche-là avant? Wesh! D'accord. Yep. Ils l'ont démarré, machin, vidanger. Les moteurs, quand ils sortent de la chaîne, ils sont tous testés sur banc. Donc, ils sont installés sur un banc, ils tournent, ils font des cycles. Mm-hmm. Donc, ils sont à 800 tours, puis après à 1500 tours, puis à 2000 tours. Ensuite, ils s'arrêtent, ils le vidangent. Et ensuite, ils le remettent en huile, ils le mettent dans la voiture. Et à partir du moment où il est dans la voiture, eh bien, ils font le déverminage en fait, de la voiture. Donc, ils installent tout ensemble. Ils font marcher toutes les vitesses des boîtes de vitesse. Ils font marcher tous les systèmes. Les systèmes de, je sais pas, d'essuie-glace, de phare, de ventilation. Ils font tout fonctionner. Est-ce qu'ils font aussi le siège tourne. Massant? Ouais, je donc pense. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est payé. Il y a un mec qui passe sa journée. Allez, c'est bon. Ah ouais, il marche. Ah, oh, c'est dur. Tout va bien. Attends, ouais. Je suis pas sûr qu'il fonctionne bien. C'est là, faut que je la vérifie.
Et ils se battent pour prendre celles qui ont les sièges bassins. Non, non, c'est moi qui l'a fait, celle-là. et donc ça, ils font ça sur des bancs. Hein, sur, donc la voiture roule sur des rouleaux. Et puis après, la voiture est revidangée. Je suis allé chez Rolls-Royce il y a quelques temps. Mmh. Et bah c'est assez cool. Et en fait, la voiture fait des cycles automatiques. C'est-à-dire qu'il y a, à la fin de la chaîne, il y a des petits mobilhomes, entre guillemets, et la voiture rentre dedans, il branche un truc sur l'OBD, il n'y a personne dans la voiture, il y a un opérateur qui est à l'extérieur de la pièce, et il fait tourner la voiture, et ensuite il appuie sur play, entre guillemets, et là la voiture, elle monte à demi-tour, elle passe toutes ses vitesses, elle rétrograde, etc., et il y a quelqu'un qui surveille. Et après, il revidange tout le bordel et tout ça. C'est ça bien fait... dommage de faire ça sur banc, alors que souvent, il y a 5 places dans la voiture. Alors, t'as 5 potes, tous 18 ans, ils collent le A à l'arrière de la bagnole en sortie de chaîne, ils vont faire les cons sur un parking de Lidl, et après ils reviennent. Alors je vois l'idée. Hein. À la dégueu sur le parking de chez Peugeot. Je vois l'idée, par contre, quand t'achètes une voiture neuve, si on te la livrait genre déjà pré-rouillée, parce que, ou enfin déjà pré-marquée de flotte et tout ça, ou avec des impacts de pierre parce de que t'allais rouler ouais. dehors, je suis pas sûr que tu dises oui. Quoi qu'après, les Bugatti Veyron. Ce qui fait que quand tu reçois une voiture, effectivement, alors déjà, elle a jamais 0 km, parce qu'elle a déjà roulé un peu, ne serait-ce que pour monter sur le camion et descendre, etc. Mais même une voiture qui a 0 km, son moteur, il n'a pas 0 heure. Mm. Et c'est rassurant, d'ailleurs. Oui, oui, heureusement. Sinon, ce serait terrifiant. Mais je crois que c'est Bugatti, où là, pour le coup, c'est un humain qui va essayer la voiture sur leur circuit, alors elle est bâchée, machin, et tout ça, et qui fait leur retour, et genre, ils vont recorriger... un petit pet de peinture, un petit bruit qu'il y a dans l'habitacle, autant dire que c'est pas Tesla qui fait ça. Le mec a le meilleur taf du monde. Et c'est surtout, je suis sûr que le mec est blasé comme jamais. Le gars, il se conduit des Bugatti tous les jours. Oh, elle a encore la finition verte dedans, fait chier, j'aime pas. J'aime pas, putain, c'est de la merde, les verrons. Le pauvre. Mais et après, je me demande comment ils font, parce que les disques et tout ça, oui, ils les rôdent en fait, mais ils peuvent pas tirer de trop. Ouais. Ça doit être fou. Oh, la pression. Le moteur Rolls, j'ai entendu. Hein, il y va. Hein. Ah oui, ils tapent dedans. Oh ouais, ils y vont. Hein. Et j'imagine, c'est sur Bugatti, chez Bugatti, genre tu la sors pour faire aller le test. Et t'encules la caisse. Mais vraiment, tu vois. Genre la sortie de place de parking ratée. Ah, il y avait du verglas sur la piste. T'étais à combien? 4, 5, 15. Oula. Ah, sur route ouverte. Chaque Bugatti fait 500 km sur route ouverte. Oh, la pression du mec. Ah, l'état du calbar du mec. J'espère qu'il a les slips qui sont fournis par Bugatti, tellement le mec doit se chier dessus. Mais imagine, t'as vraiment un accrochage. Mais tu sais non, attends, le pire, t'imagines l'assureur de ce truc-là. L'assureur roule en Bugatti, d'ailleurs. Je pense que tout le monde fait ultra gaffe. Mais malgré le fait que tout le monde fasse hyper gaffe, t'as quand même un assureur qui doit, d'une, pas être serein, et deux, se faire un petit paquet de thunes. Ouais, même. Mais l'assureur, au pire, il se dit, bon, il va pouvoir refaire et tout ça. C'est même pas tant, je pense, si la voiture est abîmée. C'est juste, si la caisse est abîmée, il faut refaire une voiture, parce que tu veux pas livrer une caisse qui est tapée. Et en plus, tu vas te retrouver, puisque à mon avis, leur emploi du temps en termes de fabrication doit être serré, sa mère. Donc tu vas te retrouver. Soit c'est toute la ligne qui est décalée, soit c'est toi qui te retrouves à la fin de la ligne. Ouais. Rien ne va. Ah, ça fait chier. Hein. Et l'appel. Ouais. L'appel. Bon, peut-être qu'à ce moment-là, tu prends la peine d'appairer ton téléphone pour avoir au moins un bon son avec ta Bugatti. Oui, allô, chef. Non, et puis c'est... Bah, l'appel, ou alors l'appel surtout du chef au client. Quand tu vois le patrimoine moyen d'un client de Bugatti, c'est quelqu'un qui a genre 2 yachts, 7 hélicoptères et tout le bordel. Faut peut-être l'attaquer avec ça. Vous allez profiter de vos hélicos plus longtemps. Oh, je suis pas convaincu de celle-là. T'as des experts en négociation. Même l'expert en égo du GIGN. Ouais. Ah frère, celle-là, je la fais pas. Hein. Après, Bugatti doit avoir les moyens et les pièces pour réparer. Oui, mais à quel moment tu vas livrer une Bugatti qui a déjà tapé? Tu vas livrer une bagnole qui a cartonné? C'est impossible. Tu vas dire à ton client, alors attendez, j'ai pas pété votre voiture, je lui ai rajouté de l'historique. Et votre voiture, elle a de l'histoire sympa à raconter. Tu sais, tu lui fais une réduction, tu lui fais une ligne. 1000 euros, voiture pré-tapée, tu vois. Ben oui, ça, tu peux pas livrer décemment une caisse que, je sais pas, ça se vaut, c'est 1,5 million ou 2 millions une Chiron aujourd'hui. Alors, tu oses
Bah, je sais pas, hein, mais tu oses vendre 2 millions une caisse soi-disant neuve qui alors qu'elle a déjà cartonné. Pas possible. Et jamais. Jamais. Décemment, tu peux pas. Tu peux pas dire à 2 millions, je lui vends une bagnole qui a déjà cartonné. Alors, attends, GMK qui tombe en rade avec sa Bugatti, il ne peut plus allumer le contact, plus aucune électricité. Le SAV Bugatti était inexistant, il a dû laisser la voiture une nuit et revenir le lendemain matin. Alors, l'assureur, déjà, quand il a appris ça, il a fait « Oh !» T'as eu un petit appel de GMK. Allô, les frérots. Allô, les frérots, va falloir faire quelque chose. Je suis pas très satisfait, les frérots. Non, mais je pense qu'il doit, il passe même pas dans le château de Molsheim. Dans la porte. Après, attends, en vrai, de il vrai... est passé de biais, tu vois, dans la porte. Bon, tout le monde frérons, a eu. C'est qui que je goume. Mais sur une Bugatti, c'est quoi mon... Attends, la pièce la moins chère sur une Bugatti. Le bouchon de valve. Même le bouchon de valve, il doit coûter une couille. Parce que oui, le bouchon de valve, il tourne à 400 km/h. Ah non, mais tu dis la pièce la moins chère. Non, il doit bien avoir un truc. La vis du clips du pare-soleil. Ou le clips de pare-soleil, qui est le même que sur une Passat. Alors. Pour avoir bossé sur des Ferrari, très souvent, les clips, c'est les mêmes que Fiat, mais ils ne sont pas vendus au même prix que Fiat. Ça, je sais bien. Alors que c'est les mêmes. Hein. C'est exactement la même pièce. Exactement les mêmes. Il n'y a que le packaging qui change. Imaginez l'assureur de jeune de 18 ans, pige, de 18 piges, avec le A au dos de sa Aveyron. Non. Si. J'imagine pas l'assureur. Si. Enfin, ou si, l'assureur, c'est le daron. Ou non, ou même l'assureur, il fait « Voilà, frérot, il est OK pour payer, moi, il n'y a pas de problème. Le contrat, il va juste lui coûter la moitié de la voiture par an. » Oui, oui, voilà. Parce que statistiquement, si tu commences avec une Veyron, la voiture, elle ne fera pas plus de 3 ans. Donc, il faut que tu la rembourses en 2 ans pour l'assureur. Ouais. L'ampoule de clignotant, je ne suis même pas sûr. C'est la même que sur une Golf. Ça doit être LED. C'est LED. Oui. Oui, j'espère. Putain, j'espère. Ah, peut-être l'ampoule. Non, du plafonnier. Quel filtre à huile au pluriel là-dessus. L'ampoule du plafonnier. Le filtre à huile du compresseur de clim doit être le même que sur une Lupo ou Arosa diesel. Bah, merci beaucoup à Beaulotus du Cellier. C'est kiffant qu'on arrive à partager notre passion de la mécanique avec des gens qui apprécient forcément que la mécanique. Le truc pour poser un contexte. Je suis... Alors, les gens ont le contexte parce qu'eux ont le chat. Tu n'as pas le contexte. Je ne suis pas fan de mécanique, mais c'est passionnant. Je n'ai pas décroché de mon écran. Merci d'avoir partagé votre passion. Eh bien, mets des lunettes à filtre lumière bleue. Il y a un oiseau qui vient de rentrer. Putain, l'alarme, bordel. Il y a un oiseau dans le bâtiment ? Il y a un oiseau. Oh non. Alors, on a de la chance parce que toutes les voitures sont couvertes, encore que certaines partiellement, du fait des travaux qu'il y a dessus. Donc déjà, il risque de chier. Il est où l'oiseau ? Sur mais comment on fait sortir un oiseau ? C'est une mission. Non, non, non. On ne tire pas sur l'oiseau avec... Non, non, non. On ne va pas tirer sur l'oiseau avec le... Non. Casse-toi d'ici ! Voilà, ça on peut faire, mais on ne tire pas sur l'oiseau. N'importe quoi. Mais c'est ton permis de chasse ? T'as pas ton permis de chasse ? C'est surtout qu'après, on ne peut pas mettre l'alarme. Donc on ne peut pas se casser. Ah non, non, mais je ne laisse pas l'oiseau dans le bâtiment. Il va chier partout. Excusez-moi, j'arrive un instant. Il y a à peu près 10 mètres. Laisse-moi le chat, s'il te plaît. Attendez, le chat, je vérifie. Est-ce que vous êtes sous extincteur ? Dans moins de 5 minutes, je pense que... Il fait pas mal le nerf. Soit l'oiseau est mort, soit le bâtiment est en feu. Et je le vois pas. Alors, Joseph ne veut pas me donner le chat. Je pense qu'il cherche à m'isoler, le chat. Oui, au moins. C'est les comportements un peu... psychopathe, tu vois, qui cherche à isoler les gens de la société. C'est les gens très possessifs. Tu voulais pas tirer avec un nerf sur un oiseau ? Et c'est moi le psychopathe. Tu veux pas me donner le chat ? L'oiseau est mort dans le bâtiment, en feu. Oui, effectivement, si le bâtiment est en feu, l'oiseau va probablement ne plus être là. Alors, l'assureur de la fabrique auto. Est-ce que l'assureur, est-ce que Milwaukee va vous envoyer un... Non, vas-y, tu veux le garder. Eh ben, super. Un pistolet à clous. Alors, trop dangereux dans l'atelier, trop dangereux dans mes mains. Ouais.
est mais, pas attends, utile attends, pour attends, la mécanique attendez, autour. Attendez, déjà, les mains de Joseph sont trop dangereuses pour lui-même. Juste le fait qu'il, ait, après, qu'il soit équipé de mains le nombre de vidéos. Rend Joseph trop dangereux j'ai, pour lui-même. J'ai 1000 idées de vidéos avec un cloueur et des trucs jamais vus. Non, mais il est vrai. T'es sûr qu'il est dans le bâtiment ce Joseph que est un pervers narcissique. Au moins, ouais, on se disait. Utile pour les oiseaux, le cloueur, ouais. Ah putain, je le vois. Mais attends, il vient de repasser sous la barrière. Ou alors c'est son pote. Ou sa meuf. Peut-être il a. Eh, c'est sa meuf. Eh, t'as vu un peu. Eh, viens, il y a un endroit sympa. Et là, on a la petite famille et tout ça. Il chante en plus, ce bâtard. Bah, il appelle les potes. Il est en train de nous troller. Grosse soirée. Ah bah, ils vont se faire une petite soirée. Mais vous savez qu'un nettoyant frein et du briquet, ça fait un lance-flamme, les poteaux? Non, toujours pas. Alors, l'oiseau en flamme. Monsieur l'assureur, en fait, il y avait un oiseau. Il est barré. Il est barré? Je crois. Eh bien, parfait. Nickel. Il a entendu parler de nettoyant frein et de lance-flamme. C'est le nettoyant frein. J'ai bien fait de lui passer le chat, parce qu'il ne le lit pas du tout. Oui, c'est vrai. Vous comprenez pourquoi je ne voulais pas lui passer? Vite fermé. Alors, Il y a un... Non. Alors, attendez, je vais montrer pourquoi. Voilà, on ne peut alors, pas exactement pas. Fermer la porte là présentement. Alors, attendez. Bougez pas. Arthur, tu peux. Ah non, putain, il est re-rentré. Il est re-rentré ? Il nous troll. Tiens, mets 2-1. Comme ça, on te verra en même temps. À l'extrême. Alors, tu me demandes de mettre 2-1 et après, tu le fais toi. Enfin, bah oui, parce que tu étais assis, c'était pour être gentil avec toi. Merci, Joseph. T'es alors, trop gentil. En plus, je récupère la. Je vais vous expliquer le problème pour la fermeture de porte. Et vous voyez le pervers narcissique qui se filme, lui. Je tente hein, d'expliquer. Les... Chiant. C'est-à-dire que voilà, il y a une sorte de cale-porte qui a pris la forme d'un Ford Raptor. Alors, par contre, vous voyez la hauteur, là, sous plafond. Et ouais, vous... Je vois pas l'oiseau, hein. Peut-être sur la mezzanine, tu vois. Alors, quelque part, vous avez une sorte de garage tour. Un petit tour de garage, mais on est en train de chasser l'oiseau. Qui est mené par un oiseau. C'est plus l'oiseau qui présente notre garage que nous. Cui, cui, cui. Si quelqu'un le voit, l'oiseau. Alors, il n'y a pas de smart. Attends, il y a quelqu'un dans le chat qui a vu une smart. Oh putain, je le vois. Il y a quelqu'un qui a envie de se qui a vu une smart. Une smart, non. Alors, une dans smart l'atelier. Ici, non. Alors non, il n'y a pas de smart dans l'atelier. En plus, on n'a pas des ponts adaptés pour une smart. Alors derrière, oui, dans la cour, il y a effectivement un Mazda CX-7 avec le 2 litres 3 de la Mazda MPS. Il s'est barré. C'est une voiture qui appartient... Non, il est encore là. Je viens de le voir passer. Il y en a un par là, là. Connard. Merci, ramène pour les cheers. Une smart noire qui sert de cale-porte. Ah. Effectivement, une grosse smart avec marqué Ford Raptor dessus, avec un 6 litres 2. Vous n'avez pas un V8 à faire rugir? Ben non, on n'a que des voitures discrètes. Ah, la Daimler. Ah, il est là. Mais je sais pas comment le faire descendre, Arthur. Ah, ah ouais, t'es terrifiant là, Joseph. Putain, si j'étais un oiseau, je me serais barré direct. Bah, il a décollé quand même. Va. Il est là, là, regarde, il est là. Il est où étage, là, là, il... là, regarde. Là, pile au niveau du chevron là. Ah, voilà. Mais il sort pas. Ah oui, mais il marrant, a peur. Vous avez vraiment Joseph qui est en train de courir après l'oiseau. Mais l'oiseau est à 7 mètres de haut. Donc, ah putain! Donc l'oiseau ne ressent présentement aucune menace. Hein. Bah! Vas-y, casse-toi! Faut mettre des cris de faucon. Des quoi? Des cris de faucon enregistrés sur YouTube. Où faut aboyer? Marche pas. Hein. Et putain, ça va être chiant. Non, bah, il va falloir ouvrir la porte à fond, quoi.
Ouais, alors là, par contre, si j'ouvre la après, porte... Après, il va falloir commencer à faire des négos. En fait, il faut prendre un porte-voix et commencer à négocier avec lui. Lui dire que plus on va avancer dans la nuit, plus on va utiliser des moyens vaches et méchants. Mais en plus, j'ai peur qu'il ait peur, il va se mettre à chier partout. Ouais. Oui. Ah, le bâtard. Là, ce qui est très marrant, c'est qu'on a quelques éclairages en direct. Et là, l'oiseau est en haut d'un IPN. Et avec la lumière qui vient de dessous, et on a vraiment l'impression que c'est Dark Piaf. Ah, peut-être éteint la lumière. Complètement. Genre toutes les lumières. C'est pas con, ça. Non, éteindre. Voilà. Philippe ! Tu sors ou je te sors ? Ah ouais. Alors là, il y a de la sombritude. Merde, il y a le magasin qui est encore allumé. Ça ne marche pas du tout. Bah attends. Alors, la patience... Non, si on éteint la lumière, il va croire qu'il fait nuit, il va dormir. Oui, ça, c'est vrai que... Genre, comme ça, ça dort un oiseau. Je sais pas, ça a un petit rythme quand même. Ça se roule dans sa couverture, ça s'installe pépouze. C'est des descendants de dinosaures. Non, je te dis, éteins la lumière, en vrai. C'est peut-être la solution pacifique. On fera ça après le live. Il va faire une chiasse de stress. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas un albatros? Alors albatros, non, c'est pas un albatros, vu la taille. Non, non, c'est un petit moineau, un truc comme ça, une galinette cendrée, un étourneau sans sonnet. Ça monte le thermostat à 21. C'est une mascotte. Non. Peut-être. Ah, c'est un nom d'oiseau, mascotte? Je sais pas. Pour moi, c'est le nom d'un Renault Master, mais propulsion. Extincteur. Et vous êtes vraiment tous sur l'extincteur? Je me suis dit, c'est du CO, c'est du monoxyde de carbone, l'extincteur. Bah, en même temps, en vrai de vrai, l'extincteur... On va voir si tu bouges encore quand tu peux plus respirer. Non, on va pas... À nous deux, l'oiseau. Non, on va pas tuer l'oiseau. Philippe, je sais où tu te caches. Donnez-lui un nom. Non, on va pas lui donner de nom, après on va s'habituer. Non, je crois qu'il s'est barré, là. Hein. Philippe. Bon, on peut l'appeler Philippe, l'oiseau. L'oiseau crucifié au futur cloueur. Non, alors déjà, j'ai pas envie de tuer l'oiseau. J'ai trouvé. Quoi ? J'ai trouvé. C'est pacifique, t'en fais pas. Ok, tout va bien. Après, un nerf, c'est pacifique. N'oublie pas de couper ton micro avant. Alors. Techniquement parlant, merci beaucoup à JL Chien pour les O. Le pistolet à clous. On n'a pas de pistolet à clous. Je suis parti à la jungle. Merci Coquillette pour les 5 cheers. Oh, les mecs de la ville. Non, mais attendez, les mecs de la ville, je l'entends, mais... On... Enfin, excusez-moi, à la campagne... T'as déjà eu une alarme dedans. C'est marrant, on a un tuyau au plafond, j'avais jamais fait attention. Ah, il est là depuis... C'est un tuyau d'origine, celui-là. Mais il a une érection molle. Enfin, il a une mi-molle, en fait. C'est plus un moineau, c'est une galinette. En vrai... Là, soit il s'est barré, soit il s'est installé, tranquille. Et en vrai, attends, tout à l'heure... Attends. Attends, éteins pas de ce côté-là, bouge pas une seconde. Si on tape là... Alors, Joseph, tape sur l'autre poteau parce que celui-ci a une peinture assez chère. Autant pour moi. En vrai, il doit plus être là. Bah, j'ai pas l'impression, ouais. Alors, quand on a créé la fabrique, on a peint les poteaux de la mezzanine. Je sais pas si vous les voyez, ces poteaux-là. Rallume la lumière d'abord, non, pour que je puisse mettre la deuxième cam, s'il te plaît. Non. Hop. Ok, je vais rallumer la lumière pour qu'il puisse mettre la deuxième cam. Hop. Voilà, comme ça, vous avez alors les poteaux. Là. Avec une petite différence de couleur entre les deux, d'ailleurs.
Alors, ce poteau-là est peint à la bombe. Et ce poteau-là est peint au pistolet. Avec une peinture. Trop cher. Là, il y a 6 poteaux pour la mezzanine. 7. 7, il y en a un, deux, il y a un double là-bas. Il y a 7 poteaux de mezzanine. Il y a 500 balles de peinture dessus. On n'était pas prêts. Ouais, on n'était pas prêts du tout. Hein. On a demandé à notre fournisseur, tiens, tu peux nous faire de la peinture, s'il te plaît, pour qu'on puisse peindre les poteaux. Genre une peinture noire de base, solvantée. Tout ça pour un putain d'oiseau. Mais oui, je veux pas qu'il reste la nuit là. Parce que sinon, il y a l'alarme qui va nous casser les couilles. 1000 personnes qui regardent deux mecs chasser un oiseau. Exactement, c'est ça le futur. Hein. Qui regarde deux mécaniciens, donc pas du tout habilités à chasser un oiseau. Il fait ça, Mycorn, quand il chasse des... Non, il chasse pas de piaf. Bah attends, on le chasse pas. Enfin, on le chasse, mais pas de la chasse à pampan, de la chasse à ouh. Ah, donc c'est bon. La fameuse nuance entre chasse à pampan et chasse à wouhou. Mais la, non, mais chasser, dans le genre, je l'ai chassé pour qu'il parte, et le chasser, je l'ai chassé pour le manger. Donc prochain stream, la chasse à pampan. Mais, ah, et pas la chasse non, à wouhou. Non, c'est wouhou. Vous m'avez dit que sur une chaîne Twitch de garage de véhicules anciens. Ouais. Putain, ça part bien. Hein. Bill Grease au garage. Ce type. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah ouais, tant qu'à faire. Et il est quelle heure là? Plus mécanique, peut-être que chasse au oiseau, parce que. À oiseau? Chasse au oiseau? Chasse à l'oiseau. Chasse à l'oiseau. Quelle heure est-il? 22h. Bon, bah ça va, large. Il faut finir le Raptor. Ouais. Pour fermer le garage. Bah ça le fait. Le Raptor, il est là parce que depuis un petit moment, il a des soucis de pression d'huile. Ils font flipper leur mère. Fameux problème de pression d'huile sur les V8 américains Ford. Hein, Joseph hein. Et en fait, après recherche, c'est surtout la sonde de pression d'huile qui est défaillante, ça race. Sauf que quand vous démarrez le moteur et que vous voyez pas de pression d'huile, arrêtez votre moteur immédiatement. Le premier truc qui vous passe par la tête, c'est pas « Oh, ça doit être un capteur ». Alors, je suis tout à l'heure allé chercher des bidons d'huile, des gros fûts d'huile, sur un petit trajet de 15 minutes. Je pense qu'il me l'a fait 30 fois. Est-ce genre, que... le capteur, il se remet à fonctionner, donc la pression d'huile remonte. Puis après, la pression d'huile se pète la gueule avec une alarme qui dit « Pression d'huile, alerte, pression d'huile, coupez votre moteur ». Puis ensuite, ça s'en va, ça revient. Ça s'en va, tout revient à normal. Et puis après, bling, bling, pression d'huile à zéro. Et il y a de quoi péter un plomb. Hein, que vous roulez. Et constamment, il y a un truc qui vous sonne dans les oreilles. Alors, bling, 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 bling. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, juste avant le stream, j'ai rentré le Raptor pour changer cette putain de sonde qu'on a hein, depuis longtemps. Je ne savais même pas qu'on l'avait. Et ben, pourtant, je te l'avais dit quand on avait reçu les pièces. Hein. Ici, hein, ça, sûr et certain. Et je l'avais dit quand on avait commandé les pièces. Source bazar. Source, moi. Et c'est vrai que pour faire appel à la mémoire, on fait souvent appel à... Ah non. Ça, le truc. C'est quoi la voiture sur laquelle vous avez le plus galéré? Je crois que c'est une Triumph, maintenant. Là, actuellement, à la fabrique de c'est une Triumph. La Triumph verte qui a pris feu. On lui donne tant alors, d'amour. Qui a pris feu ou qu'on a fait prendre feu. En fonction des versions. Alors techniquement parlant, c'est un travail commun. C'est plus nous qu'on lui a fait prendre feu. Elle n'aurait pas pris feu d'elle-même, sauf quand elle est arrivée à la fabrique. Mais ce n'était pas filmé, ça. Merci Le Bûcheron pour ton sub. Et donc la Triumph, si vous voulez un petit update. On a donc refait le dozer, le truc qu'on a remonté en Twitch. Enfin, en live, il y a quelques temps maintenant, il y a quelques mois. Ça marchait un peu mieux, mais toujours pas exactement comme on voulait. Donc, on a testé 3 milliards de réglages, je pense. 3 milliards selon la police, hein, 16 millions selon les syndicats. Ou alors 3 milliards de réglages ressentis, 720 kilos, billions de trilliards de réglages. C'était très long, enfin, on s'est cassé les couilles. Jusqu'à un moment où il a fallu qu'on se rende à l'évidence que la pompe à essence est flinguée, parce que là-dessus, ça demande une pression à régler au 0,1 bar près. C'est-à-dire qu'il faut 7,3 bars de pression d'essence. S'il y a trop ou s'il n'y a pas assez, ça ne marche pas bien.
Alors, ce n'est pas un carbu, c'est de l'injection. C'est une injection mécanique. Et donc, on a commandé la pompe, on a reçu la pompe dans la semaine. On a installé la pompe hier ou avant-hier. Et cette putain de pompe fait du bruit. Et sur les kits d'assemblage, il y a marqué que quand la pompe fait du bruit, c'est la vanne PRV qui foire. La vanne PRV, c'est la Pressure Regulator Valve, donc la valve de régulation de pression. Quand il y a trop de pression, en fait, cette vanne s'ouvre et fait un retour de pression au réservoir. Et tant qu'on est en dessous de la pression cible, cette vanne se referme et donc autorise le carburant à aller dans le régulateur, dans le distributeur de, alors, d'essence. Au-delà de ça, même aussi, il y a, là, j'ai testé tout à l'heure, la pompe devient bouillante au bout de 30 secondes. Ouais. Parce qu'elle tourne sa mère. Trop cool. Et donc, ça casse les couilles, hein, simplement. Ça casse les couilles, donc il faut changer la vanne PRV. Van PRV qui n'est dispo chez aucun vendeur en France, bien sûr. Donc, il faut l'acheter soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Aux États-Unis, il y a des délais de mort. Heureusement, les douanes sont assez simples et c'est rodé, le système. Mais il y a des délais assez ouf. Et autrement, en Angleterre, il y a des délais un peu plus courts. Mais les douanes, a priori, ont oublié comment fonctionne. Comment on fonctionne ? Ah, ils ne savaient plus. Quand on est une douane, ils avaient oublié. C'est... Je ne sais pas, moi, il y a eu 50 ans d'Europe entre-temps, donc je suis perdu. Hein. Et c'était quel papier déjà qu'il faut remplir quand ça rentre ? Non, ça, c'est quand ça sort. Mais attends, il y a peut-être le document. T'as le tampon ? Actuellement, les achats depuis l'Angleterre, c'est une catastrophe. En tant que professionnel, c'est compliqué. En tant que professionnel, c'est une catastrophe. Et il y a... Je crois que c'est en novembre ou en décembre. J'ai fait une demande de numéro d'importateur. Donc, quand vous achetez des pièces à l'étranger, vous pouvez demander un numéro EORI. E-O-R-I. Qui est un numéro qui est demandé à chaque fois quand vous faites de l'achat en international hors Union européenne. Qui est un numéro d'importateur quand vous êtes un professionnel qui importait du matériel. Et j'ai fait cette demande en novembre. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un petit rappel. En disant bonjour, j'ai fait une demande de numéro EORI. Oui, c'est en attente. Et c'est en attente de quoi ? Bah, c'est en attente de traitement. Et il n'y a pas un truc pour faire avancer tout ça ? Ah bah non, faut attendre votre tour, quoi. Ah bah super. Trop cool. Voilà. Voilà. Donc, compliqué en France, sur ces pièces en Angleterre, ouais. Ouais. Donc j'ai fini par acheter la vanne en tant que particulier. Et c'est donc sur cette voiture que la Fabrique Auto a galéré le plus depuis le début. C'est une Triumph 2500 PI. Alors que tout le monde sait qu'il n'y en a que 250 dans le monde, des PI. On a-t-on retrouvé le tampon ? Il faudrait que tu lises correctement, Joseph. On entend ? Attends ? De retrouver le tampon et le carnet de timbre. C'est bon, j'ai compris. Joseph est dyslexique. Donc c'est un peu compliqué. Mais ouais, non, tous les imports. On a eu plusieurs problèmes en Angleterre en ce moment. Vraiment, quand vous achetez des pièces, vous savez que ça va être compliqué, long, et que c'est pas sûr que ça arrive. Déjà, cette Triumph s'est pris 3 mois dans la vue, 3 mois de délai, parce qu'on attendait un truc, parce qu'on attendait des douanes. On avait commandé plein de pièces chez des fournisseurs qu'on avait d'habituel. Alors là, si c'est pas un 10, ça. Donc, oula. En termes d'odeur, on est pas mal. Et bref, on avait commandé sur cette Triumph des pièces chez un fournisseur habituel. Et ce fournisseur habituel a travaillé comme habituellement, a envoyé les pièces, etc. Et plus de nouvelles. Genre plus rien. Et à un moment, j'ai relancé le fournisseur. J'ai dit « Ouh, elles sont où les pièces ?» Et ils font « Mais elles sont parties. » C'est cool, elles ne sont pas arrivées. Déjà, tu aurais pu m'envoyer une notification comme quoi elles sont parties. Et où c'est qu'elles sont ? Et ils ne m'avaient pas envoyé de numéro de suivi, de trucs comme ça. Et à un moment, ils se réveillent, ils m'envoient un numéro de suivi. Et je clique sur le numéro de suivi, il y a marqué « Votre colis est en douane. » Cool. Et donc, faut peut-être qu'on fasse un truc. C'est très bien de nous tenir au courant, parce qu'on a quand même payé la pièce. Hein. Et genre, 2 semaines plus tard, donc là, on est déjà à 1 mois et demi depuis l'expédition,
j'ai DHL qui m'appelle, qui me dit « Bonjour, vous avez un numéro d'emportateur ou pas ?» Ah, non. et il fait « Bah, ce serait bien que vous ayez un numéro d'emportateur. » Bon, bah, ok, je fais une demande, tu vois, mais pour mon colis, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, tant que vous n'avez pas de numéro d'importateur, ça ne peut pas bouger. Le colis, il reste chez nous. Merci Kenzo M pour ton subprime. Super cool. Donc, je fais ma demande de numéro d'importateur, et vu la façon dont la personne à la douane m'a demandé le numéro d'importateur, pour moi, c'est tu demandes un numéro, genre deux jours plus tard, tu as un numéro d'importateur et tout ça. Et deux jours plus tard, je ne l'ai pas eu, hein, le numéro, ça c'est sûr. Il est monté le V8, oui. Et au bout de deux mois, je pense. Depuis l'expédition, il y a vraiment DHL qui me rappelle, qui me fait « Bonjour, vous n'avez pas de numéro d'importateur ?» Je fais « Bah non, j'ai fait la demande, tout ça, mais comment on peut démêler la situation ?»« Bah, on va le renvoyer à l'expéditeur. » Cool. Et au final, on a dû attendre que ça revienne chez l'expéditeur, que l'expéditeur attende pour pouvoir, quelques semaines plus tard, renvoyer le colis chez quelqu'un en Angleterre, et que notre client, qui heureusement devait aller en Angleterre à ce moment-là pour des raisons professionnelles, passe récupérer le colis et ensuite repasse chez nous déposer le colis. Yes. Et on s'est rendu compte qu'il s'était gouré dans la commande quand on a reçu le colis. Mais sinon, sur cette terre de voiture, ça se passe mieux. Hein. On n'est pas tout le temps. Sinon, il y a des fois, ça se passe bien. Hein. Oh. On n'était pas habitué, parce qu'en fait avant c'était vachement simple de commander des pièces en Angleterre. Je commandais des pièces pour ma 34 en Angleterre et pas aux États-Unis parce que c'était beaucoup plus près, il n'y avait pas de problème de douane et tout ça. Finito. La vie était simple avant le Brexit. Donc fraude à la douane puisque la douane marche pas. Ouais, c'est ça. On a fraudé à la douane parce que la douane fonctionne pas. Pourquoi on a fraudé à la douane ? Ben, on va finir par frauder à la douane, en fait. Tu mais techniquement, frauder. On a fraudé à la douane, puisque le client a importé un truc. Nous, en tant que professionnel, on a fait une commande à un fournisseur extérieur. On a importé des trucs en France par le biais de notre client qui, lui, est passé en tant que particulier. Donc techniquement, oui, c'est une fraude à la douane. Après, nique sa mère. Hein. En vrai, pas de problème. J'ai tous les échanges par mail. N'importe quel tribunal, tu sais, tu lui montres, tu fais, bah regarde, tiens, je sais pas, il y a un moment, on devient, essaye de lire ça sans devenir fou. Vas-y, je te regarde. Petite question, vous ferez pas une exception pour les voitures modernes ? Ça dépend ce que c'est. Voilà. Et ça dépend ce que c'est comme travaux. Ça nous est déjà arrivé de faire des exceptions sur certaines voitures modernes parce que ça nous est rire, parce que c'est des modèles rares, parce que c'est quelque chose qu'on, des fois qu'on connaît. Voilà. Mais vraiment, là, pour le coup, c'est du cherry picking puissance 10 000. Et ouais, c'est rarissime. Là, on a une 156 Sportwagen Crosswagen. On a une Alpha 156 Crosswagen. On aime bien l'Alpha 156. Après, s'il y a quelqu'un demain qui me ramène la même, je fais bah non, on en a déjà fait une. Et voilà, là c'est juste que la voiture nous intriguait, c'est un peu une curiosité. Et puis c'est une réparation sur quelque chose, c'est comme une ancienne là pour le coup. Et c'est un problème à la con, c'est surtout ça. C'est quelqu'un qui est passé à un autre garage, enfin à d'autres garages, qui a eu des merdes, qui n'a pas réussi à trouver la solution et tout ça. Et ça, mine de rien, ça nous stimule un petit peu. Et en plus de ça, c'est un problème mécanique. On a pas mal de gens qui, avec des modernes, nous disent « Ah tiens, j'ai un problème de capteur, de machin. » On n'y connaît que dalle. Et on a même parfois des gens qui insistent très fortement pour que leur voiture vienne ici. Et ce qui est ouf, c'est qu'ils insistent pour des problèmes auxquels on n'est pas compétent. C'est exactement la même chose qu'aller chez son fleuriste et lui dire « Je voudrais vraiment que tu me fasses un pain bâtard, s'il te plaît. » Et le fleuriste, il fait « Mais je fais des fleurs, moi. » « Oui, mais je voudrais que parce que tu fais des fleurs, et ben j'aimerais bien que tu me fasses une baguette, s'il te plaît. » Oui, mais je fais des fleurs. Oui, mais il faudrait que tu me fasses une baguette. Eh bien, c'est exactement la même chose que quand vous venez demander de l'électricité. Enfin, de l'électronique, plutôt. Si je vous ramène une McLaren, alors... Ça, on veut bien. Ouais, oula, même pas. Ça dépend, parce qu'en vrai... Moi, je veux bien. Joseph te dira absolument pas, non, c'est une connerie, machin, truc. Non, parce, moi, que, parce que c'est Joseph qui gère après par le problème contre, avec l'assureur. Par contre, tu veux être sûr et certain d'un truc, c'est qu'on n'est pas les plus compétents là-dedans. Non, en vrai, une McLaren... Après une F1, why not ? Attends, c'est quoi le premier prix McLaren ? C'est combien ?
Ça va être une 520. Ça coûte combien? Cher. Ouais, c'est... En fait, on va avoir un problème d'assurance. C'est 120 000, un truc comme ça. Je crois que c'est 120 000, un truc comme ça. À 120 000 mmh. Ouais, ça peut passer. Puis en vrai, c'est le souci, c'est qu'est-ce que tu vas nous demander sur une McLaren, quoi. Oui. C'est, tu vas dire, oui, il faut brancher un OBD. Qui... Alors vous dire... sache par contre que si tu as une McLaren et qu'elle passe ici, tu vas perdre en valeur. Plutôt que si elle passe chez McLaren. Ouais. Parce que pour le coup, sur des voitures de ce prix-là, il y a un vrai intérêt à avoir le carnet d'entretien avec tous les entretiens faits chez McLaren, Aston Martin, Ferrari, tout le bordel. Sauf si on est, si on devient indépendant, spécialiste reconnu, mes genoux, machin. Alors, spécialiste McLaren, on va avoir un peu de mal. Spécialiste McLaren, ça va être tendu. On les connaît surtout pas. Voilà. Oh, là, pour avoir spécialiste, des pas t'imagines spécialiste non, mais on connaît, tu vois, les Maserati, les Ferrari anciennes, genre jusqu'aux années 70. Donc là, on peut se démerder sans problème sur ces caisses-là. Par contre, de là à dire on est des spécialistes reconnus et tout le bordel, non. Ce qui veut dire que si vous nous ramenez des caisses en disant ouais, elle est passée chez la Fabrique Auto, elle est passée dans un garage random. Hein. C'est pour le coup. On ne vaut pas plus le coup que n'importe qui d'autre. Vous aimeriez bosser sur une Ferrari F40? Pas une distri dessus. C'est pas ça qui me ferait le plus rêver. Ah, ça me ferait rire quand même. C'est un peu la voiture quand on était petit. De... Dans les jeux, dans les machins, c'était un peu le... Enfin, pas trop dans les jeux à l'époque. Alors moi, je préfère la Venturi 400. Oui, alors la Venturi, super. Monsieur... Je préfère une Venturi Trophy. Mais F40 quand même cool. Ouais, cool. Mais après, c'est pareil, est-ce qu'on aurait une plus-value à bosser là-dessus? Non. Tellement de gens qui les connaissent mieux que nous. Ouais, il y a plein de gens qui les connaissent mieux. Enfin, par exemple, dans tout ce qui est Ferrari, vous allez en Angleterre chez GTO Engineering ou chez DK Engineering. Et en France, vous allez chez Pozzi ou Lecoq qui fait de la mécanique aussi. Ils connaîtront beaucoup mieux le modèle que nous. Après, et ils auront les pièces. Ramenez-les, hein. Ramenez-les ici, on est très contents. Hein. On sera super content. Mais on n'aura pas de valeur ajoutée par rapport à un Pozzi. Pour refaire un moteur, un V12 Colombo chez Pozzi, c'est minimum 40 000 euros. On pourra être moins cher que là, hein, que chez Pozzi. Par contre, de là à dire que le travail sera mieux fait, non. On essaiera de le faire le plus honnêtement possible et le plus correctement possible. En vrai... On connaît exactement les mêmes rectifieurs et on passe par les mêmes usines. À mon avis, ça va finir chez presque le même motoriste. Ça finira globalement chez les mêmes parce personnes. Il n'y a pas 20 000 personnes qui font ça en Ile-de-France. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et pour le coup, on connaît ces personnes-là. Une Ferrari mondiale. Cool. Ferrari mondiale, très cool. Non. Ah, si. Oh non. De quoi? Une mondiale. Eh ben. Ah, j'aime pas. Bon. Oui, mais c'est le moteur, c'est le V8. Hein. C'est le V8 Ferrari. J'adore ce moteur-là. En vrai, ramène-le. J'adore ce moteur. Ah non. Ramène-la, hein, vraiment. Si Joseph, Arthur, il n'aime pas ces bagnoles-là, en fait. Enfin, Joseph, il n'aime pas les bagnoles. Tu vois. C'est vraiment l'époque que j'apprécie pas le plus, ouais. Écoute, ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Et le fait qu'elle soit mal aimée me l'a fait apprécier. Alors. Même si, éventuellement, en termes de mal aimée, une Dino GT4 me fait plus marrer. Mais une mondiale, ça m'amuse. Et c'est le 3 litres 2 dedans, c'est le V8 3 litres 2 qui est quand même cool. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est, c'est la Ferrari mal aimée, mais que plein de gens aiment bien parce que c'est la parce Ferrari qui permet aimée. D'accéder ouais, en plus exactement. À Ferrari. Exactement. Donc c'est la mal aimée. C'est globalement, mais qui devient cool. C'est globalement presque le même moteur qu'une 328. Donc, on va pas faire la gueule non plus. Hein. Ça reste un truc vraiment cool. Mais après, c'est pareil, il y a plein de gens qui savent très bien les faire. Cool. Voilà, bah, surtout pas Joseph. Bravo Joseph. On se prend une dernière question. Allez. Petite dernière question au hasard. Allez. Que pensez-vous du Mans 66? Putain, elle est parfaite comme dernière question. Faut que tu racontes toute l'histoire, Arthur. T'es obligé de raconter toute l'histoire par rapport à ce film-là. De quoi? Le Mans 66, Ken Miles. Ah, par rapport au CNVR? Ah ouais, par rapport au CNVR. Ah. Alors, première chose à savoir, j'ai pas vu le film.
me faire taper dessus. Mais j'ai pas vu le film. Je connais l'histoire du Mans 66, mes genoux, Bruce McLaren, Ken Miles, Carol Shelby, machin truc. Par contre, j'ai, ouais, voilà, j'ai pas vu le film. Mais et pour le coup, le film y est pour rien. Mais cependant, mais il se trouve que au CNVA, je fus prof de mécanique, mais je fus aussi responsable pédagogique. Donc, je gérais le bon déroulement de la formation, etc. Et notamment, les stagiaires avaient beaucoup à faire à moi, alors par mail. En début de promotion, c'est moi qui étais en charge de leur accueil et de faire le départ de la promotion. Et notamment, chaque promotion au CNVA a un nom qui est lié à l'automobile. Donc, ce nom-là, il est... Alors, je sais pas exactement comment il est choisi actuellement, mais à mon époque, autant jadis, j'envoyais d'abord aux stagiaires un premier sondage où chaque stagiaire mettait un nom qui lui parlait et, qui voulait, et que le stagiaire voulait proposer aux autres. Donc, il y en a certains qui ne répondaient pas du tout, il y a des noms qui se recoupaient, etc., etc. Ensuite, cette liste-là, il y avait un deuxième sondage et chacun faisait un vote et avait le droit de choisir un nom pour sa promotion. Et il y avait eu un petit pool, entre guillemets, de noms qui avaient été choisis. Donc, pour une promotion, à un moment, il y a un groupe de noms, genre une dizaine de noms, dans lequel, dans cette sélection, il y a un nom que je trouve absolument formidable, je vous en ai probablement déjà parlé, mais c'est le nom de Gabriel Voisin, qui est un ingénieur aéronautique des tout débuts de l'aéronautique. C'est notamment un des constructeurs de l'avion qui a, pour la première fois de l'histoire entière de l'humanité, fait décoller, manœuvrer et atterrir de manière autonome un avion. On parle du vol des frères Wright en 1903, mais c'est un avion qui avait besoin d'une rampe et de vent de face pour pouvoir décoller, et qui avait un moteur pour agrandir son vol, mais qui n'était pas capable, une fois qu'il avait atterri, il n'était pas capable de redécoller. Là où l'avion voisin était capable de décoller, manœuvrer en vol et atterrir. Et une fois qu'il avait atterri, si on faisait le plein, etc., il pouvait redécoller de par lui-même et quelles que soient les conditions de vent. Un avion, à ce qu'on entend, moderne aujourd'hui. Un vrai avion au sens moderne et manœuvrable, etc. Donc effectivement, le vol des frères Wright, c'est 1903. Là, Gabriel Voisin, c'est 1908. Mais, but still, pour moi, c'est le premier vol d'un vrai avion à proprement parler. Et après la Première Guerre mondiale, quand il voit les horreurs dont sont capables les hommes, et notamment les hommes équipés d'avions, genre qui emmènent des grosses bombes dans les avions et qui les balancent sur la gueule des gens en face, il se dit « je vais arrêter de fabriquer des avions, je vais fabriquer des voitures qui seront magnifiques, belles techniquement, etc. » Inspiré etc. de ce que je savais faire. Et inspiré de la technologie de l'aviation. Et les voisins, pour moi, sont parmi les plus... belle construction automobile. C'est des voitures qui sont très jolies, très bien proportionnées, et surtout construites dans un esprit d'esthétique et de technique super classe, quoi. Enfin, vraiment bien. Et en plus de ça, j'aime beaucoup la façon dont parlait, écrivait et se comportait Gabriel Voisin. Donc, je porte beaucoup d'affection pour le nom Gabriel Voisin et pour Gabriel Voisin. Enfin, mais... Et donc, dans cette liste, je vois apparaître Gabriel Voisin. Je me dis, waouh, super, va y avoir une ça promotion. Ça va être enfin ce nom-là. Va y avoir une promotion Gabriel Voisin. Et à savoir que moi, quand j'étais étudiant au CNVA, j'avais proposé le nom Gabriel Voisin pour ma promo. Ça n'a pas marché. Et je me dis, ça y est, c'est ma petite revanche. Devinez quel film est passé à la télé la veille. Du vote. Et devinez ce qui s'est passé le jour du vote. Eh bien, la veille du vote est passé le Mans 66 et le nom de Ken Miles a gagné avec beaucoup d'avance sur les autres et notamment sur mon très cher Gabriel Voisin. Donc,
Et je cherche pas à cacher ce qu'a fait Ken Miles. Je sais que Ken Miles, en plus d'être outre le fait qu'il ait été pilote et concepteur de la GT40, c'était aussi quelqu'un qui avait un sens vraiment technique de la bagnole, notamment sur des MG. Il a fabriqué des petites barquettes de course qui étaient très intelligentes et très bien conçues. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas que je ne peux pas blairer Ken Miles. Mais je me dis que quand on fout un Ken Miles et un Gabriel Voisin, en termes d'apport à l'histoire automobile, il y a un putain de gigantesque continent face à un tricycle. Aussi bien conçu soit-il, ça reste un tricycle dans l'apport technique au monde de l'automobile versus le continent Gabriel Voisin. Voilà mon avis sur le Mans 66. C'est pas du tout le Mans 66. C'est le problème, en fait, le film s'est pris... Le film je lui ai collé le backdrive du truc. Il s'est pris juste une balle perdue, le pauvre film. Parce qu'en vrai, le film est cool. Alors, je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais pris le temps de le regarder. Si un jour vous regardez le film, je vous invite quand même à regarder après l'histoire réelle. Parce que pour la beauté du film pour l'histoire et tout ça, pour que ça passe mieux, ils se sont permis 2-3 trucs sur comment s'est passée la course à la fin. Ce qui dénature pas du tout la qualité du film et tout, parce que c'est inspiré de faits réels et c'est pas une histoire complètement machin. Donc il y a 2-3 petites différences, mais en vrai, le film est top. C'est pas Nolan qui l'a produit, le film ? Qui l'a réalisé, pardon ? Mais c'est plus du tout. Je suis allé voir Oppenheimer hier. Apparemment, c'est pas bien. C'est pas ouf. Hein. Il faut aller voir Barbie, parce qu'il paraît que c'est bien. A priori, il faut aller voir Barbie. Si vous vous intéressez à la bombe nucléaire, regardez Fat Man et Little Boy, qui est un film des années 80. Qui sera mieux qu'Oppenheimer, apparemment. À mon sens, il est carrément mieux qu'Oppenheimer, ouais. Ouais, ouais. Okay. Et on y voit quelqu'un victime d'un syndrome d'irradiation aiguë, c'est dégueulasse. Voilà. Et donc, ouais, pour mon avis sur le film, comme je vous ai dit, le film est cool. Vraiment, c'est très sympa. Par contre, regardez quand même à côté qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce qu'ils se sont inspirés des faits, ils ont un peu tourné pour qu'il y ait vraiment un... Comment on dit un méchant dans les films? C'est un... Un Némésis. Némésis, voilà. Il y a un Némésis un peu plus fort que ce qu'il y a eu dans la réalité, donc ils ont fait 2-3 petites différences, mais ça reste hyper cool. Voilà. A priori, il est bien. Hein. Ouais, il est bien. Bon, il fallait pas qu'il passe sur Canal à ce moment-là. C'était même pas sur Canal, c'était sur une grande chaîne. Hein. C'est vrai? Ouais, ce moment, c'était pas un TF1 ou un truc comme ça. Parce que tous les gens de la promo l'ont vu, bien évidemment, pour voter pour Ken Miles après. C'est terrible, comme quoi tu passes juste le truc avant, et hop. Ouais, c'est ouf. Heureusement, ils n'ont pas passé Camping Paradise. Camping, parce qu'on aurait eu la R21. La R21 ou l'Aston Martin. Messieurs, dames, j'espère que ce live vous a plu. Merci beaucoup. C'était un peu plus light que la dernière fois. Après, en même temps, c'est vendredi. Oui, voilà. Et puis la dépose moteur, voilà, un style de sur une dépose moteur, on va peut-être pas le recommencer à chaque fois, celui-là. Non, il était... Bah, déjà, on va arriver à court de clients qui ont besoin d'avoir une dépose moteur. Hein. Mais en tout cas, on espère que ce live vous a plu. Et on puis voilà, attends, il y avait un truc que je devais montrer. C'est mercredi, de toute façon. Ouais, on se voit mercredi, ouais. Attends. Attendez, il va chercher quelque chose à vous montrer avant qu'on termine. Vous savez, l'autre jour, quand on a démonté le moteur... Ah, t'as refait la pièce. Eh ben, il y avait une petite poignée qui s'était barrée en couille. Eh ben, j'ai refabriqué une poignée en aluminium. Voilà, avec un petit trou pour la vis et tout ça à l'intérieur. Merci. Voilà, et on peut tourner la poignée. EVR19. On peut tourner la poignée, alors qu'avant, c'était un système super con avec une vieille poignée en plastique trop pourrie. Donc, voilà, ce magnifique... Donc, comme quoi, le tour, c'est pratique. Hein. Ce magnifique système qui nous a coûté 15 euros, je crois, et la poignée, en temps humain et en termes de matière, se fabriquait dans un allier... dans un alliage aéronautique. Hein. C'est fabriqué dans de l'aluminium 7005. Et en même temps, on avait ça en stock. Merci EVRW19 pour les cheers. Un petit coucou pendant le travail pour éviter de commettre des meurtres dans mon restaurant. Ça marche. Messieurs, dames, bonsoir. Merci beaucoup.
Encore une fois, merci à ceux qui nous soutiennent, à ceux qui ne nous soutiennent pas, à ceux qui nous merci à tous ceux qui nous regardent, qui apprécient notre projet, qui apprécient ce qu'on fait. On ne sait pas encore ce qu'on vous fera mercredi, oui. Mais on va trouver quelque chose de cool. Merci beaucoup pour votre action et bienveillance sur le chat. Je te regarde pas la bite, je regarde ton téléphone par réflexe. Ah, pardon, mais, t'inquiète pas. Mais merci pour la bienveillance sur le chat, pour votre participation, etc. Tout à fait. On avait très peur, entre guillemets, de dire à un moment, ah, il va falloir une armée de modérateurs et tout ça. Bah, en vrai, ça va. Ça passe. Ça va. On va vite couper le live après, avant qu'il faille modérer énormément. Messieurs, dames. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à mercredi. Passez un bon week-end.